Alors, petit récapitulatif, les amis. Vous le voyez, on est dans une optique d'avoir un titre. En Ligue des Champions, on est pour l'instant premier du groupe D. Et c'est déjà un bel exploit, puisque nous sommes dans le groupe des Zèbres, alias la Juventus, de Real Madrid et de Lille, le LOSC. Pour l'instant, 3 victoires, on a claqué le Real 4-0 à domicile, 1-0 contre la Juve et 3-0 à l'extérieur contre le LOSC. Donc pour l'instant, en Ligue des Champions, c'est un perfect. Le souci, c'est qu'en Première Ligue, c'est un peu la sauce. C'est un peu la sauce et je tiens à m'excuser, parce que c'est vrai que ce 4-2-4, on s'en veut un peu. Je pense qu'on a voulu trop innover. On a voulu peut-être créer trop de mouvements. Ce qui fait que... Il y a eu un peu trop de mouvements, je pense. Ça a été compliqué. J'ai revu. On a fait 4 victoires, 5 matchs nuls. Et pas que des bons. Et une défaite contre Liverpool. Donc, c'est pas encore fini. On a pour l'instant 7 points de retard sur Arsenal. On n'est pas au top. Mais il va falloir, par contre, être bien meilleur. Bien sûr. Mesdames et messieurs, ce 4-2-4, c'est terminé. J'ai revu un peu le 4-3-3, parce qu'on était sur un 4-3-3 un peu trop défensif, où parfois on avait du mal à créer du jeu, et surtout parfois on prenait des buts un peu terribles, c'est-à-dire qu'on était tout le temps dans leur terrain, chez eux, dans leur moitié de terrain, et on n'arrivait jamais à jouer, on était en mode, bah, parfois on avait 30 tirs, 15 cadrés, donc j'ai un peu revu les rôles. Ce qui fait que mes trois milieux vont avoir un impact beaucoup plus important, je vais plus jouer avec un meneur de jeu en retrait-défense, avec un milieu récupérateur comme je pouvais jouer l'an dernier, non, j'ai envie que les trois se portent à l'avant. Il n'y a pas de numéro 10, mais Sergio Gomez qui sera notre meneur de jeu attaque avancé, qui peut aussi être pris par Shackleton. C'est totalement possible. On va pouvoir justement alterner. Ça, il n'y a aucun souci. Notre Jamie en Mezzala. Mezzala qui peut entièrement être joué aussi par Traoré. On peut totalement imaginer une composition comme ça. Avec justement Guendouzi en box-to-box, Gomez en meneur de jeu attaque, ou alors avec un Shackleton en meneur de jeu attaque, Traoré, Mezzala, voilà, on peut faire tout à fait ce genre de choses. Quoi qu'il arrive, Davinson, pardon, je vais le remettre. Là où ça se joue beaucoup, Traoré pas ouf pour l'instant. Traoré pas mal. Traoré, on l'a beaucoup fait jouer en défensif, donc c'était pas facile, quoi. Shackleton, tu voulais pas le faire jouer plus dans la rotation. Ouais, c'est pour ça que pour l'instant, je partirais là-dessus, tu vois. Parce que notre Sergio Gomez, quand même, il nous apporte l'énorme avantage d'être pas dégueu niveau corner et coup franc. Ce qui fait que souvent, ça nous libère, parce que sinon, on joue avec Tsigankov, qui lui a 14 des deux côtés. Deux attaquants intérieurs qui repiquent, ça, assez classique. Et des défenseurs latéraux que j'ai remis en arrière latéral au lieu de jouer latéraux offensifs. Parce que souvent, du coup, ce qui se passe, c'est que on continue à les faire jouer justement avec des doublements ou quoi, mais ils ont une vocation un peu plus défensive. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que on va être chez eux, il va y avoir que Davinson et Bouba en défense, et ensuite on va prendre une contre-attaque qui va être absolument terrible. Donc voilà, on va essayer d'y aller comme ça. Je pense que c'est assez intéressant. J'ai essayé de forcer à nouveau à ce que les défenseurs frappent moins. Et voilà, dans l'idée. Vous avez des problèmes aussi. Que se passe-t-il, Slider? Ça lag? Non, ça n'a pas l'air de laguer. Hein. Tout a l'air de bien se passer. D'ailleurs, vous avez des problèmes de Twitch. Je pompe rien. Non, vous en faites pas. Normalement, c'est assez clair. Non, c'est OK, c'est OK, OK. Il y a eu des soucis dans le dernier replay. Je sais pas pourquoi. Tout simplement, ça n'a pas marché. Nedelec, il est blessé, hein. Nedelec, il est blessé 4 mois. Ça, c'est notre sauce, c'est pour ça qu'on a changé. Je parle méga vite. Ah ouais, mais les gars, on est en explication en même temps. On est en explication de la tactique. Enfin, c'est notre 5e saison, les mecs. Hein. On peut... Là, on y va, on commence à connaître, quoi. Hein. C'est... I'm sick. Merci pour le prime. On a fait une petite saison où j'ai fait full merde. J'ai insulté la merde de chaque joueur. Il y a un but qui a cassé dans le replay. Quelle tristesse. Ouais, j'ai vu et je sais pas à quoi c'est dû. C'est Twitch qui a mal encodé. Je suis désolé, en tout cas. Je sais que vous nous avez fait les retours. Gomez, à part pour les coups de pied arrêtés, je le trouve un peu juste pour la PL et la LDC. Bah en vrai, je le trouve très bon. C'est-à-dire que je pourrais le voir un peu juste, mais là, on l'a beaucoup fait tourner. J'ai envie de lui redonner sa chance parce que, en fait, en meneur de jeu avancé et même attaque, tu vois, bah le mec a tout, quoi. Vision de jeu 17, technique 17, contrôle de balle 17, 16 en passe, 15 en dribble, une belle inspi, belle décision. Tu vois, donc, en fait, il a les stats là où il faut. Il a vraiment les stats là où il faut et Jamie, on l'aime beaucoup, mais techniquement, c'est celui qui est le plus léger de la rotation à 3. Juste comme Jamie, bah, c'est notre fils, il nous fait quand même des gros matchs et il arrive à être présent. Mais on a du mal sans Sergio et là, l'avantage, c'est que les trois jouent ensemble.
Donc je pense que ça peut aller quoi. Ces passes dans l'intervalle font du bien. Ouais, c'est ça, je suis assez d'accord. Mais honnêtement, on verra un peu justement ce qui marche moins bien dans la rotation. Je suis tout à fait capable de faire jouer Traoré en mezzala et je pourrais avoir envie de ça, mais j'ai envie d'avoir toujours Shackleton Gomez pour l'instant et un Guendouzi qui joue box to box qui est vraiment le charbonneur de ballon quoi. Donc prête-le. Non non, on a envie de prêter personne là. Donc pourquoi Guendou remplaçant? Parce que la question c'est on saute qui quoi. Donc je l'ai recruté où? À Sassuolo je crois, si je dis pas de bêtises, mais il était parti à... ouais, Sassuolo, c'est bien ça. C'est bien ça, mais du coup il est peut-être un... Non, il est à Sassuolo de base sur la première année. Tsigankov pour l'instant il est juste blessé. Tsigankov il est blessé, il a 2 semaines de blessure, c'est pour ça qu'on joue avec Matteo à droite. Que vous dire de plus, j'ai Scott Reilly sur le banc, j'ai Lacazette qui peut remplacer Espo si jamais. Sigurdsson à gauche, Badiachil, Sanchez va jouer. Voilà, Guendouzi pour Shackleton. Vous préfériez vous jouer comme ça? Vous préférez un Guendouz à la place de Jamie et... Oui. Peut-être, oui, c'est plus solide. En fait, le truc, c'est que Jamie, c'est vrai qu'on l'aime, quoi. C'est ça, le truc. Après, la Guendouz, il nous a pas fait des mauvais matchs, hein, pour l'instant. Donc, ça me paraît plus solide. Moi, je suis d'avis. Boubile, merci beaucoup. Je suis d'avis. Pour l'instant, on a besoin de victoire. On a besoin que le milieu de terrain connaisse bien. Il va falloir justement entraîner, d'ailleurs la tactique, on va la faire entraîner tout de suite. On va la faire s'entraîner tout de suite, histoire que les mecs progressent. Jamie, on le connaît bien, il aime le club, il a une très très belle relation justement avec Sergio Gomez. Là où Guendouzi va falloir la former, et déjà derrière Sanchez et Camara, va falloir créer cette connexion. Donc va falloir justement faire venir. Pourquoi Traoré en boxe? Parce que Shackleton ne peut pas, et qu'il n'y a que Guendouzi qui peut. Et Traoré a les stats pour tout jouer en fait. Traoré a des stats pour tout jouer. Traoré, concrètement, je peux le faire jouer meneur de jeu avancé, attaque s'il faut. Bon, juste, je pense que Sergio est peut-être le meilleur à ce poste, quoi. Voilà. Diez, merci pour le troisième mois. De toute façon, il faudra faire tourner Boubile, hein, 37 mois. Merci, merci frérot. Voilà. Voilà, je pense qu'on est bon. On va commencer avec un premier match contre Millwall en Carabao Cup. Ensuite, on aura Tottenham. On aura Tottenham. Ahmed en 10. Non, on va pas jouer avec un 10, là. Donc il faut les faire jouer ensemble pour que la connexion... Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on pourrait se créer une petite connexion en allant chercher... en même temps, Jamie, je l'aime bien, quoi. On peut... Là, je propose... Attends, c'est quand les matchs? Parce qu'il va falloir faire tourner aussi, hein. 3 jours après, on rejoue, hein. 3 jours après, on rejoue et pour l'instant, ils sont fatigués. On va voir un peu comment on fait jouer parce qu'il y a aussi le fait de faire tourner qui va être important, quoi. Il va falloir faire tourner un minimum, peut-être, là, ici, pour pouvoir être chaud parce que en première ligue... Pas qu'on n'a plus le droit à l'erreur, mais il faut de la victoire. Il faut vraiment de la victoire. Là, on n'a plus le choix. On a fait beaucoup de matchs nuls. Maintenant, il faut qu'on enchaîne. On a claqué notre quota de matchs nuls. 4 victoires, 5 nuls, 1 défaite. Il faut qu'on passe la deuxième là. Proxyd, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi. C'est très gentil. J'ai un peu de marge. En Ligue des Champions, on est assez bien. Donc, mais bon, on va pas pouvoir faire tourner non plus, quoi. Voilà, voilà. Osef de la Carabao. Ouais, Osef un peu, hein, ça je suis d'accord. J'ai tellement peur. C'est une nouvelle saison. Bah là, c'est la cinquième. Liverpool qui gagne 2-0 contre Newcastle. Chelsea. J'ai vu Oussem Aouar qui était sur la liste. Oh, l'ovro majeur. 10 matchs, 7 buts. Ah oui. 2 passes D. Ah oui, l'ovro, il est en feu, là. Majutsu, merci beaucoup. Ils sont combien, West Brom? 9e. Oui, c'est nos concurrents directs, quoi. Balaga Guyou. Tout à fait, c'est un troisième mois, ça. Merci beaucoup. Je pense que là, on peut faire peut-être tourner un petit peu. Faire jouer la Guendouz. Peut-être un petit Scott Reilly. Il joue ça? Ah, il joue moyen, hein, les deux rôles, lui. C'est un peu le souci. Guendouz, il peut jouer Mezzala. En box-to-box, on va quand même partir là-dessus. C'est quoi le but du jeu? T'as une équipe de foot que tu dois gérer de A à Z. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. On va voir en fonction de qui est fatigué la veille du match. Sinon, ça sert à rien. Adri, merci pour le Prime aussi. Alors, on n'avait pas encore fait tout ça. Calendrier. Parfait. D'hiver, 2 matchs. Hop. Mais là, c'est clair qu'on a besoin de se reprendre et très, 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 très vite, quoi. Il faut vraiment assurer, là, maintenant. On a merdé la dernière fois. J'ai tenté des choses qui ne sont pas passées. Il faut qu'on relève la tête. Est-ce qu'on va être capable de le faire? On va le découvrir dans cette session. Honnêtement, je prie. Hein. Dernière session, je suis vraiment venu en mode confiant, en mode là, les mecs, on va envoyer du lourd, le 4-2-4, je le sens bien et tout. On s'est fait claquer sur claquer.
ça m'a fait un peu mal. Pourquoi tu mets pas la casette? Parce que là, moi, je suis en 2023. C'est pour ça aussi que je vous disais, je sais que beaucoup de gens ont envie que ça dure éternellement, cette saison FM, de pouvoir grandir avec, de pouvoir justement vivre jusqu'en 2070. Mais ensuite, c'est vrai que par rapport à la réalité du foot, tout est décomposé. Et le jouer quand Mbappé a 30 ans, je trouve ça moins marrant. De mon côté, j'ai du mal. Voilà. La casette, il apporte l'XP. Ouais, mais là, l'XP, on l'a à peu près. Là, l'XP, on commence à l'avoir. Coach Bizot est immortel. Emeris, merci pour le resub. Fais tourner ton gardien. Oh, le petit Ben. Oh, 3 semaines de blessure pour Benjamin Mendy. Ça faisait longtemps. On a eu une saison où il n'y a eu que des blessures. Non, mais c'est cool, ça faisait longtemps. Ça aurait fait chier de... combien de blessures pendant cette session? Un petit prono? Bah, ça commence. Ça commence tout de suite, ça commence fort. Faudra se trouver un autre jeu après. Oh ouais, mais il n'y a pas de souci, j'ai pas mal d'idées, là. J'ai pas mal d'idées. Putain, ça fait chier, hein, quand même. Hein. En entraînement, ils sont bien en... Attends, je les mets en quoi? C'était en repos. Ah ouais, tu vois, j'ai envie de les mettre en demi-intensité. Hein. En vrai, je les mets en demi-intensité. Hein. Les mecs sont... Les mecs en LV, je les mets en demi-intensité, j'en peux plus. Hein. J'ai eu trop de blessures, hein. Je mets en auto à chaque fois. Auto. Le souci, c'est que même quand t'as un staff qui est quand même insane, ils te le captent pas que faut peut-être les baisser un peu. 60-79%, il faut que tu mettes demi-intensité. Tu penses, c'est ça? Ici, là? Ah, mais tu vois, en fait, là, c'est juste que les mecs sont fatigués, quoi. Wesh, pourquoi ils voient jamais mes messages? Peut-être parce qu'ils sont nazes. Il y a peut-être cette option. Comme ça, là, tout... Non, en plus, c'était pas si naze. Il proposait une chanson. Une chanson qui est prévue, que vous allez entendre très prochainement. Mais, comme quoi. Mathéo Dédi... Oh, Mathéo élu espoir du mois. 2 matchs, 2 buts. Mathéo Dédi, sa récompense à Bizo. Ça, c'est beau, ça. C'est exactement ce qu'on voulait voir. L'entraîneur de Manchester United est plébiscité pour octobre. Nous, on est deuxième. On est deuxième, 3 matchs. 2 victoires, coach Bizo, on prend du point d'entraîneur. De toute façon, concrètement, là, on a fait quoi sur ce mois-ci? Il était bien. Un match nul un peu décevant contre West Brom, une victoire contre Newcastle, une victoire contre Fulham. Le mois d'avant a été compliqué. Hein. Ça a été un mois sans victoire en septembre. Le mois sans victoire, honnêtement, ça a été un mois à 3 points sur 12. Il a pas mis bien. Le mois à 3 points sur 12, il fait mal, quoi. Zodmo, merci beaucoup en tour, en tongue pour un ping-pong. Qui resub aussi, merci beaucoup les potos. Il se blesse parce que tu as une femme en kiné. Est-ce que ça ne serait pas totalement misogyne, ça, comme réflexion, là? On prenne un peu le temps de se le dire. J'ai l'impression que si. Le petit Aldo. Oh, le petit Aldo, mais putain, mais en attaque, les mecs, ils te sortent des trucs. 15 en appel de balle, 14 en sang-froid, 15 en finition. Le mec, mais c'est nimp, les new gen qui sortent, là. Jägermeister. Merci pour le prime. Ouais, ça te met du bon. Oh, le Sandro... Ça montre les stats de Sandro Tonali. Ah ouais, Tonali, c'est vraiment... Tonali, c'est fumé. Hein. Tonali, c'est vraiment fumé. Hein. C'est si fort, Tonali. Ça peut tout jouer, en plus. Il a l'Inter, pour l'instant. Tonali, c'est vraiment le crack de FM. L'an dernier aussi, j'ai l'impression qu'il faisait partie des pépites. Ça ne bouge pas. Bon allez, un match contre Millwall pour se mettre en forme. Ça peut être bien ça. Ça peut être très très bien. Tonali, il est facile à recruter en plus, ouais. T'as la pire commu de tout Twitch FR. Ah ouais, comme ça là, tu le sens? Ah, oh, je ne trouvais pas si mal moi. 56 messages. Non, moi je le sentais bien. Hein. Je le sentais plutôt bien, tu vois, genre quand tu vois certaines commus... Non, c'est un peu... Je trouve ça un peu osé, mais... moi, je nous le trouve pas mal. Je le trouve pas mal et j'hésite pas à vous le dire quand vous faites des trucs de merde, tu vois. Dès que vous partez un peu en couille, je vous mets de la petite claque, là, sur... du petit coup du lapin. Bam, bam. Ah, il faut. Hein. C'est important. Ok, très bien. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? United, ok, il n'y a pas de surprise là. Là, il n'y a pas de surprise. Alors, est-ce qu'on fait tourner? Je pense qu'on va faire tourner. Hein. Honnêtement, je pense qu'on va faire tourner. On est à 92%. Mais il faut du coup qu'on crée un peu de lien aussi quand même.
Il faut qu'on crée un peu de lien, parce que là, il y a du 95%. Je vais mettre Sigurdsson. Esposito, il fatigue un peu aussi. Hein. Le Esposito, est-ce que je mets du Lacazette? Faut pas non plus tout tourner. Hein. Si on fait tout tourner, ça peut être dommage, quoi. Tu peux voir le nombre de messages sur un chat. Ouais, tu peux cliquer, ouais. Tu peux cliquer. Le souci, c'est que si on commence à faire tourner tout le monde, on connaît ces matchs où on fait tourner tout le monde et on se retrouve avec une team... je vais faire jouer Douglas Borrell à droite. Qui est vraiment faible? Camara, il est en reprise, mais bon, va falloir aussi qu'il joue un peu. Shackleton, il aura une meilleure reprise. En plus, il va jouer du coup avec un peu Gendou. Le Gendou, Ahmed, il est où? Ahmed, t'es où? T'es sur le... Ouais, t'es même pas sélectionné pour l'instant, Ahmed. Est-ce que je fais jouer Badia? J'ai envie que Sanchez et Camara jouent un peu, quoi. On peut se mettre un Lacazette, hein. On peut se mettre un Lacazette, on peut jouer comme ça, je pense. Hein. On joue contre Millwall, ton gardien fait tourner. Zéro lien après. Bah là, il y a Jamie et Guendouzi qu'il va falloir créer un peu. C'est pas si mal comme ça, je pense. C'est important, hein, le prochain match, là, Tottenham, faut taper très fort contre Tottenham. Hein. Faut taper très fort contre Tottenham, faut essayer d'assurer un match nul contre la Juve pour se qualifier pour le prochain tour de Ligue des Champions. Et Swansea-Leicester, ensuite, faut envoyer, quoi. Et c'est vrai que là, on aura une pause après le match contre Swansea de 14 jours. Mais sinon, c'est des matchs qui jouent tout le temps. Mister Dodd, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue à toi. Badia, on va pas le faire jouer. J'ai besoin que Sanchez et Camara créent un lien. Il faut qu'ils jouent un peu ensemble. Camara a été beaucoup blessé. Douglas, il va faire souffler un peu. Ouais, je pense qu'on va jouer comme ça. Et on va faire jouer comme ça avec Ardor. Mister M. Ivan, merci aussi pour ce prime. Allez, on y va. On y va, les potos. Le premier match de la session. On espère ne pas avoir une clim. On espère ne pas voir une clim et on espère que ça va bien se passer. Après, c'est la Carabao Cup, hein. C'est une coupe qu'on a déjà gagnée, on est tenant du titre dans cette coupe. Nous, on a envie de gagner la FA Cup, on a envie d'aller gagner la Ligue des Champions, bien sûr, et la Première Ligue. Matthew Smith. Du bon Millwall. J'ai les combattures, je peux éviter les taux de terrain. Il n'y a pas de souci, maintenant, en live. Tu peux. Vaut mieux avoir une équipe qui joue souvent ou vaut mieux faire tourner régulièrement. C'est important de faire jouer souvent la même équipe. Sauf que quand tu commences à avoir deux coupes à jouer, plus le championnat, plus la Ligue des Champions, ça commence à être difficile et il faut avoir une profondeur de banc pour faire tourner, surtout sur les matchs importants. Mais faire tourner trop souvent n'est pas bon, quoi. Et juste là, juste on a enchaîné beaucoup de matchs avant, on a eu pas mal de blessures aussi, hein, donc c'était pas facile. Allez, contre Millwall, notre 4-3-3 un peu revisité, on va voir ce qu'il donne. Allez, on est parti, premier match. On veut voir du beau. Je baisse un peu, vous me dites c'est trop fort. Lacazette en pointe. On espère quand même que l'expérience de Lacazette va pouvoir assurer. Là, ce qu'on a envie de voir, en fait, c'est une équipe qui domine, qui se fait pas avoir par de la contre-attaque, justement, avec des latéraux qui sont un peu plus bas, qui ont moins tendance à être des ailiers. Sinon on comptait juste sur notre meneur de jeu en retrait pour assurer un peu ça. Allez, Guendouzi, la frappe était moche, mais le gardien l'a mal arrêté. Premier corner pour Leeds. Sigurdsson à la baguette, Sigurdsson sur Sanchez. Sanchez et Camara, j'ai trop envie qu'ils aient un lien parce que défensivement, c'était ça notre vrai souci. Honnêtement, on prenait vraiment l'eau. Pour ça que j'ai reculé un peu les latéraux. Et Scott Rey, ça passe à côté. J'étais un joueur sur FM sans l'éditeur de jeu. Domingo, il y a quelques Domingo. Coup de pied arrêté. Allez, direct. Allez, on y va, Scott. Allez, Scott. Pour la case. Donne-lui. Alex. Goal. Alexandre Lacazette qui ouvre le score. Et ça commence bien. Ah, ça commence bien. C'est bien, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir une belle victoire. On veut voir contre Millwall une victoire qui nous met dedans. Et ensuite, prochain match, on aura déjà le premier test contre Tottenham à la maison. C'est bien, Alex. Exactement pour ça que je l'ai pris. Décisif devant les buts. De l'expérience, de la solidité. Sanchez qui se prend pour un latéral. Renan Lodi, une frappe. Voilà, parfait. Hein. J'ai essayé de faire au max dans les options et tout pour faire en sorte qu'il frappe le moins possible. Il s'en bat les couilles. Allez, la case. Changement d'aile pour Renan Lodi. Côté gauche, Renan Lodi dans la surface. Il va faire que frapper, cet enfoiré. En même temps, il nous a mis des buts. Hein. Je crois qu'il a deux ou trois buts à son actif. Sanchez qui a poussé. Sanchez qui l'a juste poussé. Pour l'instant, ça domine pas mal. J'aime bien ce qu'on voit. Jamie qui repasse par Renan. La frappe peut-être. Enfoiré. Frérot, je sais pas comment dire, mais c'est beaucoup là. Monsieur Renan, il va frapper. C'est bien ça, Douglas. Guendouzi avec Shackleton là-haut. Pour Renan, finalement c'est côté droit avec Douglas. Borrell. Ça me tend un peu ça. Matteo fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui.
On le fait jouer, on le fait jouer. Il a été, on rappelle, hein, il a été homme du mois quand même. Sigurdsson blessé. C'est parfait, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de blessure. J'ai envie de mettre Craig Rennie en vrai. J'ai envie de mettre Craig Rennie, j'ai pas envie de mettre Lozano. Je pense que le match, on va le gagner. Et on va faire jouer un petit jeune. FC Infirmerie. Ça rend ouf les blessures. Ouais, on a vraiment beaucoup de blessures. Je vais mettre Craig. On domine pour l'instant. Ils ont 0 frappe. 27% de possession de leur côté. Après, c'est vraiment une équipe faible. Ah, vous êtes capable de mieux. Allez, mon Matteo, tu fais un peu mieux là. J'aurai besoin que tu me mettes un but. Jamie qui est un peu mou pour l'instant. De toute façon, c'est vraiment un match qui doit être un match fleuve, quoi. Le but, c'est juste de passer le tour. De se mettre en confiance avec une victoire. On en a besoin et de créer vraiment l'état d'esprit de conquérant, reposer aussi un peu les titulaires. Allez Scott, Scott côté droit avec, avec Matteo. Matteo là qui se fait chipper le ballon, finalement il réussit à centrer, c'est récupéré avec Guendouzi, la frappe de Guendouzi. Et c'est repoussé en corner, Matteo à la baguette, le corner, premier poteau, Sanchez c'était beau pour Booba. Hors-jeu, non, pas d'hors-jeu, j'ai cru que Sanchez l'a dévié et que Booba était hors-jeu. C'est bien ça. Il se passe quoi exactement? C'est Sanchez qui saute en premier. Ah, c'est arrêté par le goal. Et derrière Booba, le renard des surfaces. Si on retrouve notre Booba buteur, ça pourrait nous mettre bien. Dommage, Jamie, la petite récup là. Direct, Renan dessus avec Craig. Craig, l'enfant du pays. Oui, mon Craig. On lâche pas. On a eu peur. On a eu peur que tu nous déçoives. Pour Scott Ray, il y a aussi le... Ah oui, pardon. Ah, pardon, Scott. Pardon, Scott. On sent que t'as envie. Châtaigne, merci beaucoup pour le 11e mois. Bientôt l'année de sub. Oh, le Scott. Scott, il a des vraies stats, hein. Scott, honnêtement, il a des vraies stats. On l'avait acheté 10 millions, 17 ans, enfin 18 ans contrôle de balle, 17 ans technique, grosse vision de jeu. On l'a pas assez fait jouer, mais c'était difficile, il nous avait un peu déçus. C'est dans ces matchs de cup, justement, qu'il peut s'exprimer. Oh, la frappe du gauche. Oh, elle est belle. Le 3-0, on va faire en sorte de faire potentiellement tourner si jamais il y a besoin. Peut-être un Noan Kenney qui peut avoir un peu de temps de jeu aussi. Wenz, 22 mois, merci poteau. Allez, Renan. Allez, on cavale. En vrai, les latéraux vont toujours... avec le dédoublement, etc. Toujours essayer d'amener du jeu devant, mais en jouant un petit peu plus défensivement avec une tactique globale qui fait qu'ils vont reculer un peu plus qu'avant. C'est ton Liam Cooper qui joue en face. Oh, il y a Liam. Il y a Liam à Millwall, on l'a prêté. Non, on l'a vendu même, je crois. Oh. Ah non, c'est J. Cooper. Oh, Liam, t'es où? Il a été prêté à Millwall. Ah non, il a... Ah, il est à Johnstone maintenant. Ah, c'est pire. Ah oui, là, c'est la descente aux enfers. Ouais, on l'a vendu. Non, il était à Millwall il y a 2 saisons. Ah non, non, non. Fifou, merci pour le prime. Renan, tant qu'il peut frapper, qu'il peut pas frapper, il court. Ah, c'est le Brésilien. C'est bien, ça monte Sanchez. Sanchez aussi, il nous avait déçus. Hein. Sanchez, c'était un peu le nouveau Pickford. Il disait qu'il avait, enfin, il avait pas de potes et tout. Jamie, je vais peut-être remplacer Jamie tranquillement pour un petit Noan. Je me fais rêver, continue, merci François. Un petit Noan qui va pouvoir jouer, il n'y a pas grand chose de plus. Si jamais, peut-être Booba. Booba a changé, il a une forme assez faible. Allez, ça repart. 57ème, Craig. Craig du... il me bute. T'sais, il met vraiment son pied. Le talon tape les fesses pour aller mettre, pour aller centrer. Allez Scott, pour Alexandre. La casette qui va gratter justement le ballon pour Renan Lodi, Renan Lodi. Mais par contre, le dribbleur que c'est Scott, la frappe, Noan la frappe aussi. C'est repoussé à nouveau. Davinson Sanchez qui va récupérer le ballon. Et c'est pour battre... Oh, c'est sublime. Oh, on sent qu'il est déposé avec amour. Il y a une toute petite motte de... Une toute petite motte de terre qui saute. Une toute petite motte, tu vois. Vraiment, il va... Hop, il va la gratter celle-là. Il va la gratter, elle retombe juste derrière le mur. C'est le 4Z. Matteo, on va peut-être. En fait, c'est peut-être Matteo qu'on va faire tourner. Parce que Matteo, il n'y a toujours pas de Sigankov, donc. Excusez-moi. Les gars, juste. Vous. Millwall n'a pas l'argent pour avoir 11 mêmes maillots ou. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? On est sur. C'est-à-dire, c'est. C'est des mecs qu'on n'a pas vus depuis le début ou comment. C'est l'arbitre? Ils ont engagé l'arbitre, y'a quoi là? C'est, excusez-moi de dire que c'est étonnant quand même. C'est les arbitres qui viennent dépanner. Propre, propre. Je savais pas. Bracho. C'est bien Donna. C'est bien Donna. Il joue à 13.
Attention quand même. Booba qui envoie une gigamine. Allez, direct, on récup là. On monte l'envie, je vais sortir Mathéo. Je vais sortir Mathéo et la question c'est qui est-ce que je vais pouvoir faire rentrer Lozano, j'ai pas vraiment envie de lui donner du temps de jeu quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Espo, ouais, on n'a pas. T'sais, il est pas super bien en forme, quoi. Sergio non plus. Juste Zappa sur l'aile. Ouais, on pourrait mettre un Zappa sur l'aile en vrai. Hein. Juste pour la fin. Juste pour la fin, histoire de. Je vais baisser un peu l'intensité. Histoire qu'on se blesse pas. On est déjà à 4-0. Prenez la défense de vitesse. Allez pas vous claquer, les gars. Et allez, on y retourne. Allez, Douglas. Allez, mon Zappa. Oh, Zappa qui porte le ballon. Le centre pour Scott. Scott la frappe. Non. Ouf, Noah la frappe lourde. Échange Papa et Doug. Mais Doug, il peut jouer plus haut ? Doug, il joue pas beaucoup plus haut. Hein. Doug, il kiffe pas beaucoup plus haut. Hein. Zappa, il a un minimum de base. Mais de toute façon, là, on s'en fout. Hein. C'est juste pour pas cramer les joueurs. Dommage, Davinson. Nzuku, merci pour le prime. Concours de frappe lourde. Allez, Booba. Avec Douglas, avec Scott. Qui envoie un long ballon sur Craig. Pour Noah. Qui fait jouer Zappa. Zappa qui a vu Douglas Borrell partir. Peut-être un cinquième but ici. Noah à la récup. Noah à nouveau. Qui va jouer justement sur Zappa. La casette Scott. Oh, Scott la frappe. Ça passe pas loin sur cette frappe. Bon, c'est pas mal. Après, c'est Millwall. Hein. Ça aurait été décevant. Une seule frappe, c'est bien. C'est bien. On a senti que ça venait pas dans le dos. Ça vient pas trop. Ça vient pas justement dans le dos de la défense. C'est là où on avait eu du mal, mais de toute façon, on pourra le tester vraiment contre Tottenham, voir si c'est mieux un peu les rôles que j'ai mis. Un peu plus créateur de jeu, on va dire, dommage, Zappa. Un peu plus créateur de jeu au milieu de terrain, des latéraux un peu plus bas, mais qui quand même propose. Scott, pas dégueu du tout. Ouais, il est fort. Merci, Tib, c'est gentil. Trop chiant de pas voir en live les popcorn en étant au Japon, mais j'ai pas trop à me plaindre par rapport à vous. Ah ouais, t'es pas mal quand même au Japon. Mais c'est vrai que, quoi, c'est au Japon, c'est des heures en plus. Bien joué les potos. Ce qui fait que ouais, 20h ça doit être 4h du mat, c'est ça? À peu près. Si je dis pas de conneries. Bon, ça fait plaisir. Une victoire en coupe qu'on attendait, honnêtement. Rien de nouveau. Scott homme du match. 4 passes clés. Une énorme frappe. 7 dribbles. 2 têtes clés gagnées. Scott, loulou, hein. 20 ans, ça y est. Hein. Allez, la 32 mois en compagnie de PA, ta prog était guest cette semaine. T'es juste le boss, en fait. Merci, Isaël. Merci, Keyblade, aussi, pour le deuxième mois. Merci pour tout votre soutien. Et je vous rappelle qu'à 17h, il faudra soutenir, puisque nous vendons notre cul. et j'ai... Oh, Chelsea qui se fait sortir par Sheffield United. Oh, c'est dingue, ça. Et allez, 4 semaines de blessure. Et allez, on y va. C'est bon, ça, les 4 semaines de blessure. Ça faisait longtemps. Au moins un jour depuis Benjamin Mendy. Oh là là, c'est vraiment la game cauchemar. Bon allez, Tottenham là. Tottenham, faut frapper fort. Tottenham, faut réagir. On a besoin justement maintenant de gagner. On a honnêtement besoin de victoire. Là, chaque match nul va commencer à être très compliqué. Et notre calendrier, ce qui est bien, c'est qu'on joue pas tout de suite. Alors, on joue un très gros parce qu'il y a la Juve et il y a le Real. Mais c'est Manchester City ici. Donc, ce qui fait que la tactique qu'on a quand même mis en place, le 4-3-3, il est quand même connu, quoi. Contre City, il va être important. Il y a quoi à 17h? Il y a l'OP interdite. Il y a Christina qui a accepté, bien sûr, de me couvrir d'or. En échange d'un jeu nouvelle génération qui annonce un gros carton sur PS5 que j'ai la chance de jouer en exclusivité. c'est dingue, parfois ça ne passe pas. Tu ne peux pas mentir. Tu vois, genre parfois, il y a le filtre intérieur qui se met et ça ne passe pas. ça bloque juste. Non, je joue à Red Shadow Legends à un prix absolument fou. Donc voilà, on avait accepté cette OP en plein live FM. Où tous les ultras avaient signé pour justement... parce que du coup, vous allez devoir télécharger le jeu sur PC. Ça prendra 5 minutes de faire le tuto. On aura besoin de 2200 inscriptions. Hein. Donc messieurs, commencez à vous échauffer. Commencez tranquillement. Carabao Cup, quart de finale. Contre qui est-ce qu'on va tomber? Bon, y a Manchester United, Liverpool. Je pense que c'est un des deux. Allez, hop là, voilà. Non, mais de toute façon, c'est qu'on a signé. Hein. On a signé pour cette vie. Hein. Honnêtement, on a signé pour cette vie. Donc on décide juste de la vivre maintenant.
C'est ça le plus important, quoi. Sur tel, ça marche. T'avais 10 600. Ouais, mais on a poussé à 2200. On a poussé à 2200. On est sur quelque chose d'assez sympa, quoi. On est sur quelque chose... on est sur... parce que... on est sur un petit peu moins de 10$ l'inscription. Donc pour 6 minutes, c'est comme si vous offrez 2 mois de sub. Pas mal. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, je ne vous mens pas. Je ne ferai pas cette OP, sinon. En toute transparence. Mais on aurait pu aller chercher plus. Hein. On aurait pu aller chercher plus, mais... mais bon, après, c'est le toujours plus. Il a fallu être sérieux aussi. Voilà. Et gratuit en plus de notre côté, ouais. Et si tu fais pas 2200, t'as zéro... Non, en fait, t'as un tarif tous les 200, 300, je crois. Mais du coup, c'est moins intéressant si on fait pas les 2200. Mais on compte sur vous. On compte sur vous, bien sûr. Les ultras. On veut les chiffres, dit les termes. Ah bah là, je peux pas être plus... Sauf si vraiment tu... Sauf si le test pour passer au collège a été difficile d'un point de vue mathématique. Là, normalement, on l'a. Hein. Là, Arsenal qui bat Liverpool. Ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant. Parce que Arsenal, ils sont devant. Mais on en parlera tout à l'heure, les potos, je vous propose. Swobby, merci pour le deuxième mois. On en parlera tout à l'heure. Là, pour l'instant, on fait du FM. T'as une durée limitée ou c'est pendant la durée du live? On a une semaine, mais je compte sur vous pour le faire en une heure. Je compte sur vous pour le faire en une heure. Putain, Arsenal est très très chaud quand même. Hein. Ils ont pas perdu une fois, ils ont fait que 3 matchs nuls. Ils sont en train de s'envoler, quoi. Est-ce qu'il y a de la surprise? Y a pas de surprise. Hein. Majeur qui remet un doublé, mais Lovro, il est trop chaud. Allez, Norwich contre City, peut-être. Petite surprise. Norwich. 2-2, ça c'est bon, ça. Oh, à la 91e, il fait plaisir. Agüero en plus contre City. Hein. À l'ancienne. Enfin, à l'ancienne dans le jeu, du coup. Hein. Mais ça, c'est beau, ça. Ça, c'est pas mal. City qui, du coup, se fait un peu arrêter par Norwich, c'est très bon. Ça va nous permettre de revenir. Newcastle qui fait un gros début de saison. Hein. Nous, faut qu'on revienne à 20 points. Tottenham, faut qu'on les batte. Allez, on y va. C'est OK, la victoire d'Arsenal. Liverpool était devant. Bah, les deux, c'est un peu la merde, quoi. Les deux, c'est un peu la merde. Il va falloir qu'on envoie du lourd, quoi qu'il arrive. Les potes, on se met le 11 type avec du Zappa côté droit. Avec du Sanchez, du Renan Lodi à gauche, Gendou que je vais mettre sur le banc bien évidemment, Noan Kene. Pourquoi j'ai un mec qui est monté de... Ah parce qu'il est non sélectionnable. Oh, ça c'est du beau gardien ça. Ça c'est du très très beau gardien. Tsigankov qui nous manque. 6 jours avant le retour de blessure. Benjamin Mendy c'est 3 semaines. 4 semaines pour Sigurdsson. Et Nedelec c'est entre 3 et 4 mois. Il y a du temps. Mais Gendouzi, je pense qu'on va faire jouer avant tout des joueurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de jouer ensemble. La victoire est plus que nécessaire. Et j'ai Sanchez qui est au bord de la mort là. Au bord de la mort cérébrale. Mais Sanchez il récupère jamais ou quoi? Il a combien de... Il a 14 en qualité physique naturelle pourtant. Faut que... Un peu déçu de plus voir Pic-Pic. Ah frérot, Pic-Pic, on est très content. Est-ce que je le fais jouer ou je mets Badia? Je pourrais mettre Badia. Mais on a besoin que ça forme. 85% ça va à peu près en défense quoi. Risque de blessure élevé, mais ils sont tous en risque de blessure élevé de toute façon. C'est son ancien club, il va avoir la dalle. T'as pas mis le 99 à Donna? Non, il est à Craig. Il était déjà donné chez moi. Dernier match, il fait 6 têtes décisives. Badia, tu joues Zèbre après. Mais en fait, je me demande ce qui est le plus important. Si Badia pourra pas jouer contre la Juve. Moi, en Ligue des Champions, je suis quasiment qualifié. Hein. Ligue des Champions, j'ai 9 points. Le Real, ils ont fait match nul contre le LOSC. Ce qui fait que le Real, au mieux, fait 9 points. Et je leur ai claqué 4-0. Donc, je suis quasiment qualifié. Là, pour moi, la PL est limite plus important, vu les débuts que j'ai fait en PL. Donc il nous faut ce match. On va y aller avec Davinson. Oui, il me faut un point minimum, mais je pense qu'on va pouvoir négocier un point, quoi. Ça doit pouvoir se passer quand même. Vu ce qu'on a mis... Vu la situation, la PL est plus importante là. Senesi, c'est pas un milieu lui hein, c'est un défenseur. Ok. Deneyer, le petit Bentley, il vaut quoi lui? Ok, un peu de régène, pas mauvais. Son à gauche, Anthony à droite, Kane. Kane, il a pas l'air de beaucoup marquer dans... Oh, 10 buts, 20 buts quand même, si. Juste là, il est un peu en début difficile. Il va nous mettre un quadruplé. Ricardo, Cessegnon et Mike Maignan.
Ah, Thomas Tuchel qui a fait tomber Tottenham. Allez, on y va. On y va, les gars. Allez, il est important, ce match. Hein. Ce match, je vous cache pas que c'est déjà un match difficile et décisif. Allez, les gars. Je crois en vous, là. Je crois en vous. Allez, mon Esposito. Allez, on a besoin de retrouver cette équipe qui nous a fait rêver l'an dernier. On a eu du mal à se mettre dedans. On y va, les gars. On y va. Allez, Leeds. Allez, direct la récup. Super, Matteo. Super, mon Matteo. Allez, direct. On lève la tête. Espo. Petite passe en retrait. Elle pouvait se négo. Allez, du Domingo Leeds sur le chat, les poteaux. Allez, Bouba qui écarte là sur Lozano. Lozano qui a envie avec Esposito pour Jamie Shackleton, finalement, ça va être contré. C'est pas terminé avec Renan Lodi qui essaye de provoquer. C'est un corner. Le premier corner de ce match. Allez, mon Sergio. La grosse tête de Davinson. C'est dommage. Zappa qui est derrière. En couverture. Allez, on veut les asphyxier, mais justement, défensivement, aussi pouvoir avoir un repli rapide. 10e minute de jeu. Un petit carton jaune pour Ahmed. On va prendre aucun risque. Hop. Engagez-vous moins. Et c'est un nouveau corner. C'est une purge. Non, c'est pas une purge. Sergio. Allez, Sergio. Oui. Boum. Mais voilà ! Voilà qui nous sommes. Matteo avec la frappe à 30 mètres. Oh, c'est exactement ce qu'on voulait voir. Matteo, on le savait. On le sentait que Matteo, il allait exploser un moment. Et c'est aujourd'hui. Oh, la grosse frappe du droit, putain. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est sublime. C'est bien, les gars, c'est bien. Allez, défensivement, on est solide aussi sur corner. Pas la clim, pas tout de suite. On a trop souffert. C'est bien. Allez, Matteo, grosse frappe. Défensivement, t'es là aussi. Oula, super, Davinson. Un peu risqué, mais super. La relance directe pour Matteo. Matteo, le ballon en profondeur pour Esposito. Dommage, trop de joueurs sur lui. La frappe qu'il met, putain. Allez, Davinson, ça a failli passer. Heureusement que Bouba est là. Avec Lozano, côté gauche. Lozano avec... une inspiration assez étonnante pour Traoré. Traoré qui va relancer Lozano côté gauche. Lozano peut-être avec le centre. Il va repasser sur Renan Lodi. Renan Lodi qui provoque à son tour. Renan Lodi pour Shackleton. Esposito au point de... point de pénalty. Oh non. Putain. C'est infernal cette vie. On domine tout. On se prend un vieux truc de Bentley. Donna la main ferme là-dessus là. Allez, montrez que vous avez du caractère, les gars. On joue mieux qu'eux. C'est leur deuxième frappe. On prend encore des buts. Allez, mon Espo. J'ai besoin de toi, Espo. J'ai besoin d'un grand Espo comme l'an dernier. Oui. Amen. Oh, putain, dommage. C'est bien, les gars. Allez, il y a un partout. Pour l'instant, ça le fait, là. Pour l'instant, on joue. On a pris un but. Ça fait mal. Mais c'est pas encore une clim. Oui, super, Lozano. Super, l'envie, là. Petite passe en retrait pouvait être bien, quand même. Allez, un petit soyez créatif. 30e minute. Nouveau corner. Sergio Gomez, le pied gauche. Oh, pour Bouba. Oui, vous. Boum, enfin pas boum dans cette position. Ah, il y avait hors-jeu. Retour de hors-jeu après le corner. Super, Traoré, la récupération. Traoré pour Zappa Costa. Côté droit, Zappa Costa qui va remonter, qui va passer sur Matteo. Zappa Costa à nouveau. Zappa Costa, Esposito, peut-être Lozano. Oh là là, Lozano. L'aigle d'Acapulco. Ouais, c'est son surnom. On le connaît pas bien avec... Ah. Oh, c'est beau. Ah, oh, c'est très très beau. Ah, mais c'est très très beau, hein, ce qui se passe. Ah ouais, c'est, ouais, mais là c'est Lozano. Il n'y a pas encore eu Esposito. Hein. C'est du beau match. Hein. Mais c'est dévié. Non, on se chauffe un peu trop là. Il y a une grosse réunion qui arrive. Mais on va quand même pousser un peu. Hein, à un moment où je suis coach avant tout. Hein. Allez, Jamie. Allez, 37e minute, 2-1, il faut tenir. C'est dommage, Matteo, c'était bien joué ça. Le petit poteau extérieur. Un mois après, la situation n'évolue pas. Pardon, madame. Bref, ok, vive aussi, c'est dur. C'est dur cette situation d'être. Je suis coach à plein temps, moi. Dommage, j'ai mis la frappe là. C'est pas mal du tout. 42e minute. En même temps, les buts qu'on a eus, ça mérite. Hein. Je vais lui montrer en replay. En plus, elle adore Esposito, elle est fan hein, depuis toujours. Sergio. Allez, Renan, super ça, Renan. Renan, il est trop fort pour dribbler. Il est trop fort pour se créer des occasions. C'est dommage, Matteo. Faut la claquer, cette tête. Hein. 2-1 à la mi-temps, on rentre content. Abods, merci beaucoup, Abods. Donc, Abods, c'est Louis Vuitton. Et du coup, les réunions et tout, avec du Esposito en fond, parfois, c'est un peu chaud. Ça se passe pas trop mal. Vous êtes capable de mieux, les gars. Vous êtes capable de mieux, tout simplement, là.
Il y a un moment où c'est juste 6,5 là, Sanchez. Allez, hein. Allez, mon Davinson. Hein. C'est lui qui fait l'erreur. Non, c'est pas lui qui fait l'erreur. C'est pas lui qui fait l'erreur pourtant. Juste un peu dégueu, quoi. Allez, capable de mieux. Surmotivé. Allez, les gars, le troisième but là. On a besoin de ces 3 points. C'est la course au titre cette année. On le sait, on a l'équipe qui va avec. Jamie, dommage, l'ouverture est passe. C'était quoi ça, Zappa? Allez, Zappa, Sergio. Sergio qui repique Zappa avec Traoré avec Sergio Gomez. Putain, Mike Maignan qui est dessus encore une fois. Nouveau corner. Sergio, la tête. Clac, clac. Je me suis niqué le coup. À la blessure. Le coup du lapin. Le coup du lapin en live. Jamie me fait pas un match de fou. Hein. Ahmed. Si, Jamie, tu vois, il fallait juste que je le dise et. Progresse. Allez, Ahmed. Hein. Voilà, le centre de Zappa là. Super, Booba. Oh, ce tacle debout là. Allez, Ahmed, magnifique. Capable de remonter la balle. Exactement ce qu'on te demande. Et la petite faute de Skip. Est-ce que c'est dans la surface? Est-ce que c'est pas dans la surface? C'est un coup franc. C'est aux abords de la surface avec Matteo. Non, c'est Sergio Gomez avec son pied gauche. Deuxième pote. Tout, c'est fort. C'est fort, mais ça suffit pas. Allez, les gars. Allez, putain, on a besoin d'un troisième but là. On le sent que ça peut craquer sinon. Et j'ai pas envie que ça craque. Hein. Fait un bon match. Excellent match de Lozano. Nos deux ailiers sont incroyables. Esposito, j'ai l'impression, il a pas beaucoup de ballons. Hein. Espo, on le trouve assez peu. Espo, c'est 12 ballons, enfin 12 passes faites, 91% de réussite, mais sinon on a du mal à le trouver. Hops, merci beaucoup pour le sub aussi. Après, du coup, c'est mes attaquants intérieurs qui ont tout le taf, quoi. Moi, je le laisse en tout cas. On a besoin, si jamais il a une action, un face-à-face ou quoi, de concrétiser. Allez, les gars, là, on peut récupérer ce ballon, on peut le récupérer. Allez, pour nous. Super, Sergio, direct. Jamie, par à gauche. Lozano. Putain. Allez, juste soyez créatif. Toujours, c'est nous qui faisons le jeu là. Allez, Ahmed. Et il est bon ce ballon pour Espo. Allez, Espo, tu provoques, tu rentres, tu frappes. Ah, elle est pas bonne cette frappe, il faut le dire. Sanchez, il est en train de crever. Hein. Sanchez est en train de crever, mais changer un défenseur central pour faire entrer Badiachil, c'est dur. Hein. C'est pas facile. Hein. Ça, c'est pas facile. Je réfléchis si je fais pas rentrer un Gendou en box-to-box, quelque chose comme ça. Ça pourrait être... Qu'est-ce que j'ai fait comme changement, là? J'ai pas fait de changement, en fait. Fais confiance à Badia. Mais en fait, c'est toujours dur de faire rentrer un défenseur central. Hein. Oui. En plein match, faire rentrer un défenseur central à 2-1, là où il faut surtout pas prendre de but... Non, bah, c'est sérieux, Zappa? Il fout ma gueule ou quoi, lui, là? Demandez-en plus, là. Ahmed, je sens qu'il va nous prendre un deuxième jaune, ouais. Je fais rentrer Gendou à la place de Ahmed. On va faire rentrer Gendou. Tranquillement. Zappa, non, mais Zappa, il apporte, mais... Zappa, il apporte. Un petit récupérateur soutien. Histoire d'aller chercher plus de ballons. Si jamais. Allez, les gars, faut pas craquer maintenant. Oula, oulala. Oh non, non, s'il te plaît. Oui, merci d'avoir cette qualité de frappe. Salut, je le découvre. Salut, bienvenue. Zappa commence à être cramé. Zappa, il a 73%. Il commence à être fatigué d'un point de vue. Ah, ça, je suis d'accord. Ça fait entrer du milieu def. Allez, on se trouve pas là-dessus, les gars. On ressort proprement avec Renan. Voilà, Renan côté gauche avec Lozano. On perd pas ses ballons, les gars. Suivez bien, là. Bien battu avec Jamie. Jamie qui rentre. Jamie qui va ouvrir sur Matteo. Matteo côté droit. Matteo justement qui est encore une fois. C'est lancé dans le point. Comment Esposito, seul devant le but, tu me fais ça? Là, il y a un souci. Tenemos un souci. Douglas, c'est trop dur de faire rentrer. Je vais faire jouer Sanchez jusqu'au bout. Hein. Je vais faire jouer Sanchez jusqu'au bout. C'est pas possible. Je peux pas faire sortir un mec en défense centrale pour le faire jouer 5 minutes de plus. C'est pas. Fais entrer Laka. Ah, je sais que c'est peut-être pour lui. C'est peut-être pour Seb. Oh non. Seb, il est pas dedans. Hein. Matteo, là-haut. Allez, on revient, Redan. Hein. On fait les efforts, les gars. On lâche pas. Hein. Là, on lâche pas ce match. Hein. J'ai besoin de vous. Hein. Moi, je peux pas aller chercher les titres sans vous. Hein. Allez, Matteo. Oui, boum. Oh, Gendou, c'est bien Gendou.
Allez, 5 minutes à tenir. À en demander plus, encore. Allez, le but du 3-1 là. Oh, Camara. Il crache un poumon là, c'est en train de vomir du sang là. C'est bien, super retour Guendouzi. Non. 4 de cuit. Allez, un peu moins. Je vais mettre la casette à la place de Matteo. Juste pour qu'il souffle un peu. Gratter un petit changement. C'est la dernière action. Ça peut... Oh, yes, il y a le hors-jeu. Allez, les gars. Allez, s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît, on va chercher les 3 points. Sobrement. Camara, tu l'as... Oh, c'est sublime. Oh, c'est sublime. On les prend, ces points. Rosemary, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, je suis la voisine, c'est pas un moment que je vous entends crier. Sachez qu'il y a des enfants en bas âge dans l'immeuble et qu'entendre vos débats. Oh oui, mon expédito n'est pas très approprié. Merci pour votre compréhension. Putain, il était dur ce match. Hein. Il était dur ce match, mais on l'a gagné. Les 3 points sont à nous. 31 frappes, 13 cadrés. Seulement 2 frappes cadrées pour Arsenal et c'est sur coup de pied arrêté qu'on s'est fait avoir. 11 tirs arrêtés pour Mike Maignan. Un peu déçu d'Esposito. Honnêtement, un peu déçu d'Esposito. On va leur dire que bien joué les gars, vous avez remporté une belle victoire. Espo, j'en attends plus sur le prochain match. Hein. Je te le dis clairement, j'en attends beaucoup plus. Matteo, c'était sublime ce que tu m'as fait. Honnêtement, tu me mets une frappe, mon pote, mais digne des plus grands. Lozano aussi sur le but, t'es sublime. Rien à dire, Sergio Gomez, encore une fois, en meneur de jeu, parfait. Sanchez, ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Les 3 points qui sont récupérés, ça fait plaisir et on revient. On est à 4 points de City, toujours à 7 points de Arsenal. Il faut qu'on les regratte. On a eu du mal à revenir de toute façon. Esposito se préserve pour la Juve. Matteo étincelant. Matteo, il nous a fait un petit 13 km hein, durant le match. Gomez heureux du soutien de son entraîneur. Ah, frérot, on se connaît depuis le temps. Relance ton jeu, sinon ça va être le bordel. Non, bah, on gagne là. On peut pas. On est devenu trop superstitieux. Hein. Riku TV, merci. C'est bizarre que tout revienne si rapidement à la normale. Non, après les gars, on n'a pas non plus été à chier quoi. On a mis 4-0 au Real, on a sorti Arsenal en Carabao. À Old Trafford contre United, on a fait match nul. Juste en fait, on s'est fait avoir par les petits. On perd 2-1 contre Liverpool, ça c'était dommage. On met 5-0 à Norwich, on met 3-0 à Southampton. Juste, on a craqué sur 2 partout contre Wolves. 0-0 West Ham, 1 partout Brentford, 0-0 West Brom. Ces petits trucs qui ont été problématiques et qu'on a essayé de résoudre. Fire Blacks, merci pour le Prime. Blue Scales, 4e mois parmi nous. Maintenant, oh, 4-0, ils mettent... mais Rashford, frère, il a déjà 11 matchs, 14 buts. Calme-toi, ouais. Respire un peu, frérot. Laisse-en aux autres. Hein. Oh, ils ont 27, 26. 14 buts. Léon Bailey, il a 7,97. 8 passes D. Oh, en même temps, ils ont lâché combien pour lui? 86 millions, putain. Diamond Star, merci aussi pour le 2e mois. Bon, allez. On y va. Ensuite, on aura du Swansea, du Leicester. Des matchs où il faudra gagner. Oh, le flow. Oh, le Florian. Repos pour Sanchez. Désolé, coach, pour le retard. J'avais réunion. Pas de soucis, Bobif. Lovro, 9 buts. Non, mais Lovro, il est très, très chaud. Attends. C'est où repos, déjà? Là. Je le mets à repos un jour. Comme ça, c'est bien. La tête des joueurs dans FM sont magiques. Ah ouais, ça, c'est... C'est toujours assez terrible, ouais. Je vais mettre une petite... La 2e défense dans les airs, là, je vais défendre sur coup de pied arrêté. Coup franc défensif. Petite défense sur coup franc défensif. Qualification en jeu. Les joueurs de Leeds pourraient assurer leur qualification. Si on gagne, on est qualifié pour le prochain tour. Est-ce qu'on est capable de gagner comme ça à l'extérieur? Charge actuelle trop faible. Je vais remettre les entraînements maintenant que j'ai fait ça. Je vais les remettre en automatique. Comme ça au moins. Ça va être géré, sachant que j'ai mis demi-intensité à 60-79%. Merde.
Définir intensité recommandée par kiné. Moi j'ai aucun auto, demi, normal, normal pour le setup du repos et tout le monde en auto. Aucun, aucun. Demi, normal, normal. Ok. J'ai passé là-dessus. C'est pour ça qu'on a quand même énormément de blessés. Hein, cette... Pensez-vous que Sergio mérite d'être appelé en équipe? Et bien sûr, Sergio c'est... Sergio c'est... C'est Iniesta quoi. Alors là il est... Ils l'ont perdu, c'est le moment ou jamais de... il est espagnol, hein. Oui, il est espagnol. C'est le moment ou jamais pour l'Espagne. Hein. Zéro sélection, toujours. Ils ont qui en équipe d'Espagne? En Espagne, il y a pas mal de joueurs, quand même. Il y a qui Coquet. Coquet, j'ai l'impression qu'il a 70 ans depuis... Ah ouais, Coquet, lui, c'est une intégrale... Colchoneros, quoi. Fabian. C'est pas mal, quand même. C'est pas dégueu. Hein. Un petit Dani Olmo, ouais, c'est ça qui a de la stat, hein. C'est vrai qu'en milieu pur, Rodri aussi. Plus récupérateur, mais... Petit Francisco Jesus. Quoi? C'est quoi ces joueurs-là? Formés à Barcelone. C'est quoi ces régènes, là? 19 en accélération, 19 en agilité. 17 en jeu de tête. Par contre, 17 en jeu de tête pour avoir 11 en détente verticale. à quoi bon, hein? À quoi bon, à quoi bon? Allez, Brentford. Allez, Brentford. Allez, Brentford. C'est ça. C'est sublime. Chelsea est en train de décrocher. Chelsea est à 10 points d'Arsenal, Manchester United et tout. Et ils sont à 3 points de nous. Chelsea décroche. La joie des stats random. Le plaisir. Ok, parfait. Francisco fait 2m12 mais ne saute pas. Allez. La Juve, le déplacement. Matteo qui est dans l'équipe de la semaine, Lovro, hein. Putain Lovro ça fait plaisir qu'il réussisse. On l'a toujours bien aimé, on l'a quitté parce qu'on n'arrivait pas à jouer avec un 10, mais voir Lovro réussir à ce point, moi je suis très satisfait, j'avais peur, c'est vrai qu'on a tué pas mal de carrières, il est vrai, pas vous mentir là-dessus. Oh, Paname qui met 4-0 en même temps, Paname, Ousmane Dembélé, Neymar, Mbappé, Neymar, Lautaro Martinez, Mbappé, Ousmane Dembélé, Pogba, Verratti. Sympa, hein. Ah, ils ont recruté lui, finalement. Pour 18 millions, à West Ham. Alors qu'ils ont quand même Ter Stegen. C'est pas dégueu, Ter Stegen. Mais bon, ils font tourner, hein. Et ils font assez vite tourner, dès qu'on est en Ligue des Champions, il en faut pour tout le monde. Il y a Mauro Icardi, hein, si jamais, sur le banc. Un petit Flotov. Flotov, il est fort sur... à l'anglais, si jamais, en défense centrale. Petit Diallo. C'est qui, ça? Ils ont d'autres joueurs, en plus, qu'ils utilisent pas, là. Du Pizarro, Zielinski, il y a Alan aussi. Casemiro, à l'heure actuelle, il a genre 27 ans, 28. Je pensais qu'il avait déjà un peu, qu'il était déjà un peu plus vieux, quoi. Il n'y avait pas Messi. Messi, je crois, il a pris sa retraite. Là, ça y est. J'envoie Valsé, 61 mois. Merci beaucoup. Trop fort, Thauvin dans le jeu. Ouais, Thauvin, il est très fort dans le jeu. Il est très très fort. Ils ont acheté tout le monde. Ah bah ouais. Sur FM, ça rigole pas trop. Attendez, parce qu'on a un match après contre Swansea. Comment est-ce qu'on va jouer ça? Sergio, il est fatigué. Hein. Le truc, c'est que Renan est explosé aussi, sauf qu'il n'y a pas le choix, quoi. Renan, on a Mendy qui est fatigué, donc il est fort aussi RL. Oh non, bien sûr, non, mais dans le jeu, c'est vraiment insane. C'est compliqué, là, hein, pour faire tourner, hein. C'est très compliqué. Je vous cache pas que là, je pense qu'on va jouer comme ça, comme ça, comme ça, déjà, pour le milieu. Histoire de faire souffler Sergio qui commence à juste être cramé. Lozano et Matteo, je peux pas les faire tourner, quoi. Est-ce qu'on met Badia à la place de Sanchez? Il y a une première en live pour moi. Bienvenue, mec. Il y a un débat qui s'est lancé. Fais jouer Scott. Je sais pas si j'ai vraiment envie de faire jouer Scott, là. Un petit Badia avec Booba, au moins Sanchez sera bien pour le prochain match. Le truc, c'est que les ailiers, je peux pas faire plus tourner. Hein. Jamie gratte du temps de jeu. Non, Jamie, on recompte sur lui. Hein. Jamie, on l'a un peu écarté, on recompte fort sur lui, quand même. Là. Gomez joue. Non, Gomez, je vais le mettre sur le banc, je le ferai rentrer au pire.
mais il est un peu plus atteint que les autres. Et j'ai Renan qui va être fatigué, mais il n'y a pas le choix. On le fera récupérer, on lui mettra un jour de repos, je pense. Et Lozano, Matteo, on leur mettra des jours de repos aussi. Hein. Je pense. Hein. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Nerox, 16e mois. Et Ragnarok aussi, 2e mois, merci. Zappa, il est bien encore, tu vois, il peut jouer là. Booba, il est Cramax. Booba, il est un peu fatigué, ouais. Mais ça va aller, ça va aller. Je pense qu'on est pas mal comme ça. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Quand tu vois notre banc... Quand tu vois notre banc, on n'a pas beaucoup le choix. Craig Rainey, putain. Il est là, le Craig. T'as un mode 10K, je l'ai envoyé en prêt. Le mec, il fait que marquer. Paléron, merci pour le prime. On va partir en positif. Tu les fais trop jouer, ils se blessent. Ouais, non, mais je suis con. Je suis con de faire jouer les... Enfin, je suis con de les faire jouer, quoi, tout simplement. Je devrais leur dire, Ligue des Champions, finalement, on n'y va pas, les gars. Non, on n'y va pas, vous êtes fatigués. Non, je vous sens pas dans le mood. Je vous sens pas dans le mood. Vous savez quoi, on va se faire une après-midi tournoi FIFA à la maison. On n'y va pas, c'est loin en plus. Hein. L'empreinte carbone, tout ça. Petit café. Allez. Ouh là là. Oh, N'Golo hein, qui a failli avoir les couleurs de Leeds. Morata, Jovic. C'est vrai qu'on avait déjà vu qu'il jouait en formation EPE. Le bon Rabiot. Il joue bien N'Golo là-bas. Oh, 7,43 de moyenne. Putain. C'était mon joueur. C'était mon joueur, ils n'ont pas voulu me le vendre. Entreza, merci aussi pour le 5e mois. Allez, on y va comme ça. Allez, sur la lancée du dernier match, en véhément. Nous pouvons assurer la qualification. Allez, on va voir si ça suffit ou pas en faisant tourner. On a les points maximum, donc disons que c'est important. Une victoire nous suffira, quoi qu'il arrive, même après contre le Real ou alors contre Lille, à nous qualifier. La première place ferait quand même plus plaisir, hein, forcément. C'est important, mais on joue beaucoup de trucs, sachant qu'on a pris un peu de retard déjà. On va voir ce que ça va donner contre la Juve. Pour l'instant, on est vraiment les gros du club. Enfin, du club des poules, pardon. Et pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Oh non, mais c'est de la merde, ça. Mais je prends ça, mais je prends vraiment ça. Je joue défensif, quoi. On va y aller défensif. Elisera, merci aussi. Je prends vraiment ce truc. Cette frappe... Oh, elle est belle, quand même. Lui, c'est son 2e but. Bon, allez, les gars. 9e minute, on a pris une petite clim. On montre qui on est. Allez, Matteo. Ah ouais. On n'est pas eux. Hein. On n'est pas ce genre de joueur. On n'est pas ce genre de club, là. Booba qui prend un jaune dès le début. Alexandro aussi. Allez. Matteo qui rejoue derrière sur Guendouzi. Guendouzi avec Renan Lodi. Ça, faut que je change. Faut pas que ce soit lui qui frappe. Lozano. Non, c'est dommage. Attendez. Je vais juste modifier un petit truc. Tireur de coup de pied arrêté. J'ai pas envie du tout de jouer. Ça bug ? Non, c'est bon. J'ai pas du tout envie que ça soit... Je vais faire je frapper Ahmed, je pense. Ahmed, même les coups francs. Parce que sinon, ça va tout changer avec les latéraux et tout. On n'a pas prévu ça. C'est Renan automatiquement sinon. Allez Badia. Allez Badia pour Matteo. Matteo dans la surface. Matteo qui centre. Putain, on a besoin de toi Espo. Matteo la frappe à nouveau. Guendou en deux temps. Et c'est repoussé. C'est Chesney toujours dans les cages. Ah non, c'est Zarza. C'est leur nouveau goal là. 18 ans. Mec, mais putain Espo, réveille-toi frérot. Super le tacle. Super. Et la couverture de Renan, elle est belle. Ah. Guendouzi qui vient de tacler les deux pieds décollés Rabiot. Le chasseur de primes. Zarza, c'est Krakito. Hein. Le Siglio. Super, Lozano. Dommage. Encore. Oh, N'Golo, la passe dans le dos. Super, Badia. T'es présent, mon Benoît. Super, Renan. Allez, les gars, maintenant. On construit vers l'avant. On a besoin. Allez, Guendou, de la tête. Zappa pour Matteo. Matteo qui va repasser dans l'axe. Matteo, peut-être pour lancer Lozano. Lozano, justement, qui est ici. Lozano qui va repasser. Lozano, c'est un peu mou. Hein. On sent qu'il n'y a pas trop d'envie. Renan qui a peut-être relancé Lozano finalement ça retombe sur lui, Renan Lodi dans la surface, Renan Lodi, deuxième poteau, Matteo, c'est dans les bras de Zarza. On a besoin d'être un peu plus percutant là-dessus, 61% de possession, cette frappe, donc 4 cadrés. On est dans le match, c'est nous qui créons le jeu, on ne subit pas le jeu de la Juve et ça c'est plutôt positif. Jamie Shackleton à son tour, là qui va essayer de donner le ballon à Esposito. Le Real Madrid qui vient d'ouvrir le score contre le LOSC. Attention dans le dos, non il est blessé, mais dis pas qu'il met un but du turfu, hein. Ouais quand même. Allez, on demandait plus là.
Super, super l'intervention Badia. Allez Espo, allez Espo. Allez. Du pchit. Tout ce qu'on veut. Mais on veut de la récup. C'est Bonucci qui avait fait de la merde, si je dis pas de bêtises, dans le match aller où il avait fait une passe en retrait. Et on a eu Esposito. Oh, dans le... Super, super Donna. Super Donna. Et derrière on récup, on construit. Oh, arrêtez de lancer des longs ballons comme ça les gars. Construisez un peu plus, on a la qualité pour là. Lozano qui a un peu de mal dans le match. Matteo aussi, ça a du mal à passer par les côtés. Zappa en souffrance. Allez, c'est agressif là. J'attends beaucoup plus de vous. T'es stressé mon pote. Tu peux faire mieux. Je sais ce dont t'es capable. Très déterminé. Tu peux faire mieux. C'est du très déterminé un peu partout. Motivé. J'ai besoin de plus que motivé là. Heureux. C'est pas que heureux. Hein. Je veux que t'y ailles la tête. Prêt à te mettre la tête dans le mur là. Faut aller accrocher un match nul. Le match nul ferait plaisir. La victoire bien sûr encore plus. Mais le match nul déjà nous mettrait très très bien. Empêcherait la Juve de récupérer des points un peu bêtes. La première place, il faut aller la chercher. Hein. Oh, oh, pop, pop, pop. Y'a rien là-dessus, là. Allez, Morata, on le stoppe, on le stoppe, on le stoppe. Non. Non, Booba. Oh, Booba. Oh, Booba, l'erreur, Booba. Oh, Rabiot qui fait la passe de l'année, là. Oh, Booba. Oh, Booba qui récupère pas là-dessus et Donna qui est battu derrière. Allez, bougez votre cul, là. N'Golo qui prend un jaune, Rabiot qui est toujours blessé. Hein. Matteo 6,3, ça commence à être insultant là. Je suis à deux doigts de faire entrer Craig Rainey là. Pour l'instant c'est la Juve qui est devant. Hein. Au moins faut mettre des buts, hein, histoire que le truc de confrontation directe... Allez, dans le dos, dans le dos, dans le dos. Arrêtez! Putain, il se passe quoi là? On prend 3-0, on se fait claquer, on est qui? Qu'est-ce qu'on branle là? 6-20, tu dégages. Dégage, je m'en fous, je mets Craig. Ça va aussi, Guendouzi, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fous, Zappa? Je mets un côté droit, c'est honteux là le 3-0. Les gars, on va le regretter. Hein. Ce match, on va le regretter là après. Hein. Quand on va tomber contre le Barça hein, au premier tour... Allez, Douglas. Jamie sur Craig. Craig qui accélère. Craig le centre pour Esposito. Esposito, il est mou, il est mou. Voilà, ça dans le dos à chaque fois. Ça dans le dos à chaque fois et Donna a pas été très bon. Hein. Il nous faut un but là. Il en faut même deux. J'ai mis combien la Juve? J'ai mis 1-0. Alexandro, ils sont tous un peu fatigués quoi. C'est un peu ça mon souci là, c'est qu'ils sont tous un peu cramés. Hein. Oh, Memphis qui rentre en plus. Allez, allez Jamie. Allez Espo, part. Oh Craig, il va faire un nouvel espace. On le sentait. Hein. Oh là là, c'est mauvais, le centre est mauvais et tout. J'ai envie de les insulter là. J'ai vraiment envie de les insulter. Il va falloir faut qu'on fasse un peu tourner pour qu'au moins ils soient pas morts pour le prochain match quoi. Qu'on assure, fait rentrer la case. Je fais rentrer la casette à gauche pour pas que Lozano soit mort, mais là... Ahmed. C'est dans le mur. Ah ouais, on y allait trop confiant là. On y allait beaucoup trop confiant. Putain, autant de frappes cadrées qu'eux, hein. Plus de possession. Juste, ils ont été décisifs, pardon. On n'a pas été tranchants, nous. On n'avait pas la dalle là-dessus. Allez, Jamie. Qu'est-ce que tu peux nous faire, Jamie? Jamie qui garde bien le ballon, c'est bien joué. Renan qui change d'aile pour Guendouzi. Guendouzi, il n'y a pas de proposition là. Allez, Craig. Craig pour Jamie. Oh, c'est mou, c'est mou, c'est mou. Les frappes sont molles. On se fait claquer. Il n'y a rien à perdre avec deux attaquants. On n'a pas le... Oh là là, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est juste pas bon. Hein. C'est juste pas bon, on n'avait pas envie là ou quoi. C'est dommage. C'est dommage parce qu'honnêtement, niveau stats et tout, on est là. Juste au bout d'un moment, c'est du foot quoi. C'est pas des stats. Hein. Matteo qui nous fait 6,2. Dire aux joueurs qu'ils ont montré un bel état d'esprit, mais on se fait claquer gros. Je suis pas satisfait du tout. Qu'est-ce que tu me dis? Lui, je vais aller le voir dans le... Je peux pas garder un joueur qui me fait un match de merde. Je suis juste pas content, je suis déçu. Forcément, je suis déçu, Esposito et tout. On prend 3-0 et on laisse peut-être la première place. Le but, c'était d'assurer un minimum, mais... Oh, c'est quoi ces régènes, là? Lui, on l'a déjà vu, lui.
On en est où là des poules du coup? Putain, il y avait eu combien entre eux et moi? J'avais mis un 0 je crois, non? J'avais gagné un 0. Bah écoutez, là il nous faut de la victoire parce que à égalité de points, ça sera la Juve qui sera qualifiée premier. Et quand tu vois les premiers d'autres groupes, il y a Paris, Bayern, Barcelone, Inter. Oh le Barça ouais on le sent là. Qui claque des 5-1 au Borussia Dortmund qui sont derniers. Ils n'ont pas fait une victoire. Bah alors Huguinho, qu'est-ce qu'on fait Huguinho? On est fatigué Huguinho? 31 matchs, 19 buts, 7 passes D quand même. Hummels il a 34 ans. Et 34 ans, 8 d'accélération, tu m'étonnes que ça doit commencer à être un peu juste là. Putain, c'est pas bon là ce qu'on a fait, c'est dommage hein. Bon, après on a fait un peu tourner pour justement être présent en première ligue. Je pensais pas prendre un 3-0 quand même. C'est pas fini, la Juve peut perdre face au Real, faut que tu fracasses le Real. Ouais, après j'avais joué à domicile les deux matchs contre le Real et contre la Juve. 10 joueurs appelés en sélection. Ah, ils vont en venir fatigués aussi. Ils vont en venir fatigués. J'avais juste dit que je mettrais tac. Renan, un jour au repos. Putain, c'est trop chiant ça, je sais jamais à chaque fois. Là, c'est ça. On va le mettre un petit jour au repos. Joue les jeunes pour le prochain match. Non, j'ai laissé Sergio Gomez, j'ai laissé 2-3 mecs justement sur le banc. 3-0 pour l'OL, oui, oui mon Carl. 5-0 pour... Oh, Lincoln. Oh. Ah, j'avoue que là... Oh là là, le Grisou qui met un doublé. Putain, c'est fou hein. Comment ces petites games de LoL hier, ça l'a boosté, mais pff, ça lui a donné un gain de confiance niveau match. 10 matchs, 8 buts depuis, c'est dingue ça. Papa Ours FR, merci beaucoup pour le Prime. Merci pour tous les resubs, les potes. Y'a Bibizor qui a lâché son Prime. Monsieur Ruskov, le resub Go Solo, Asbash Lafonte, Larkin, Floyd Music, merci à tous. Merci beaucoup. Cherki est fort, Cherki est pas mal, mais du coup, il se fait un peu placarder, je crois, à City. Donc, il progresse, mais c'est pas non plus insane, quoi, pour être honnête. Heure de l'OP pour ce qui bosse, ça sera à 17h. Doublé pendant le confinement, il gère Grisou. 2,8 millions par mois, pas dégueu le Grisou. Ah, ça se régale. J'arrive pas à trouver ma partie Lincoln. Je crois qu'il est à Flamengo. Si je dis pas de bêtises. De base. Donc, faut que t'aies mis le championnat du Brésil, je pense. Enthousiaste, allez les gars. Là. En tout cas, en première ligue, on a besoin de grosses victoires. On a besoin de grosses victoires en première ligue, ça c'est sûr et certain. Allez, Davinson, on se met du Sergio. Voilà, Sergio, clac, on va jouer comme ça. De toute façon, après, il y aura une pause, donc il y aura une pause, ça pourra tourner. Donc là, j'ai l'impression qu'il devient meilleur que Zappa. Deux joueurs appelés en section, j'ai cru que c'était une blessure. S'il y a moyen qu'il n'y ait pas trop de blessures là prochainement, ça ferait plaisir. Hilton joue toujours à 46 ans. Montre. Ah, il est devenu entraîneur. Il a craqué. Il a arrêté en 2020-2021. Le craquage. Va entraînement des jeunes. Il aime les jeunes. Pas lui. Ah, je crois bien que c'était lui, non? Tigan qui va revenir, ça fait du bien, ça aussi. Ça fait du... Bon, ça, c'est un petit jeune qu'on a prêté qui joue pas, donc... Matteo, il continue... Oh, je lui dis que c'est très bien et il me fait chier. Plus vieux que le président du club. De ouf. Buffon, il joue toujours. Je pense pas que Buffon joue. Il y a un Liverpool City intéressant. Wolves Manchester United aussi. West Brom, Arsenal, allez Lovro. Hein. C'est le moment ou jamais Lovro là. C'est le moment ou jamais du Lovro. Je fais le tour de terrain pour le retard. On va mettre une petite critique peut-être à Esposito. Ouais. Ça fait deux matchs là qui il a du mal à trouver le chemin des filets. On va lui mettre une petite critique gentille sur les prestations récentes. Tu joues un cran en dessous. Je vais pas me retrouver sur le banc des remplaçants. Allez mon pote, on a besoin contre du Swansea là. On jouera Leicester après. On a besoin de gros matchs.
Ouais, j'espère que Arsenal se fait accrocher. Allez, Lovro. Allez, Lovro. Allez, mon Lovro. Lovro. Oh, Belotti à la 90e sur penalty. Mais c'est quoi ces matchs truqués, là? En même temps, il y avait une certaine domination, quand même. On se frappe cadré à une. 90e, le penalty, quoi. Oh, ils grattent des points, eux. Les gratteurs. Offensif, Tsigan. Tsigan, il est un peu fatigué quand même. Je vais le mettre à la place de Craig quand même. Si jamais on peut le faire rentrer sur la fin, ça peut être bien. Sinon, c'est un peu fatigué hein, pour Ahmed. C'est un peu fatigué pour Ahmed. Ça se porte mieux du côté de Gendou. Ça joue moins. Est-ce qu'on met Ahmed? Ahmed nous fait. Ahmed on va mettre le Gendou, je pense. On va mettre le Gendou en box-to-box, qui joue un petit cran au-dessus pardon, récemment. On va en profiter. Espo, il est seul. Ah, mais justement, il a besoin des ballons. Quelle belle année passée à tes côtés. Merci, coach. Merci, c'est gentil. Tsigan sur le banc, Scott, Noah. Ok, on y va. Allez, les gars, là. Allez. Je respecte pas assez Traoré. Si, bah, il est fatigué, là. Donc, je le mets sur le banc, il rentrera. Thales Magnou en pointe. 12 matchs, 4 buts, 4 passes D1. Bon, c'est le moment. Commence pas à vouloir nous montrer des trucs de ouf, s'il te plaît, Thales. Joue la cool. On a besoin du titre. Nous sommes sur une bonne série. Je veux un gros match aujourd'hui. Sergio, un cran plus haut. Bah, il joue le plus haut des 8, là, en tout cas. Faut pas faire jouer ton 8 plus haut. Faut pouvoir qu'il lâche l'année. L'année de sub. Allez, les gars. Allez, contre Swansea, il nous faut 3 points, là, direct. En 10. Non, on n'a pas envie de jouer. J'ai pas envie de jouer avec un 10, là. On a déjà parlé de ça, les potes. Allez, Sergio, dans la boîte. Boum, la tête. Putain, super la récup, super la récup. Allez, on veut du gros niveau, là. Allez, mon Lozano, fais la diff un peu, Lozano, là. J'ai besoin que tu bosses un peu plus sur ton côté, là. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est on fait jamais le dribble. À gauche, ça passe que si Arenan qui fait le geste. Super, ça, Jamie. Super l'envie. Allez, Espo. Oui. Putain. Récupère encore, Arenan. Super. Pour Sergio, direct Lozano, côté droit. Putain, dommage. Dommage. Encore. Boum. Oh, mais c'est infini. Il veut être dans une compile, le goal ou quoi, là. Ça s'arrête jamais. Le mec, il a fait 6 parades de suite. C'était bien, pourtant, on avait une belle action, là. Allez, Sergio. C'est bien, ça. Oh, putain. Ça tacle les nerfs, hein. Super, Lozano. Voilà, exactement. C'est ça que je te demande. Super, la passe pour Matteo, la frappe derrière enchaînée. Allez, les gars, soyez créatifs. Il va nous falloir des buts, là. Totem, ça, merci beaucoup. Oui, monsieur Sanchez. Oui, mon Davinson. Le mur. On t'a recruté pour ça, 60 millions, là. C'est sublime. Il part à la limite. Pouah, elle est glissée, cette tête. Elle est glissée. C'est super, les gars. C'est super. On continue comme ça. On leur monte. On développe un peu la tactique, là. On joue au football. Les ballons pour Esposito. On essaye de le mettre. Norwich qui est en train de battre West Ham. On s'en fout, quand même. Sergio qui a voulu changer d'aile. C'est pas passé avec Jamie qui va accélérer un peu le jeu. Renan Lodi. Jamie, la frappe est molle. Qu'est-ce que j'ai raté, coach? Pour l'instant, une victoire en Première Ligue contre Tottenham, une victoire en Coupe contre Millwall et on s'est fait claquer contre la Juve à l'extérieur. Oh ouais, Thalès. Merci Thalès hein, d'avoir gardé ta frappe en manque de calcium tout le long, jusqu'ici. C'est avec beaucoup de plaisir que je la vois, celle-là. Oh non, Matteo qui se blesse. Oh, c'est infernal. Le mec, il se claque, on sait même pas comment. C'est infernal. Humility, merci mon Pierre. Oh là là, du coup, je vais devoir mettre Tsigankov. Mais Tsigankov, il va jouer un peu plus que prévu, Tsigankov. C'est fou, ce nombre de blessures. C'est fou, quand même. Allez, direct récupéré, on est chez eux. Oh, Gendou. Oh, monsieur! Ah, si, monsieur! Non, c'est, on est clairement sur une situation de monsieur ici. Hein. Oh, Gendou! Oh, le Matteo! Oh, la frappe! Oh, c'est parfait ça! Sublime, bien joué, Matteo. Il a apprécié que je le mette titulaire. Il se bat pour sa place aussi. La concurrence qui paye. Renan, engage-toi un peu moins. Allez, le 2-0, il met bien. Tsigan qui rentre, passe des directs. On le connaît, hein. Le Tsigan. Voilà, le Tsigan.
Dès que je parle bien d'un joueur, il fait de la merde. Gendou qui vient récupérer ce ballon. Hein. Qui vient sacrifier long ballon pour Esposito. Esposito, dommage. En même temps, l'autre, c'est un chat, hein, le goal. Hein. Il a pas mal d'arrêts à son compteur, mais c'est vrai qu'un but d'Esposito nous ferait du bien. Je pense que ça lui permettrait de se remettre en confiance pour les prochains matchs. Des matchs importants. Douglas Borrell qui perd un ballon un peu bête ici. Attention justement à la contre-attaque avec, avec Bidwell peut-être pour Thales Magno dans la surface. Donnarumma qui nous a fait une petite roulade sur lui-même. Allez, Davinson. Voilà pour Jamie. Davinson, long ballon sur Lozano. Lozano qui va chercher Lozano. Lozano, une fois c'est passé, deux fois ça passera pas. Ah, c'est tous ces petits détails là. Oh, ça se trouve parfois. Hein. Gendou pour Tsigan. Tsigan qui va repasser avec Sergio. Sergio, magnifique cette passe. Magnifique. Dommage, Lozano. Dommage, Mo Irving. Bon, est-ce que dans il y a du match... Bon, il y a que du match où on s'en fout, là, en ce moment, qui est en train de se jouer. Allez, véhément, c'est bien. On continue sur ce rythme, les gars. Allez, mon Espo, hein. Tu le sais, tu peux faire beaucoup mieux. On le sait tous, ici. On est pas mal à te le dire. On veut pas te mettre de pression, mais... passe la deuxième. Passe la deuxième... Après, vu le début de saison, il peut faire que mieux. C'est l'avantage. Allez, un petit troisième, ça nous mettrait en confiance. Jamie, superbe, la passe pour Douglas. Douglas pour Lozano, pour Jamie, pour Gomez, ça a cafouillé. Douglas qui récupère. Et c'est une touche, à nouveau. Bon, c'est bon, ça. Là, ça joue pas mal, là. Contre les petits, il faut qu'on puisse assurer. Il nous faut du 2-0, tu vois, Il nous faut les 3 points dans ces matchs-là. On a fait trop de matchs nuls bêtes où on n'a pas réussi. On leur met 30 frappes d'écart et on réussit juste pas ouvrir le score et tout. Des 0-0 un peu naze. C'est les matchs pièges. Hein. Oh, l'ouverture, elle est trop forte là pour Esposito. Douglas à la vanille. Non, c'est bien Renan. C'est bien. Oh là, Renan, il s'est blessé 3 fois ou quoi? Renan, il était en fin de corps. On va se mettre en moment clé là sur ce match. On espère qu'il va pouvoir être assuré, faire un match correct, trop sûr de lui. Continuer juste comme ça, un peu créatif. 14 frappes pour l'instant, 63% de possession. Beau geste technique. Ok. Du petit changement. Je pense du Scott qui va rentrer. J'avais pas vu lui. On va juste lui mettre engagez-vous moins. On n'a pas envie de carton rouge bête. Lozano, je vais mettre la casette. Histoire que ça puisse un peu tourner, que la casette puisse aussi jouer. Allez, 15 minutes. Non, me dites pas ça, putain, Thalès. Putain, mais on galère hein, quand même. Il célèbre, c'est vrai qu'il a célébré cet enculé. Allez les gars, 87ème, pas de clim, tranquille, voilà on l'assure le match, on va au bout, on le déroule, 3 points. 16 frappes cadrées, on doit mettre plus que 2 buts quand même. Esposito encore une fois, un très mauvais match d'Esposito. On s'en sort bien aujourd'hui, faudra faire mieux contre des meilleurs. Y a pas à dire, Esposito encore une fois qui est en dessous, faut qu'Esposito retrouve sa forme. Heureusement, il y a un très gros milieu hein, avec Sergio Gomez et Guendouzi. Heureusement que Guendouzi va nous chercher cette frappe. Hein. C'est un peu comme le match contre Tottenham. Hein, s'il n'y a pas la frappe de Matteo aux 30 mètres, justement, qui met une énorme lucarne, on est dans la sauce. Et on a besoin de ces exploits parfois un peu individuels. Il va falloir corriger ça. C'est mieux défensivement déjà, d'un point de vue contre-attaque et tout. Alors, on a encore beaucoup de lacunes, mais c'est quand même mieux. Putain, le match là, ils auraient fait un match nul, ça nous aurait mis trop bien. En tout cas, pour l'instant, 2 matchs en championnat, 2 victoires. Tottenham qui perd, mais Tottenham, ça y est, là, c'est les bas-fonds. 4 victoires, ils ont battu City quand même. 2 matchs nuls contre United et Liverpool. Et beaucoup, beaucoup de défaites. Tottenham, ils sont out de cette course. Tottenham, ils vont viser l'Euro. Elle est toujours d'adresse. Ouais, challenger@domingo.tv, vous pouvez envoyer hein, si vous avez envie de passer dans Popcorn. Vous avez des trucs à raconter, n'hésitez pas. On reçoit toujours pas mal de demandes, donc c'est difficile de tout traiter, mais on est toujours sur ce mail. C'est le moyen pour passer dans Popcorn. Ton kiné, il a été payé par Arsenal. Amedori Gonzo, merci pour le prime. Bon, 14 jours, Leicester, ça va donner le... Allez, qu'est-ce qu'il nous faut là? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? 27, 26, 24... Pff, non, on souhaite pas une victoire de City, hein. On souhaite un match nul entre Liverpool et...
Là, on souhaite un match nul. On souhaite une victoire des Wolves et un match nul entre Newcastle et Chelsea. Match nul. Parfait. Victoire des Wolves. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Allez. Allez, Diogo Jota. Oh, 461ème. Et match nul, par contre, entre Newcastle et Chelsea qui est derrière nous. Bon. Toujours à 7 points d'United et Arsenal. Par contre, on n'est plus qu'à 4 points de Liverpool et à 2 points de City. On est en train de recoller. On est en train de recoller au wagon. On va profiter de l'aspiration. Ça, c'est pas mal. Tu devrais enlever le lead à Esposito. Ah, mais c'est dur. C'est dur, comment ça s'appelle, en plein... en pleine saison, comme ça, changer le capitaine, ça va créer des embrouilles. Ça va lui faire perdre encore plus de confiance et tout, donc je pense pas. C'est foutu pour le titre. Non, c'est pas foutu, on est à 7 points. On est à 7 points, il reste 26 matchs. Non, c'est difficile, mais c'est pas foutu. Non, faut pas, ils ont pas encore perdu ni United ni Arsenal, ça va arriver. Déjà, ils se sont joués déjà ou pas? Ils se sont pas joués. Ils se sont pas joués, tu vois. Donc, moi, j'ai pas joué Arsenal, donc j'ai pas de confrontation. United, j'ai fait match nul contre eux. Liverpool, j'ai perdu. Arsenal avait réussi à battre Liverpool. Pour quand la draft? Je sais pas du tout. C'est foutu. Oh, vous avez pas de... Espo out, il est fini pour le haut niveau. Est-ce que se filmer pour postuler pour le challenger peut faire la diff? Ouais, c'est toujours plus cool parce que... Oh, une petite blessure, 2 jours, ça va. C'est toujours plus cool... C'est toujours plus cool, ça nous permet de voir un peu bah, ta personnalité, mais de savoir comment tu t'exprimes et tout, quoi. C'est important. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu de pression, malgré tout, de passer devant 40 000 personnes pour raconter un peu ta vie. C'est jamais facile, quoi. Donc oui, ça peut faire un peu la diff. Petite draft avec Dembouz, Grisou et Gourou, le rêve. Non mais arrête, mais vas-y frérot, j'en peux plus. Tigankov qui reprend 4 semaines dans les dents, mais c'est avec l'équipe d'Ukraine cette fois-ci, mais c'est le maraboutage quoi. C'est vraiment le maraboutage vie. C'est grave hein, quand même là. Vous êtes ouvert à tous les domaines en vrai, sauf ceux déjà faits. Ouais, de ouf. Faut que ça soit intéressant et aussi grand public. Enfin, ça peut être un truc de niche, mais qui peut intéresser si vraiment tu nous parles d'un truc hyper spécifique où personne n'y comprend rien, c'est dur. Mais Sigan, en plus, il a tendance à se blesser ou il a pas ça comme... a tendance à se blesser. Alors, en même temps, vu ce qu'il a vécu récemment, mais avant, il se blessait pas. Hein. Il reste du monde encore 2-3, ouais. J'ai fait quoi la saison dernière? J'ai fait 3ème. Ce qui nous a permis de nous qualifier en Ligue des Champions. Non, je vais juste le critiquer, il fait de la merde. Je vais pas le féliciter alors qu'il fait de la merde. Exceptionnel. Je vais repostuler, merci de prendre le temps de répondre. Il n'y a pas de souci, mais ouais, je te dis, on a vraiment beaucoup de candidatures, donc parfois, on répond pas et tout. C'est un peu comme sur Insta, il y a un mec là, Yamulik, qui m'envoie pas mal de messages. Et au début, il me disait, putain, ouais, ça me saoulait de voir que tu parfois lisais, mais que tu répondais pas. Et puis au final, bah, j'ai compris que... Enfin déjà tu lis, c'est cool quoi. Et c'est vrai quoi, je peux pas répondre à tout le monde Insta non plus quoi. Ça a bien joué en... Oh le 5,3 lui. Est-ce que ça a bien joué Noan Kene? Ah c'est les U21 mais ça a bien joué. Sergio Gomez il est encore chez l'U21 mais ça a très bien joué. Ahmed ça joue très bien. Davinson ça joue bien. Oh, dommage, il se blesse en plus. Il se blesse alors qu'il avait très bien joué de ses gants. Oui c'est moi coach. Bah t'es là du coup. Je suis collectionneur de feuilles A4, je peux venir à Popcorn. Spécialiste en Clairefontaine, t'as de quoi? Le rachat de Newcastle, c'est fou. Il y a eu quoi? Oh, ça, je vais vous mettre cette vidéo après, vous allez voir. Le petit régal. Ils se sont fait racheter. Le rachat de Newcastle fait scandale. N'étant pas d'être vendu à un fonds d'investissement saoudien, une opération qui suscite désormais un émoi en Angleterre, mais pas seulement. Propriété de Mike Ashley depuis 2007, Newcastle est en phase de changer de main. Ashley serait même allé de sa poche en versant 150 millions pour faciliter la vente du club. Au final, devrait être vendu autour des 340 millions. Somme inférieure à ce qu'attendait Ashley, mais la crise du coronavirus est passée par là. Il détiendrait 80%, prêt à faire une razzia sur le mercato. Fait sérieusement tiquer la raison, la réputation de l'Arabie Saoudite concernant le respect des droits de l'homme. Les entreprises doivent se prévenir contre tout lien possible avec des violations des droits de l'homme. Bein Sport demande que la vente soit bloquée. Est un poids lourd pour l'appel avec un contrat de 570 millions. Ok, d'accord. Le problème, c'est qu'avec le coronavirus, beaucoup de clubs tombent en faillite. Ouais, tu m'étonnes.
scandale en lien avec les streaming TV soutenus par l'Arabie Saoudite. Ok, d'accord. Intéressant. Il y a beaucoup de rachats et tout en ce moment. Enfin, rachats et en même temps, il y a pas mal de trucs qui ont été aussi bloqués, ouais, comme on le disait avec... avec le coronavirus, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, là, il y a beaucoup de clubs qui doivent s'effondrer, quoi. Le petit Jetson. Oh, Diogo Costa. Hein. Diogo Costa, c'est vraiment les joueurs à avoir, ça. Programme d'entraînement, technique de match, on est bon. Ok. Le cours du pétrole à zéro. Problème potentiel avec Badiachil. Souhaite obtenir un nouveau contrat. Ok. Bon, juste le fait de lui en parler, c'est bon, quoi. Parfait. Il faut plus de capital que les propriétaires de City. Après, c'est un fonds d'investissement. Ouais, c'est ça le truc, quoi. Coucou coach, petit récap. Petit récap, écoute, on a mis en place une nouvelle tactique sur un 4-3-3. Deux victoires en première ligue, pas si facile que ça, mais 6 points. Grosse défaite à l'extérieur contre la Juve qui fait chier. Et victoire en Carabao Cup où on s'en fout un peu. Max, merci pour le prime. Voilà où on en est. Il y a un petit truc sur le chat aussi qui tourne avec les matchs. C'est Bordeaux qui gagne la match. Il y a beaucoup de clubs qui doivent... Enfin, si les clubs jouent pas... Parce que du coup, l'UEFA, j'ai vu... Inciter un peu à rejouer, quoi. Le truc, c'est que... si les clubs jouent pas, bah, ils vont tomber en faillite. S'ils jouent, c'est très compliqué. C'est chaud, quoi. McGourde Popcorn en transit. Ah, c'est fou, hein. On a pu en mettre que 180 des gourdes. Avec justement le Corona, on essaie de faire juste petit à petit parce qu'on peut pas mettre tous les stocks d'un coup parce que sinon ça sera pas envoyé, vous allez avoir 3 semaines de délai d'attente et tout. Mais c'est parti en 1 minute encore. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous le dire hier, que c'était vraiment... parce que je sais qu'il y a des gens, ça fait 3 fois qu'ils essayent d'avoir une gourde et ils en ont toujours pas. Mais là du coup c'est un peu à de la chatte, quoi. Ouais, pour la gourde en transit, ok. Pourquoi Diogo Costa, je trouve pas dans ma partie FM? Bon, en fait ça dépend de tes bases de données, mais normalement Diogo Costa... je trouve assez facilement. On va faire jouer 60 minutes. Et la casette... je vais le faire jouer 20 minutes. Voilà. Fais un stock de 2000 et popcorn en Gucci. Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens... Les gourdes en plus c'est le truc qu'on fait le moins de marge. Mais c'est un truc qui vous plaît beaucoup, donc je suis content, il y a plein de gens. Je vois vos petites gourdes et tout. Plutôt sympa, ça. Oh, Sanchez blessé. c'est chiant, putain. Entre 11 et 14 jours. Qu'est-ce que c'est chiant. Oh là là. C'est fou, ça. Camara qui s'entraîne mal. C'est dingue, là. Hein. On n'a jamais eu de saison comme ça avec autant de blessés, quoi. Le lien shop c'est boutiquepopcorn.fr et on a pas mal d'autres trucs, on avait mis des petites chaussettes et tout, c'était assez sympa. La saison de trop, non mais j'avoue que là putain on se fait punir, quoi. Leicester à l'extérieur, ouais, Leicester à l'extérieur, va falloir assurer là aussi, hein. Tu pourrais m'expliquer le concept des popcorn, je vois tout le monde en parler, je vois pas trop ce que c'est, de la question, on doit te la poser souvent. En vrai, 0-0 entre Chelsea et Liverpool, excuse-moi. Mais très bonne nouvelle. Le concept de Popcorn, c'est un talk show en fait, où on discute de différents sujets. Là, on le fait normalement, enfin, on le fait d'habitude dans notre petit plateau avec 3 chroniqueurs. On a des invités, on a un challenger par semaine qui est une personnalité pas forcément connue, quoi. Juste des gens, ça peut être n'importe qui ont des choses à nous raconter, que ce soit leur métier, une passion ou autre. Du coup, ça nous fait parler de plein de sujets différents. En ce moment, c'est vrai qu'on a pas mal d'invités parce que sinon, on parle d'un peu de ce qui se passe parfois dans le monde ou quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de coronavirus. Mais c'est un talk show, je te conseille de regarder si tu connais pas. C'est le mardi à 20h. Si t'as jamais vu, check sur YouTube. C'est assez sympa. Il y a une page Wikipédia maintenant, c'est vrai, il y a une page Wikipédia. Attends, on en est là, on ne rigole plus. Lozano à 92%, je pense que je l'enverrai se reposer après, surtout qu'on joue le LOSC, et le LOSC va falloir prendre les 3 points. Ça, c'est clair et net. Et ça serait bien que le Real défonce la Juve pendant ce temps. Est-ce que je mettrais pas un Craig Rennie sur le banc? Bon, on n'a pas le choix, je vais faire ça. On a besoin de repos. Traoré, il est revenu fatigué. Traoré, on va le mettre aussi. On va le mettre aussi à se reposer. On va faire comme ça, ouais. La page popcorn est plus détaillée que la tienne. Ah ouais, non, mais c'est fou, hein. On peut déjà DL raid pour gagner du temps ou pas.
On l'a pas activé. Je crois que sous mon stream, il y a un lien. Si vraiment vous vous emmerdez, n'hésitez pas. Hein, mais ça sera tout à l'heure. Ouais, sous mon stream. Sous mon stream, il y a comment ça s'appelle Il y a ça, si vous voulez. C'est sur ordi, mais on en parlera tout à l'heure. Je vais déjà bien vous forcer tout à l'heure, donc... bah pour toi, chef. Oh, mais t'es trop gentil, toi. Tout à l'heure, il va y avoir forcing. C'est ce soir, c'est à 17h, ouais. C'est à 17h où je vais avoir besoin des ultras. J'aurai besoin de 5-6 minutes de votre temps. On y va comme ça, je pense, contre Leicester. Le lien marche pas. Ah oui, alors c'est très chiant. Il s'ouvre pas le lien, c'est ça? Pour vous cliquer et ça se ferme automatiquement. C'est que vous avez Adblock. Faut juste désactiver Adblock pour pouvoir avoir accès au lien. C'est une pub dans une pub. Ça m'a fait la même. Je lui ai demandé au gars, genre ouvrir sur Firefox. Ou... voilà, on est sur ce genre de petit bail, quoi. Mais ça sera toujours, ça sera tout à l'heure. Ouais. MDR toujours plus. Ah ouais, non, c'est du... c'est... ton logiciel capte tout de suite que c'est une pub, quoi. Sky a réussi à en faire télécharger 800. Ah oui, non, mais moi... moi, vous... moi, je vous dis, hein, c'est 2200, les gars. Là, c'est 2200 ou c'est la sauce. Hein. Il faudra répondre présent. Les ultras ont signé. Allez, on y va. Plongé dans ses pensées, je crois en vous. On joue contre Bruno, en plus. Ça, ça fait mal. Leeds n'a perdu aucune des 10 dernières rencontres face à Leicester. C'est l'occasion de le prouver. Allez. On est parti, on a besoin d'un gros match. À nouveau. Oh, Bruno. Bruno qui joue contre nous. Oh non. Non, Bruno. Non, Bruno. Oh, putain, on est dominé d'entrée de jeu, là. Non. Oh, putain, ça joue mal, là. On commence et ça joue déjà mal. Allez, les gars. Allez, s'il vous plaît, on a besoin des 3 points. Pour l'instant, c'est un 6 sur 6 sur cette session en Première Ligue. On a besoin que ça continue. À l'extérieur aussi. Morelos, la belle récupération de la part de Shackleton. Renan Lodi qui va rejouer sur Donnarumma. Donna avec Douglas. Douglas directement, ça joue vite. Sergio Gomez, mais peut-être un peu trop vite. Attention. Ouh, le tacle. Ouh, le tacle. Oh là, je sens qu'il y a des trous, là. C'est bien. Non. Oh là là, ça panique, là. Tranquille, les gars, tranquille. Allez, Sergio. Sergio qui décale pour Douglas Borrell. Frappe pas, Douglas. C'est bien. Guendouzi, bats-toi. Putain, c'est pas assez, là. Jamie. Allez, faut qu'on mette en place notre jeu, là. Lozano, la grosse frappe. Jamie à nouveau côté droit. Il a vu que ça montait. Oh, elle est pas bonne, cette passe. Elle est pas bonne. Il carry Donna encore. Donna nous fait des bons matchs. Donna nous fait des assez bons matchs, ouais. Super, Lozano. Dommage. C'est dommage, on fait pas mal de petites récup, mais qui nous amènent pas à des actions derrière. Tu vois, là, par exemple, cette... ce ballon, on pouvait le gérer. Attention à la passe dans le dos. C'est dangereux tout ça. Hein. C'est dangereux. Pour l'instant, c'est eux qui font le jeu là. Allez, ça peut être à nous là aussi. Allez, mon Sergio. J'ai besoin de toi, frérot. Gendouz. Oh putain, j'y ai cru. Oh, j'y ai cru de ouf. Je me suis dit que ça allait dedans là. J'y ai cru comme jamais. Théo. Super Douglas. Exactement. Et on reconstruit. Et Gomez dans le dos avec Esposito. Esposito, putain, t'allais plus vite que ça avant. Allez là. On est qu'à la 20ème. On sent qu'il n'y a même pas l'once là d'une création d'un but ou. Milieu de terrain, on est dominé. Hein. Bruno Guimaraes, il apporte tellement. Heureusement, c'est dans les gants de Donnarumma. Donnarumma en l'occurrence, Donnarumma. Sergio, premier poteau. Oui. Oh. Oh, ça cafouille, hein, c'est bégayland chez nous, là. On demandait plus. Donnarumma. Merde, je clique sur une pub. Et Bruno, il est trop dispo. Hein. Allez, Guendouz, c'est magnifique. Jamie. Putain, hein. Ça joue en face ou pas? Il y a Liverpool qui doit jouer. Dans Liverpool, ils ont fait match nul contre Chelsea, c'est ça? Attends, on a l'occasion vraiment de recoller, là. Oh non. Hors-jeu. Oh, Donna, il nous a fait un exploit, mon pote. Il nous a fait un putain d'exploit, le Donna, là. Allez, boum, il y a déjà deux joueurs dans le vent. On y va. Il y a du trou. Allez, les gars, vers l'avant. Super, Jamie, super. Allez, Douglas. Oh, Douglas, c'est mou, putain, c'est mou. Jamie, Sergio Lozano, Esposito.
Qu'est-ce qu'on transpire, putain. Allez, c'est peut-être ça qui va débloquer Esposito, là. C'est peut-être ça qui va le débloquer, le Espo. La passe de Sergio, elle est sublime. Elle est sublime. Lozano qui frappe première intention, Esposito en renard des surfaces. Allez, les gars, on continue comme ça, là, direct, on leur met le deuxième. Espo avec Renan. Renan, Sergio. Sergio, Jamie. Jamie, Lozano. Sergio, Sergio. C'est... Vraiment, l'espace est très restreint ici. Lozano, Gendou. Sergio, Sergio la frappe peut-être, c'est finalement sur Douglas. Douglas qui provoque, Douglas qui remonte. Matteo, ça tacle dans le vide, putain. Ça tacle dans le vide. On est en tacle dans le vide, là. Tous les rageux qui n'ont pas cru en Esposito. Je vois des Esposito, ça me fait mal, moi. Seb, on y croira à vie, mais oui, oui, Gendou. Oh là là, mais les frappes en première intention comme ça, là, c'est vraiment... On fait attention. Oh, mais frère. Frère, il lui embarque... Non. Il lui embarque la jambe. Il lui embarque la jambe là-dessus. Putain, on a Sanchez blessé en plus. Allez, montrez ce qu'on attend de vous là. 6,4, Matteo. C'est pas forcément ce que j'attends de toi, quoi. Lozano aussi, hein, tu peux faire un peu mieux, poteau. Hein. Y'a qui d'autre là? Allez, mon Badia. Hein. Si tu veux revoir un peu le terrain de temps en temps, ça serait bien. Hein. Milieu de terrain, ça joue bien là. Match nul pour sûr. Non, arrêtez, on a besoin d'y croire, les gars. On a besoin d'avoir de l'espoir, là. En cette période. Justement, il faut... Oh, non. Super, Donna. Super, Donna. Super, mon Donna. On a besoin de ces récups, là, au milieu de terrain. Allez, les gars. Oh, on est mis à mal, quand même. Hein. Super, Donna. Oh, Donna, vraiment, c'est quelqu'un... Allez, pour nous, premier poteau, ça coupe. Oui, Espo. Oh, Espo, c'est un Espo en demi-teinte. Hein. C'est un Espo ravagé par la drogue, là. Hein. Jamie, Renan. Renan côté droit avec Matteo. Matteo qui provoque. Matteo pour Gendouz, la grosse frappe de Gendouz. C'est un corner. C'est un corner, Sergio. Oh là là, les corners, on n'y arrive plus non plus. Hein. Les corners, ils ont compris, il faut que je change. Un premier poteau, ça a marché une saison. Hein. C'était une belle escroquerie d'ailleurs cette saison. Non. Oh la barre. Oh la reprise de Bruno sur la barre. On va passer en positif. Hein. Oh oui, 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 mon Donna, tête dessus. Putain. Oh, ces matchs là. Matteo qui nous fait de la merde. Là. Matteo, il nous fait de la demeure. C'est vraiment... C'est encore eux qui ont le jeu, là. Non, j'ai trop peur. Non, en jeu. Super, Donna. Super, super, Donna. Je t'aime. Sergio blessé. Oh, Sergio qui s'est blessé, en plus. Oh, Ahmed est blessé aussi. Je vais mettre Scott. 6,4, 6,5, mes deux ailiers, là. Comment est-ce qu'on pourrait jouer ça? Est-ce qu'on se le mettrait pas en milieu récupérateur soutien ici, le Gendouz? Noan, non, j'ai pas envie de faire jouer Noan, je pense. Hein. Souvenez-vous de Scott. Hein. Scott nous avait fait un très très bon match. Hein. Il y a Lacaze qui pourrait rentrer. J'ai Craig Rainey aussi. Un petit Lacaze, hein, de toute façon, à la place de... Il nous fait pas un bon match. Lozano, le petit Alex, là. Allez, mon Lacazette, là. Allez, allez, Matteo, allez, Matteo. Oh putain, l'autre, ils sont en situation de chat en permanence. Matteo. Oh, dommage, Bouba, dommage, Bouba. T'es plus le buteur que t'étais. Allez, encore Renan. Oui. Oui. Les trois points à la maison. Les trois points à la maison, là. Allez, soyez plus disciplinés. Oh, je lui ai dit que c'était plus le buteur qu'il était. D'un coup, il remet le but, hein. Oh, c'est bon, ça. Oh, libération. Attention, qu'elle va pas prendre de clim. Hein. Tous nos matchs, on a fait 2-1 hein, pour l'instant. Tottenham et... Super, Donna. Très bas sur les appuis, hein, on l'a senti. Hein. On a fait 2-1 à chaque fois. On aimerait bien que ça fasse 2-0. La lassitude. En demander plus, hein. En demander plus, et il y a un moment où...
on va souffrir là. On va souffrir là. Engagez-vous moins pour lui. J'ai gain 12 en récup. Oh non. Oui, super Booba, super. Merci de me récupérer cette balle. Allez, la case. La case pour Scott. Oh, Scott, ça passe au-dessus. Je vais faire juste un petit changement. Est-ce que je mettrais pas un... Je mets un Craig Rainey à droite. Un peu de jeu pour... Un peu de temps de jeu pour Craig. Esposito, Matteo, Jamie. Jamie pour Esposito. Esposito. Oh, Esposito, Espo, Espopo, Espopo, putain. Allez, pas de choc, hein. Super, Donna. Donna, honnêtement, il nous fait une saison pour l'instant. Situation de pilier. Ok, Scott, apparemment, ça envoie, ouais, ça envoie juste du cachou, là, les gars. Réveillez-vous, les mecs. Non, 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 s'il te plaît, non. Pas la 89. Non. Oh, putain, j'ai cru qu'elle était dedans, merci. Oh, merci. Allez, 93ème, on glisse. Ça siffle. Loin. Le 2-1 FC. Oh, c'est dur. Ah, Dieu que c'est dur. Oh, putain. Mais c'est quand même une victoire. Il y a deux blessés chez eux, là, aussi. S'en tire bien aujourd'hui. Ça sera plus dur. Ah, je sais pas quoi te dire, la case. Hein. Je peux pas me satisfaire, je vais te dire. Esposito qui met un but quand même, ça peut le relancer. Lozano, j'ai pas aimé. J'ai pas trouvé dingue ce que tu m'as fait. Matteo aussi. Le reste, c'est très bon. Enfin, c'est très bon. Monte John Louis un peu. Ah ouais. 4 erreurs pour Badiachil. Hein. 4 erreurs pour Badiachil quand même, quoi. 3 pour Jamie aussi, hein. Inquiétude, tu as la blessure de Mané pour Liverpool. Sergio, c'est 2 jours. 2 jours de blessure pour 7 jours, ça va. Inquiétude de Reims concernant Lozano. Allez, on va mettre... je te mets un peu au repos, Lozano. Match le 29. Je sais pas avec qui on va jouer, mais... Bon, là, on adorerait que Norwich et Newcastle fassent un petit bail. Hein. Là, si jamais Norwich se chauffe, c'est maintenant. Norwich, n'hésitez pas. Vous êtes notre espoir. Oh, dommage, ça. City qui gagne et Norwich. Match nul. 2-1. Putain, il n'y a que des 2-1. On en est où là? On est à 2 points de Liverpool et City. On est à 4 points de Arsenal, mais ils ont un match de retard. Mais c'est bien, déjà on a décroché de Newcastle. Newcastle-Chelsea, on a décroché. On est dans le wagon. On est dans le wagon, les potes. Renan Lodi qui va être suspendu du coup pour le prochain match, c'est contre Lille. Et je crois que j'ai Ben Mendy qui est de retour. Est-ce que tu aurais vendu ou gardé Donna? Ah bah Donna, mec, il a quel âge? Il est jeune en plus, là. Il a 20... On est en quoi, 2023? Il a 26 ans? 24 ans, putain. Ah, il est vraiment très jeune, ouais. Ah, frère, c'est... ça, c'est tu gardes sans souci, hein. Donna, tu vas au bout avec, hein. Riley qui a une augmentation. Allez, les Wolves. Oui, mon Diogo, je t'aime. C'est bien, mon Diogo. Oh, t'es fort, mon Diogo. Oh, le Diogo. On est à quoi, du coup? On est à 5 points d'Arsenal. C'est bien. On est à 2 points de Liverpool City, 5 d'Arsenal, 7 de United. Ils vont faire des erreurs aussi. Nous, il faut qu'on limite au maximum nos erreurs. On sait qu'on va pas faire que des victoires jusqu'au bout, mais il va falloir qu'on assure. Donna, un petit air de Kleyman. Je trouvais qu'il a un air de Kleyman. Petit, hein. Petit, l'air. Ouh. Ouais, je trouve pas du tout, de loin. Ouais, c'est suspendu en PL. Ou je pense que c'est match de coupe. Mais genre pas Ligue des Champions, quoi. En vrai, si. Montrer d'autres photos, peut-être. Oh non, très moyennement. Très très moyennement. Nady, merci pour le prime. Non. Si je tape Kleyman, y'a quoi? Ah, ok. De la godasse. C'est de la godasse.
C'est surprenant. Monde Gravenberch. Ah, Gravenberch aussi, c'est du gros crack. Hein. J'avoue que tous ces mecs-là, là, c'est... Du bon Krakos. Kleyman est bien plus beau. C'est vrai que Kleyman est quand même un des hommes les plus beaux de France, ouais. Match nul contre... Ils ont battu Chelsea, eux. Ils ont fait nul contre... Bah, contre moi. Bah, contre moi, en fait. Ah ouais, en fait. Rigger Wall, merci pour le prime. Bon, Lille. Lille, faut tout leur mettre, hein. Lille, faut pas hésiter. Camara dans... Équipe de la semaine. Atherton. Les new gen, Gourou, je les trouve quand même très forts à chaque fois. Je trouve qu'il y a un potentiel de Mbappé+, tu vois, qui est... respecte Lille un peu. Ah, mais je les respecte entièrement. Mais bon, si je peux mettre un... Enfin, en vrai, le nombre de buts me changera pas grand-chose. Puisque c'est contre... C'est tout ce qu'on mérite après tous les events que t'as fait à Lille. C'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs. T'as un argot. J'espère que tu vas bien. Putain, putain. Ils sont pas mal les new gen avec un peu de chance, ouais. Oh, le Dybala. 4-0. Rashford. 5 matchs, 8 buts en Ligue des Champions. 13 matchs, 15 buts en Première Ligue. L'arrache, comme on l'appelle. 10 en vision de jeu. Ça court tout droit. T'as vu que ça a coupé tes rediffs sur YouTube? Ouais, je sais pas du tout à quoi c'est dû. En fait, pour mes rediffs sur YouTube, sur Domingo Replay, on récupère de Twitch. Donc, ce qui fait que si ça a merdé sur Twitch, ça a merdé, quoi. Et on peut pas changer grand-chose là-dessus, quoi. Lance supérieure. 3-0 pour Lille, désolé, PA. Eh. Mes petits jeunes, hein. Mes petits jeunes, ils sont là, hein. Le Real, oh, Jack Hunt. Allez, on y va, là. Allez, contre Lille. On veut des points. Ben Mendy. Ah oui, ça va, Renan est là, quoi qu'il arrive. Pour le prochain match, il sera suspendu. Mais Ben, du coup, sera on point. Ahmed qui va pouvoir jouer aussi, si jamais. J'ai envie de faire jouer Ahmed à nouveau. À la place de Sergio, pour voir un peu. Je mets Jamie sur le banc. Pour essayer 2-3 trucs, Esposito, hein, Espopo. Espopo, on va continuer comme ça, voir s'il arrive à se remettre dedans. J'essaierai peut-être en attaquant complet, voir s'il propose plus de choses, s'il permet à mes attaquants justement intérieurs de d'être plus décisifs. On verra. Ouais. Bon, Tigankov, il revient bientôt. Sanchez, il revient dans 9 jours. Ah, je peux mettre Sigurdsson sur le banc. Je vais le mettre à la place de Craig. Et, à Lozano, on a dit qu'on le faisait un peu tourner. Matteo, il vaut rien. Matteo, il nous a fait des bons matchs. Hein. Après, on aura Brighton dans 2 jours. Je peux mettre un petit Sigurdsson titulaire et on voit ce qui se passe. Je lui ai dit repos, donc... Allez, on y va. C'est sur PC, Neymar. Enregistre en local. J'enregistre en local, mais comme je fais des streams souvent de 6-7 heures, ça fait qu'en fait, pour une vidéo YouTube, on doit recut et tu dois réexporter ensuite une vidéo de 4 heures, ce qui fait que c'est un enfer. Donc, et en fait, on s'était pas rendu compte, on s'est rendu compte au moment de le sortir qu'il y avait 2-3 bugs. Osimhen en pointe, Hudson Edouard à droite, Lukic. Il n'y a pas Renato? Il s'est barré, Renato? Il est blessé, le Renato? Qu'est-ce qui se passe avec Renato? Ça placarde Renato? Où est le Renato Sanchez? Oh, Renato Sanchez blessé. Le bon Bilal Sani. Rebic aussi blessé. Ah oui, je suis pas le seul à... Pas mis le Thiago Diallo. Il reste combien de mois? Il reste 2-3 mails. 2-3 mails, 2-3 mois, pardon. J'ai lu, t'as pas reçu un mail. Allez, let's go. Nous pouvons assurer notre qualif. Dernière fois, ça s'est mal passé. J'en attends plus de vous, les gars. Allez, putain, là. Il y a un moment, on va aller le chercher, ça. Il faut aller le chercher, là. J'envoie l'adjoint. Allez, on y va. Allez, il est important, ce match. Il nous faut des points. Il y a la Juve qui joue contre le Real. Alors, peut-être pas en même temps. Non, qui joue pas en même temps, qui va jouer en léger décalé. Il nous faut au moins... Oui, dommage. Gutiérrez. Tous
Ces jeunes là qui sont trop forts maintenant. C'est qui là en défense? Foyce, il est connu lui, non? Ouais, allez. Allez Sigurdsson, le retour de blessure. Le retour de blessure pour... Oh là là, pour Sigurdsson. Esposito qui a fait la bonne décale. Matteo là justement s'est lancé en une. Oh, c'est sublime. C'est sublime. C'est ce que je veux voir. Oh putain, c'est sublime. Regarde un peu. C'est qui l'a remis en une touche là? Oh, c'est Booba, mais Booba, une touche directe pour Matteo. Clac, le temps d'y aller, on repique, on lève la tête. Et Gomez justement qui prend ses responsabilités puisqu'Esposito a décalé. Magnifique. Le foot qu'on aime. Ça, c'est parfait, ça. De toute façon, en vrai... Bon, allez, si on peut s'en mettre 3-4, on y va. Hein, le LOSC, il y a un écart de niveau entre nous, maintenant. Là, ça y est. Hop, on félicite. Le LOSC... Le LOSC, je suis désolé pour vous, hein, les Lillois, mais... On va vous claquer, on a besoin de bonheur. Attention, quand même. Hein. Allez, allez, Arnor. Esposito, putain! C'est devenu un joueur de FIFA Street. C'est nimple, là. Il nous fait des trucs, le gars. C'est le mec qui en fait trop, quoi. Douglas. Ahmed. Ouh, pas passé loin, cette petite frappe. Cette petite frappe est pas passée loin. La Juve qui perd. Non, la Juve joue genre... en match décalé. Genre demain ou 3 heures après, un truc comme ça. Oh, c'était sublime. C'était hors-jeu, mais c'était sublime. Il a du mal. Hein. Il a du mal à finaliser, là, ses petits buts. Engagez-vous moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis même pas rendu compte que j'ai fait. J'ai peut-être cliqué, c'est l'adjoint qui m'a proposé. J'ai fini le tuto de l'OP interdite. Bah, tu crées le compte avec le lien et ouais, tu fais le tuto. Ah ouais, t'es en... Toi, t'es en situation de... Ah, vous êtes déjà 6 à l'avoir fait? Oh putain! Ah oui, vous êtes pas là pour rigoler, vous. Les 2200, on va aller les chercher, quoi. C'est Je pense aussi avoir fini le tuto. Bah, après, si vous avez d'autres mails, vous y allez, hein. Il est où le lien? Non, mais. Déjà 6, bah, je vous le mets si vraiment vous insistez, hein, mais. Mais ça sera tout à l'heure. Vraiment, vous hésitez pas, quoi. Là, je sens que. Y a un compteur. Ouais, y a un compteur. Mais de toute façon, on aura 2 heures tout à l'heure, on aura le temps. On se remet dans FM. C'est à 17h à peu près. Enfin, j'ai dit 17h, mais c'est quand... Comme ça nous laisse encore 1h30 de FM, c'est cool, tu vois. J'ai envie de faire des belles sessions, là, on essaie de comprendre. J'ai fait de la merde la dernière fois, ça m'a... Honnêtement, ça m'a tracassé, ça m'a rendu triste, hein. Genre, j'ai tellement investi de temps sur cette partie FM, j'aime tellement Leeds, mes joueurs et tout, que j'ai envie de faire un beau truc, quoi. Oui. Qu'on arrive loin, quoi, tu vois, qu'on produise du beau jeu et tout, qu'on ait pas de déception, et... Donc, ce 4-2-4 nous a pas mis au mieux. C'est bien, Matteo, ça. Dommage, c'était bien joué. T'as des bonus? Non, on a limité à... Ils sont limités à 2200. Non, mais il y a 2-3 aspects de la négo où les Chypriotes, ils m'ont un peu baisé. Faut le dire. Mais on a un Espo en attaquant complet. Bah, le truc, c'est que du coup, il met une pression sur les défenseurs en étant toujours à la limite du hors-jeu. Ce qui fait que... Ça, c'est assez intéressant. Qui est-ce que je peux changer, là, si jamais ça veut faire tourner un peu Je peux mettre un petit Nohan à la place de Gendou, quoi. Ouais, mais Gendou, c'est le mec qui est le plus... Sergio, hein. Sergio est trop chaud. Hein. Si on fait plus que 2200. Bah, écoute, c'est vrai, ça, je sais pas. Ne faisons pas plus. Faisons 2200. Faisons 2200. La case, il joue que des bouts de match. Après, c'est pas mal, hein. Il a 32 ans. Il s'est fait placarder total à Arsenal. Déjà, je lui accorde des bouts de match. En vrai, on va continuer comme ça. Hein. Putain, je suis désolé, j'ai complètement lâché ta saison. Non, mais je comprends. Mais déjà, c'est impressionnant. Oh, bah... Oh, mon Benoît, à l'ancienne. Le but du Badia. C'est déjà incroyable que vous ayez suivi autant cette saison. Hein. Surtout que j'en fais que 2 fois par semaine, tu vois. Donc, c'est... C'est assez fou, quoi. En fait, si on explose vite le compteur... Oh oui, Matteo. Oh non. Esposito. En fait, si on explose vite le compteur, le but, c'est qu'ils auront envie de faire raid à nouveau. Moi, j'aurais pas envie, donc je leur dirais c'est mort.
Donc là, je leur négocierai un truc improbable pour qu'on se remette dessus, quoi. Et je pense pas que ça arrivera, mais... ça nous donnera un argument de force, comme quoi vous êtes... Non, solide, Donna, le boss. Comme quoi vous êtes une belle commu, quoi. Parce qu'ils m'ont dit, non, mais il y a une semaine entière hein, pour que tu les fasses, t'inquiète pas. Tu peux mettre des tweets sur tes réseaux sociaux et tout. Je leur ai dit, vous connaissez pas, hein. Je fais FM l'après-midi, et moi j'ai des gars, ils ont mis 400 000 émotes de leads, hein, donc si vous voulez, ils m'ont dit qu'ils allaient le faire... On y croit. On va sortir un peu. On va donner un peu de temps de jeu à Scott, un peu de temps de jeu à Noan. Je pense que ça, c'est pas mal. La game 12, clac, clac. Lui, je peux peut-être le faire tourner un peu. Peut-être pas avec Lozano. Je vais mettre la casette. Comme ça, c'est bien. Ça sera tout à l'heure, les potes. Ça sera tout à l'heure. Ceux qui ont envie de faire, il y a le lien. Il est juste sous le panel, sinon. Enfin, sous le stream, il y a un petit... ils m'ont fait mettre un petit truc raid. Ce sera juste pour aujourd'hui. Mais on en parle tout à l'heure, les potes. Là, on est sur FM, on se concentre sur FM. On a encore une belle session à faire, là. Donc, pour l'instant, 3-0, je fais honneur à mon aventure avec Lens. Hein. J'aurais mis 3-0 à l'aller, 3-0 au retour. Ah, c'est... on fait plaisir, quoi. Ah, on fait plaisir à mes Lensois, là. La malédiction du 2-1 est-elle finie? Bah, toujours pas en... Toujours pas comment ça s'appelle en première div. Oh, dommage. J'ai mis 3-2-1, mais bon, c'est 9 points. C'est 9 points. La faute, là. Ah, il s'est blessé? Non, me dis pas qu'il est blessé, là. Pourquoi il monte son cul comme ça? Qu'est-ce qu'il nous fait, là, à la hanche? Pas de blessure, hein, Mathéo, s'il te plaît. Hein. Tsigankov est au plus mal. Coup franc. De toute façon, c'est la 93e. Dernière... Ah, ça va, il va bien. Petit carton jaune, juste pour le plaisir. Est-ce que les messages mis en avant te rapportent du flouze? Non, c'est juste pour être vu, mais c'est pas un très bon système. Parce que pour être honnête, je le vois pas plus que d'autres messages, quoi. T'as rien spécialement. Sergio, hein, un but, deux passes D. Sergio Gomez, les potes. Hein. C'est vraiment fou et on est qualifié pour la suite de la Ligue des Champions, même si on savait qu'on allait le faire. On le savait qu'on allait être qualifié. Au moins... C'est assuré, 2,7 millions pour la victoire. Et il va falloir espérer que le Real batte la Juve. Il est un peu fatigué, le Ahmed, c'est ça? On va peut-être un peu le reposer. Ouais, il a besoin de repos. Gomez, félicitations, mon Sergio. Hein. Excellent pour l'instant. On sera en 8e de finale de la Ligue des Champions. La question, c'est est-ce qu'on sera seed 1 ou est-ce qu'on sera seed 2? Et du coup, il faudra affronter un premier de groupe. Et on espère qu'on va pouvoir taper un deuxième de groupe. Ça serait quand même mieux. Sinon, du Barça et tout, ça va être chaud. Ça joue à 20h le match. Allez, le Real. Oh, c'est sublime. Ça, c'est sublime. Donc, là, on est premier. On est qualifié. Le truc, c'est que le... Ce message veut passer une impression. La Juve est devant nous parce que en confrontation directe, ils sont devant nous. Donc, on s'en bat les couilles des diffs ou quoi. Sergio Gomez, hein, troisième meilleure note moyenne. Ça fait plaisir quand même pour le Sergio. En Ligue des Champions, cette phase de poule. Là, le truc, c'est que la Juve va jouer Lille. Et par contre, le Real, ils vont avoir faim parce qu'ils jouent contre moi. Et s'ils perdent contre moi, ou s'ils font match nul, ils se qualifient pas. Et ça sera à Bernabeu. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais du coup, moi, il faut que... Bah, attends. Si je fais match nul contre le Real, je suis premier. Ah, il me faut un match nul. Il me faut un match nul. Si je fais un match nul... Ah ouais, j'ai pas besoin de gagner. Comme ils ont perdu, je suis con, pardon. Il me faut un match nul. Un match nul et je serai premier. Parce que la différence entre jouer Porto ou Barcelone, c'est quand même big. Après, l'Atlético Madrid, le PSV, tu vois, c'est pas mal. Hein. Valence, Benfica, Arsenal qui est dans la sauce, Naples, PSG, t'as pas envie de jouer le PSG. Hein. Je peux te dire que t'as vraiment pas envie de jouer le PSG. Hein. À aucun moment. Je joue pas le nul. Non, je joue pas le nul, mais on a besoin que d'un nul. Hey, bim. Quatrième mois, merci beaucoup. Zut aussi pour le 40e mois. Balai combat tout le monde. Ah bah ça, clairement, c'est l'objectif. Intoxication alimentaire pour Ahmed. On s'est fait plaisir après la qualif. Y'a qui au PSG? À peu près tout le monde. Concrètement, à peu près la terre entière. Hein, qui vaut plus de 90 millions. Petit Pab. Mais non, sixième mois. Petit Pab. C'est marrant, ça. Merci. Bon. En première ligue, on est en... Hey, c'est une belle session pour l'instant. On s'est fait claquer par la Juve, mais sinon, il y a du mieux. Il y a du mieux quand même. Dans cette session-là.
influencer de manière positive. Positive, parfait. Gerardo Seaone, là, il reçoit le... Luzerne, c'est où? C'est Suisse? Ah oui, c'est Suisse. Putain, ils font que gagner, hein, United. United, ils ont faim. Moi, je suis égalité avec lui. Hein. 3 matchs, 3 victoires. Il y a du mieux, mais on souffre. Tu mènes nos nerfs à rude épreuve. Ah, c'est pas facile. Hein. T'as perdu combien face à la Juve? On a pris 3-0 à l'extérieur. Et là, il y aura le match contre le Real qui sera le dernier match de coupe. Parfait. Les dirigeants demandent une modernisation afin de discuter de l'augmentation budget transfert. Nous souhaiterions savoir ce que vous pensez d'une augmentation du budget transfert afin de renforcer l'effectif. Excellente idée. 62 millions? Mais nous aussi, il y a les Saoudiens qui sont dans le coin. 60... On... Comment ça? Ils viennent de nous filer 62 millions? Mais... Ah, ça a changé, Leeds. Hein. Ah, Simer, les gars. C'est fou. C'est... Oui. Mais en même temps, on s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Hein, donc... oui, c'est... bienvenue en Angleterre. Oui, quand même. Hein, là, c'est... ça se passe bien. Le bébé. Merci à Goya. Merci beaucoup. Change tes latéraux. Ah, Renan Lodi, les gars, il n'y a rien à changer. Hein. Pour moi, Renan... on the top of the... Je sais même pas ce qu'on pourrait changer. Ça sera en hiver, du coup, qu'on pourra changer un truc. On a 60 millions. Le 1er janvier arrive fort. Bon, on pourra réajuster si jamais on a besoin. MOG, on trouvera pas beaucoup mieux que Lozano, je pense. Hein. Juste, il a du mal, Lozano, quoi. Tsigankov qui nous fait quand même une belle saison. Newcastle qui met 4-1. Newcastle, ils tiennent. Hein. Kiki Sardella. Ah ouais, bah Sardella, je peux te dire qu'il est en prêt, je sais pas où, là, mais... Quelqu'un sait si on peut récupérer la save. Je vous mettrai la save, les potes, à dispo quand j'aurai fini. Red Shadow qui a le Ralas Leeds. Non, mais c'est bien, vous voyez, ça débloque du budget. Je joue quand, moi? On est le 2 décembre. Je joue le 2, très bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Tsigankov qui peut jouer, voilà, 20 minutes pendant qu'il récupère? Benjamin Mendy, je pourrais le faire jouer maintenant. Les autres, il n'y a pas spécialement besoin. Ok, parfait. Il faut aller jusqu'où pour valider le tuto de raid? Ah, en gros, oui, c'est vrai que ça, je vous ai pas dit. En gros, faut télécharger le jeu et ensuite, faut finir le tuto. Et donc, du coup, ça dure, je crois, 5-6 minutes. Parce que sinon, ça compte pas comme... ça compte pas sinon comme... juste télécharger, ça sert à rien, en fait. Faut faire le truc. Il dure 5 minutes, quoi. Faut tuer le dragon. En vrai, je l'ai même pas fait, les gars, encore. Faut faire le tuto. Ouais. J'ai pas fait encore, moi. Je peux pas cliquer sur ton lien, le panneau est pas dispo. Ah, en fait, c'est juste que t'as adblock, du coup, ça bloque le lien. C'est c'est tout un enfer que je vous demande. Hein. C'est... Le plus long, c'est le DL du jeu. Oh, City qui perd! Putain! On le sent que ça va... Allez, Brentford. Hein. Allez, Villas-Boas. Hein. Villas-Boas, là, tu donnes tout. Hein. Villas-Boas, tu donnes tout. City qui perd, c'est sublime, on peut leur passer devant. Ça, c'est sublime. Ok, on y va. Contre Brighton. Lui, il est un peu fatigué. Du coup, on va se mettre du Jamie qu'on a reposé juste avant. Renan, on le savait, justement. Hop, je mets du Ben Mendy. Tsigan, on va pas le faire jouer. Peut-être un petit Craig Rainey, justement, sur le banc. Sigurdsson, qui commence à être mal. Heureusement, j'ai Lozano que j'avais fait reposer. Après, j'aurai le Real, où c'est quand même un match important. Mais le truc, c'est que la première ligue, on doit pas perdre de points. Faut que je remette Esposito. Hein. Il y a un moment où Esposito, il va me caler des buts. Hein. Matteo Esposito, je les ferais peut-être moins jouer. Enfin, je les ferais peut-être mettre en repos, quoi. Mendy va galérer à finir le match. Non, ça ira, je pense. Il va un peu galérer, mais ça ira. T'inquiète. Coach, on en est où de la saison? Bah écoute, on est pour l'instant à 13e match, donc pas encore à la mi-saison. On était à 4 victoires, 5 nuls, une défaite. On est remonté à 7-5-1. Ce qui fait qu'on est en train de recoller avec les plus gros. Et en Ligue des Champions, on est qualifié pour la suite. Donc honnêtement, ça se passe bien. On souffre un peu de la session précédente quand même. Allez, on y va. 7, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le Prime. Hugox aussi, merci pour le resub. Miguel Borja. Il est payant le jeu FM est payant, ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est voir en réel le nombre de téléchargements. Ouais, je peux voir. Mais on fera ça tout à l'heure. Comme je vous dis,
Ah oui, merde. Ah, quand même 38, hein. Ah, quand même 38, hein. Ah oui, quand même. Vous êtes... tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Allez. Quand même. Félicitations. Toutes mes sincères félicitations ici. Des gens des terres avant même. Ça, c'est beau. Allez, on y va. On est parti, là, contre Brighton. Les 3 points, encore une fois, qu'on va chercher. Que des 2-1 pour l'instant, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, en première ligue. Allez, Ben Mendy avec Sergio Gomez. Esposito, qui repasse avec Ben Mendy. Gomez. Ouh, boum. On le sentait, hein. On le sentait qu'il allait mettre une grosse frappe. Hein. Oh. Allez, petit corner. Quoi? Sortie de but? C'était un corner, ça. Allez, Douglas. Sergio. Directement sur Jamie. Jamie qui va lancer Lozano. Lozano qui a pas joué le dernier match, qui doit être tout frais là. Lozano qui décale pour Matteo. Sergio Matteo. La frappe est molle. La frappe est molle, c'est dommage. Mais pour l'instant, c'est Leeds qui est en train de dominer. Attention, ça, le dédoublement. Ouf, super Mandona. Merci Pedro. Vin, c'est gentil. Merci les gars, c'est cool en tout cas. Oui monsieur. Oui mon Badia. Le retour de Badia premier poteau. Le retour de Badia premier poteau, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. C'est bon ça les mecs. Allez, c'est exactement ce qu'on veut voir. Hein. Allez, encore, 2-0. Dommage, bah. Allez, là, c'est Booba. Putain, Badia et Booba, quoi. Davinson qui est blessé, comme d'hab. Il n'y a personne là sur ce ballon, la récup. Attention. Hein. Attention les gars. Hein. On le connaît. Hein. Pour l'instant, on a eu que des matchs difficiles. Il n'y a aucun match où on n'a pas stressé. Hein. Et bah celui-là aussi du coup. Super. Génial. Top ça. Ça fait plaisir. On va donc galérer aussi sur celui-là. Allez Booba. Oh, ça passe au-dessus ça. C'est Booba qui l'a prise en plus. Hein. 6 frappes cadrées. Sur coup de pied arrêté, on transforme beaucoup. Hein. Allez Douglas. Douglas pour Matteo. Le petit ballon glissé. Oh, péno. Oh, c'est péno. Ça, c'est péno. Et il s'en veut. Il s'en veut, le joueur de Brighton. Le bon Costas. Allez, mon Espo. Ça fait longtemps. La confiance pour Espo. Me déçois pas. On va chercher le 3-1 maintenant. Là, on casse cette malédiction des 2-1 de mort. Là. Allez, félicité. C'est bien, mon Seb. Penosito est de retour. Ouais, on passe devant City, là. Un match égal. Exactement ce qu'on veut. Hein. City qui a le titre. Petit Kirikou 38, bienvenue à toi. Allez, Guendouzi, Gomez. Gomez, le ballon pour Esposito. La remise du putain pour la frappe de Guendouzi. Guendouzi a une frappe. Ça fait 2-3 fois qu'on le voit là, non? Oh, la sortie de Donna, elle était bancale. Hein. À droite, lance. Oh, mais t'es Soloman, gros. Fais jouer, provoque, crée des espaces là. Qu'est-ce qu'on fout? On attend juste des corners, nous, maintenant. La fameuse remise au tireur de corner. Qui du coup est hors jeu. Ça fait que 4 ans qu'on travaille ça. Guendouzi, il allume direct. Ah ouais, non, mais il nous avait mis un beau but et 2-3 frappes dangereuses. Sergio, c'était pas mal. T'as une save de FM19 avec Lens. Ouais, je l'avais mis à dispo, je crois aussi. Quand je finis mes saisons, généralement, je vous mets à dispo les. Je l'avais mis à dispo. Elle est sur le dernier truc de. Sur le dernier replay de Lens. Et dans la description, il doit y avoir la save. Santigan, Espo marque pas. C'est pas faux. Shackleton. Lozano, parfois, il fait des passes. Ils sont chelous. Allez, Jamie. Allez, les gars. Un troisième. J'ai pas envie qu'on souffre jusqu'à la 92e, là. J'ai pas envie qu'on panique et qu'on souffre. Romy. Oh. Putain. Struggle hein, quand même. Lozano, il a pas l'air si fort que ça. Il a du mal, hein, je trouve. Attends, il est fort, il a des stats. Oh. Le Ben Mendy qui remplace honorablement Renan Lodi. Oh, le Ben Mendy qui fait jaillir Matteo au deuxième poteau sur un centre millimétré. Oh, le Ben. Oh, il est allé au bout. Hein. Il est allé au bout et Matteo de la tête. Ça fait plaisir, les gars. C'est bien. Ça, c'est du bon, ça. Merci Darkius.
Bibouffeur de Guèze. Tous les mois, ça nous surprend. Allez, Spo. Oh, Spo, putain, Spo. Fini de mettre la sono. Ben Mendir découvre les joies du foot. Ça lui fait du bien. Allez, Sergio. Oh, c'est moche, c'est moche, c'est moche, ça. Tu le sais que c'est moche. Allez, c'est un rouge. Allez, c'est un rouge, ça dégage, on se met un moment clé. Ce match, il est à nous. Ce match, il est à nous. Badia qui a voulu mettre son doublé. À 11 contre 10. On espère juste qu'ils vont pas profiter d'un bonus. Je vais envoyer du Scott, un peu de Scott Rey. On va faire souffler un peu Sergio Gomez parce qu'on a le match à Bernabeu contre le Real Madrid. Dernier match de Coupe des Champions pour assurer la première place dans le groupe F ou H. Dans le groupe, en tout cas. Oh, Irving, tu t'arrêtes. Bon, il y a corner, mais tu t'arrêtes quand même. C'est chiant, il s'arrête. Murgia. Oh, il y a Murgia en face. Ah oui, on l'avait vendu à Brighton. Non, on l'avait pas vendu à Brighton. Je crois qu'on l'a vendu... Je l'ai vendu où? Je l'ai vendu à Leicester qui l'a vendu à Brighton. On est là. Nico Rich, bienvenue à toi. Qui... Groupe D. Petit centre? Il a mis un centre frappe. Allez, on baisse un peu le rythme. Matteo qui est fatigué. Je mets un petit Craig. Craig conforme. Craig a jamais autant joué que cette année. Hein. Je débute FM, quelqu'un pourrait me dire par où commencer et comment bien débuter. Sélectionne une équipe qui te fait plaisir. Et ensuite, il y a des tutos qui sont... Le tuto est bien foutu. Craig ? Oh, Craigou ! Oh, il y a hors-jeu ? Il y a quoi ? Oh, le but est refusé à cause d'Esposito. Oh, Craigou qui a failli mettre son premier but. Je vais mettre Zappa pour que Douglas se fatigue pas trop. Ouais, honnêtement, le tuto in-game est plutôt bien fait. Après, il y aura plein de spécificités et tout, mais sinon, laisse-toi porter, quoi. Laisse-toi porter, c'est de l'achat de joueurs, c'est de la vente de joueurs. T'es manager de ton équipe, tu fais entièrement ce que tu veux. Tu vas t'amuser, et si jamais il y a pas mal de tutos de streamer FM, Courtois demande à Esposito de quitter Leeds pour faire le choix de l'argent au Real Madrid. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, Thibaut, là? Qu'est-ce que tu fous, toi? Qu'est-ce qui se passe, là, déjà, dans ta life, là? Pour faire le choix de l'argent? Mais, très content de son temps de jeu. En même temps, 11 matchs, 3 buts, hein. Après, en Ligue des Champions, c'est 5 matchs, 4 buts, une passe des Espo. Je vais féliciter son comportement. J'apprécie votre soutien, je vais tout faire pour continuer. Ah, continue bien. Ahmed qui reprend l'entraînement. Tottenham 2-2, on s'en fout. Là, c'est Southampton et Brentford. Là, c'est Southampton et... Oh, 3-2, dommage. Darami, c'est qui, lui? Former Arsenal? Arsenal. Pas mauvais. Pas mauvais, le petit gars. Oh, et Manchester United 2-0. Greenwood aussi est chaud. Hein. Ah, Greenwood en même temps, 22 ans. United qui ne craque pas. Hein. United, toujours 0 défaite, tout comme Arsenal. 3 nuls, 4 nuls. On a toujours 7 points de retard sur United. Plus que 5 sur Arsenal. Il manque le match de Liverpool. On va voir ce que donne Liverpool. Patterson. Trophée de joueur U21 de l'année. Taremi a gagné le tournoi de FIFA avant-hier. Il a perdu contre qui, Guimaraes? J'ai vu qu'il a mis genre 6-1, je crois, à Joao Félix, ou 6-2. Ça m'a fait plaisir. Mais j'ai pas vu... Vend Esposito. Non, on va pas vendre Esposito. J'ai besoin qu'Esposito se réveille. C'est contre qui ta défaite? C'est contre Liverpool. J'ai perdu à domicile. Contre le finaliste. C'était qui? Contre un mec de... Ah ouais, de l'Aïka machin, là. J'avais vu des Delec, meilleur investissement, j'aurais pu percer mes blessures. La classique. C'est gentil, Flume, merci beaucoup. Oh là là, mais la chatte, le but, mais t'es mené, tu marques à la 85e et à la 87e. Ah, il me repasse devant, je suis à 2 points de Liverpool. Ça aurait fait plaisir, un petit match nul au moins. Oh, les Wolves là, ils se sont régalés. Hein.
Bon, Chelsea, c'est définitivement la fin pour eux, là. Ils sont à 9 points de moi, ils sont à 16 points d'United. Eux, c'est fini, tu vois, pour le titre. Eux, c'est clair que là, c'est... Il n'y aura pas de deuxième chance, quoi. Divers un match. Après, j'ai City à l'extérieur. Hein. Oh, j'ai 2,63 de cote. Hein. On a changé. Hein. Le Real, ça dit quoi? Deuxième en première... En Liga. Le Barça est imprenable. Ils ont perdu contre qui? Contre le Celta Vigo. Ils ont pris 4-1. Ansu Fati, c'est vraiment le monstre. Hein. Ansu Fati, c'est chaud quand même les stats qu'il a. Hein. C'est vraiment impressionnant, quoi. On va l'observer, hein, si jamais. Si jamais ça se passe mal. 60 millions. Il y a des gens, je crois qu'il y avait Oussem Aouar sur la liste des transferts. L'effectif du Barça fait peur. Ah ouais, le Barça, là, c'est... Je crois qu'il y avait Oussem sur la liste des transferts. Il ne doit plus y être. Ah si, il y est toujours. Victor Fischer. Mais Victor Fischer, il est lent, maintenant. C'est un peu le souci de Fish. Demandé 20 millions par contre, il demande Chalov. Il est pas si fort, moi je trouve. Hein. Je le connaissais pas avant, mais il était à Paname. Ils l'ont acheté 48 millions. Vraiment, les pigeons, hein. Paname. Quoi qu'il arrive, tu mets n'importe qui quand t'as Neymar et Mbappé derrière, ça va marquer. Hein. Kaysoun et Vampipi, merci pour les primes, les potes. Bienvenue, mais le petit Oussem, hein. Liste des transferts à sa demande. Après, c'est beaucoup d'argent. 105 millions demandés, c'est cher quand même. Ça, c'est quand même cher. Ouais, on aurait pas grand monde. Et c'est sur Infinia, là. Ouais, il y aurait pas grand chose. Nous, ce qui marche pas bien, c'est à gauche, quoi. Potentiellement, j'ai déjà un gros attaquant. Fais-le pour Lyon. À voir Oussem, je kifferais, moi. Mais bon, tu vois, si c'est pour... À l'heure actuelle, notre meilleur joueur, c'est Sergio Gomez, quoi. Donc bon, le remplacer... Troisième tour de Coupe d'Angleterre. Alors, est-ce que les dieux de la chatte sont avec nous? Southampton. Bon, équipe de Première Ligue. Ça aurait pu être pire. Ça aurait fait plaisir de jouer quand même une petite quatrième division, tu vois, comme Arsenal ou quoi. Mais ça ne s'arrête jamais. Ça manque le sport, n'empêche, de ouf. N'Golo retiré de la sélection. Les supporters de Leeds peuvent effectuer les 1495 km qui les séparent du stade Santiago Bernabéu, sachant que ce sont les joueurs du Real Madrid qui auront la pression. On espère quand même pouvoir décrocher une première place, hein. Ah, il y a United contre Liverpool. Ah, ça va, il y a eu pire que moi. Et Juan Cruz, avec Benfica, 11 buts, 7, 7 buts, 11 matchs. Hein. Je colle un but de... Ah, c'est en même temps, en plus. Ah, ils sont à l'extérieur, la Juve. Ah, mais Lille, ils feront jamais match nul. S'il y a match nul, quoi qu'il arrive, on est bon, mais... Mendy, il est cramé, ça tombe bien. J'ai mon bon petit... Renan qui est là. Lozano est pas mal cramé aussi. Hein. Allez, Sigurdsson, on va au charbon. Tsigankov, 45 minutes. Tsigankov, il a fait que se blesser. J'ai pas envie de le refaire jouer pour qu'il se blesse direct, quoi. Sanchez, il revient quand? Dans 2 jours. Je joue direct après moi? Je compte Burnley dans 5 jours. Ok. Oh, après, il y a City puis United. Bergwijn, ouais, mais j'ai oublié Ahmed. Ouais, non, j'oublie pas. Juste, il est pas en super forme. On va le mettre à la place de Noan, mais bon, il est pas en grosse forme, quoi. C'est un peu ça le souci, quoi. Ahmed a fini sa chiasse. Bah, il est en fin de chiasse, là. Il est en récup. Il est en tour de terrain pour l'instant. Est-ce que je mets Zappa? Déjà, on va y aller en positif.
va y aller en positif. Je pense qu'on va y aller comme ça. Vas-y. Ça part de là. Ça part de là, le dernier match de la Ligue des Champions. Enfin, des phases de poule, pour l'instant déjà qualifié. Un match nul nous permettrait automatiquement d'être premier. Et en face, il y a du gros. Hein. Lucas Hernandez, Marco Cana, la jeune pépite. Carvajal, Sensi, Kroos, Isco, Van der Rost, Bernardeschi. Ouais, ça fait peur, mais ça pourrait être pire. Hein. Ça pourrait être pire encore hein, pour un club. Tu m'étonnes qu'il cherche Esposito. Tu m'étonnes qu'il cherche Esposito. Allez, les gars. J'attends de voir si vous allez porter vos couilles. Oh, allez, un match nul, les gars. Un match nul, là, ça serait tellement bon. Parce que sinon, en 8e contre le Barça, on a connu l'an dernier avec Lyon. C'est pas facile, hein. Kroos, 55 ans, non. Allez, les mecs. Allez, les mecs. Chaque set dur à l'extérieur, surtout à Bernabeu. Oh non, pas direct. Ouf. J'ai cru que ça allait rentrer. Hein. Comment ça, Bernardeschi, il nous fait ça, là. Super, mon Donna. Super, mon Donna. Allez, comme ça. Tranquille, Badia. Magnifique. Jamie. Jamie, la petite passe avec Sigurdsson. Redonne-la, redonne-la. En bas, il y a quelqu'un, si jamais. Oui, oui, Espo. Oh, putain, Espo, tu nous aurais tellement fait du bien. Kroos est encore vivant. C'est vrai que je sais pas quel âge il a, mais... Quoi? Ok. C'était osé ça quand même. Hein. Eden Hazard avec Bernardeschi. Heureusement il a trop ouvert le pied. Heureusement il a trop ouvert le pied. Je leur ai mis 3-0 je crois à l'aller. Tony il a 33 ans. Hein. 20 en passe. 19 en sang-froid, 19 en vision. Pour l'instant il y a match nul entre la Juve et Lille. Ouais, il va marquer, il va finir par marquer lui. Hein. Il y a 3 fois qu'il nous met des mines là. Heureusement, on a un gros Donna. Je sais pas combien de temps ça va suffire. Allez, allez Matteo, allez Matteo. J'ai envie de jouer limite en équilibré. Hein. Moi, je vais en full contre-attaque. Hein. Isco. Ouf, solide, solide, mon Booba. Solide, là. La tête, elle a fait du bien. Oh, la passe est sublime. Il y avait quoi, hors-jeu? Hors-jeu, ouais. Allez, allez. Allez, Badia. Espo. Badia, Badia. Oh mais Shackleton. Cette frappe flinguée là. Oui Sergio, c'est magnifique ça. Arnor. Arnor l'enfant déchu. Matteo, Matteo peut-être pas. C'est pas possible. Laisse-moi essayer de kiffer aussi un peu quoi. Je peux même pas m'ambiancer, c'est... Je pensais que ça avait été contré. Arnor, Arnor toujours. Dans la petite passe, il y a une petite passe à mettre pour Esposito. Ouf, la blessure de Van der Horst. Dommage cette tête, dommage, on perd un ballon important. Pff, heureusement que ça se met contre. Heureusement qu'on vient chercher le contre, il y avait coup franc quoi qu'il arrive avec le hors-jeu. Mais heureusement, Sergio Gomez avec le centre, c'est une frappe, c'est dégueulasse. C'est pas ce qu'on voulait voir. Oula. Oui, oui, Booba. Sublime Booba, Gendouz, magnifique là. La petite roulette, Matteo dans le sang. Matteo, Matteo encore, Matteo. Oh, putain, ça va aussi là. C'est infernal. Oh, quoi? Les Lillois? Les Lillois? Les Lillois qui sont en train de battre la Juve. Les Lillois qui sont en train de battre la Juve. Ah, il nous manque Tigan à droite. Hein. Vraiment, il nous manque. Hein. Matteo, il est bon, il a montré en début de saison qu'il était incroyable, juste en milieu offensif droit, c'est... Oh non. Ouf. Donna, Donna encore. Donna, c'est... C'est bravo. Ah, c'est quelqu'un, là. Souvenez-vous quand on avait Pickford, qui directement mettait les ballons. Oh, super, Donna, super. Pickford remettait les ballons à l'attaquant à chaque fois. Là, on a un Donna qui est partout. Tu vas finir par le prendre, j'ai bien l'impression, ouais. Sergio, dans la boîte, Gendouz, Gendouz qui hésite, Gendouz qui conserve, Gendouz avec un petit squat hein, qui a été effectué, Booba qui fait la même, Matteo qui décide de faire la... Pardon. Pardon. Tout ce que j'ai dit, juste avant, je retire. Genre, pardon. Excuse-moi. Comment? Boum, accélération, grosse puff.
Alors Courtois. Hein? Hein Courtois, on veut me voler mon Esposito? Une frappe cadrée. C'est bien les gars, c'est bien. Allez Espo, hein, on a besoin de toi. Je peux faire mieux. Après c'est 3 millions la victoire. C'est vrai qu'en tant que pince, ça pourrait être intéressant. Vongola, merci beaucoup pour le resub. La frappe qu'il a mis, Matteo. Quoi? Vraiment? Vraiment, Sigurdsson? Il l'a vraiment remis à l'autre. Il me tend aussi, lui. Hein. Il a tendance à beaucoup me tendre, le Arnor. Oui, oui, Arnor. Oh, lui, c'est vraiment fou. Hein. Lui, on n'y croit même pas, quoi. Arnor... De toute façon, on a toujours eu du mal à trouver un milieu offensif. Sur le milieu offensif gauche, c'est toujours un peu galère chez nous. Non. Super Donna, super. Il y a hors-jeu, mais quoi qu'il arrive, c'est super. 63 mois, merci beaucoup, Cold Edwin. On va faire un petit changement. Oui. Oh, Renan, elle est belle aussi. Wenentman, merci aussi pour le deuxième mois. Sigurdsson, je vais mettre qui? Je vais mettre Lacazette, allez, ça va lui faire plaisir. 8 mois dans les ultra, force à toi, Père. Merci Antoine, c'est très gentil aussi. Rebienvenue, Sergio Gomez qui ne fait pas le match de sa vie. On va quand même le laisser, il est capable de créer du jeu, le Sergio. Boum. Bah. Oh non, oh non. Oula. Le 2 contre 3. Oh bah dire en plus qu'elle est sur le mauvais. Heureusement, Isco, il a été flingué. Flingué. Il fallait recruter Cherki. Ouais, mais Cherki, il a pas extrêmement progressé. Il vaut très cher, là. Donc, City l'a recruté dès le début pour... Alexandre. Alex. Monsieur. Monsieur, monsieur. On va mettre Scott. On va mettre le Scotty. Risqué, j'aurais peut-être dû mettre Ahmed là-dessus. Nedelec, il est où? Il est chez le kiné, là. Enfin, chez l'ostéo, parce que ça... Il y a quoi? Oh, dommage. Ah, dommage, il y avait hors-jeu. Ah, dommage, les gars. Ah, c'est vraiment con. Ah, vraiment, ça passe à rien. Ah là là, c'est con, ça, le Real. Continue à vouloir mettre des 150 millions, Matteo, magnifique. Allez, prends ton rouge, dégage de là, toi, dégage de là. Magnifique, Matteo, là, qui met côté droit, les deux dans la sauce. Ça, c'est sublime, 76e, on a encore un petit changement peut-être à faire. Qui est-ce qu'on a envie de faire participer? Il n'y a personne qui va trop mal. Hein. Espo, il dort, Espo, il est en pointe, c'est pas trop ce qu'il fout. Je fous de Craig Rainey, d'ailleurs, en pointe. C'est décidé. Le petit Craig Rainey en pointe. Je vais faire quoi? Je vais faire Matteo en pointe même. Pour qu'il joue son propre jeu. T'es KO. Merci beaucoup. Oula. Oula là. Pas bon ça. Solide hasard. Merci beaucoup pour le prime. La case en pointe. Matteo. En fait, laisse Espo partir. Non mais moi j'ai espoir qu'il revienne fort, mais. Je sais pas quand. Il sort d'où Matteo? C'est un new gen. Recruté en. Au Brésil. Mis quelques millions dessus. Hein. Galapex, c'est après le tuto. Hein. Tu peux stop hein, si tu veux. Mais il arrête ça, Donna? Il arrête ça. Mais c'est incroyable, hein, par contre. Hein. Mais c'est vraiment le boss. Hein. Gianluigi, on va aller au bout avec lui. Hein. Enfin, le grand gardien. Ah, oh, c'est moche, Eden. T'as pas envie d'être ce joueur. C'est bien aussi, hein, l'Europa League. Tu vas voir, faut juste s'habituer, mais... Donna, 7,50 de moyenne. Confiant. Oh, le boss. Putain, meilleur recrutement. Scott. Oh, oh Craig, dommage. T'as payé combien pour Donna? Beaucoup, hein. C'est 1 million par mois, c'est... C'est 70 millions, je crois. Mais beaucoup, mais pour le joueur, ça va. Bon, bah écoutez. 8 tirs arrêtés pour Gianluigi. Donna, c'est le bébou ultime de ouf. Vraiment. Bon, elle est très bien joué, ça. On reprend 3 millions en plus là-dessus. Lille qui a réussi à battre la Juve. Bel achievement quand même pour eux. Et Benfica qui bat Arsenal. Arsenal qui est éliminé. Oh, mais du coup, Arsenal, ils vont être vénères en première ligue.
Fin des espoirs de qualification pour le Real Madrid. 2,7 millions pour Leeds. Ils vont être 5-0. Ils vont être vénères de ouf. Kun a mis un but d'ailleurs. Ils vont être vénères de ouf et ils vont pas avoir... Allez, Tigran, hein, on fait un effort. Et ils vont avoir que la première ligue à jouer. Ils vont pas nous lâcher. Ça, c'est un peu chiant, ça. Mais bon, c'est le jeu aussi. Hein. C'est le jeu. Jordan qui offre 3 subs. Bienvenue, les gars. Merci beaucoup, Jordan. Bienvenue à Bibop, Nicolas et au Gremka. Vous pouvez remercier... Attends, mais je suis où, là? Là, je suis en défense un match, donc là, du coup, je suis en divers deux matchs, puisqu'il y a West Brom. Divers deux matchs, donc... technique un match. Technique deux matchs, pardon. T'as tous nos entraînements techniques. Il y a... défense deux matchs. Ce qui est chiant, c'est que tous nos entraînements techniques, il y a deux matchs. Technique deux matchs et tout. Et je vais peut-être faire coup franc def, c'est pas mal. Mais je vais peut-être faire... En même temps, là, divers un match, on s'entraîne où? On est en full repos en divers. Ça va, tu peux me faire un peu de... Tu peux me faire un peu... Attends, et ça fait quoi quand il y a genre deux matchs du coup le divers? Ah, il y a un peu plus de repos quoi. Et zéro match du coup c'est en full. Ah mais ça... C'est le vendredi matin que ça bouge. On va pas faire jouer collectif, on va faire jeu. Enfin, on va faire... c'est où ça à chaque fois? Je sais pas. Conversion d'occasion, là. Technique. Conversion d'occasion. On a besoin qu'Espo devant sa marque. Hein. On a besoin qu'Espo sa marque. Alors, voyons voir, après les matchs du mercredi, ce qu'il en est pour la Ligue des Champions. Qui est qualifié? Qui n'est pas qualifié? Esposito, Esposito considéré comme formé au pays. Ah là là. Le Cebu! Le Cebu peut remporter un trophée, enthousiaste concernant les chances en FA Cup. Alors, Champions League, ça va marcher, Coupe des Champions. Alors, Bayern, Valence, qualifié. Il y a le Milan AC quand même. Il y a le Milan AC en deuxième, Valence, contre qui on peut jouer, Naples. Benfica, ça m'aurait pas dérangé de les jouer potentiellement. Mais ils ont fait quoi? Match nul et victoire. Timo, on va se taper le Milan, vous allez voir. Barcelone et soit Monaco, soit Porto. Oh, Leipzig ou Lyon. Allez, l'OL. L'Atlético Madrid ou l'Ajax. Si jamais l'Ajax est chaud. Le PSV. Putain. Je t'aime, PA. C'est gentil, ça. Allez, l'OL. Allez, à domicile, hein. On a déjà fait contre Leipzig, hein. Pas trop dur, en vrai, la deuxième. Ça va, ouais. Je crois qu'on l'a cassé plein gameplay. Ah ouais, c'est pété. Oh non. Oh non. Garcia out. Troisième défaite de suite, ils ont perdu l'Inter. L'OM à domicile. Oh là 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 là. Garcia out. Barcia, le Barça est deuxième? Non. Oh, c'est Porto devant. Oh non. Oh, je vais me taper le Barça qu'on a fini premier. Oh non, ça va, ils sont premiers. Ils ont 13 points. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur, ils sont devant quand même. Ouf, 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 ouf. Parfait. C'est quand le tirage? Liverpool qui perd? Allez, d'autres surprises. Rien d'autre. Liverpool qui perd, c'est quand même très bon. Liverpool qui perd, c'est un grand merci. Hein. Ça, c'est bon. Il n'y a pas eu d'autres matchs là. Calvin Phillips qui met un petit but. Hein. Calvin, tu t'intègres là-bas, 7-23. Hein. Grosse moyenne, le Calvin. C'était pas 16h. C'est à 17h. C'est à 17h, l'OP. Je sais qu'il y en a qui viennent que pour ça. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Tu peux te taper le Barça aussi. En étant premier pour contre premier, non? Non? Je dis full merde ou? J'en ai rêvé. Non, non, non. Non, on peut pas. Hein. On peut pas se taper, on est d'accord. Oui, oui. Gourou. Ben, on va le faire jouer 20 minutes, histoire qu'il récup. Oh, 45, allez. Non, allez, je te mets un 45. C'est bien parce que c'est toi, Beno. C'est bien parce que c'est toi.
Je pourrais pas être là pour l'OP, je peux quand même participer maintenant. Ouais, mais je crois que là, ils ont des soucis de serveur, du coup. Mais oui, oui. Je trouve pas le lien. Le lien est sous mon player. Tenez, je vous le mets, si vous voulez. Ah, c'est l'OP interdite sur Red Shadow, tout à l'heure. Où il faudra, du coup, on a besoin de 2200 téléchargements. Et il faut aller jusqu'au tuto. Enfin, le tuto, il faut le faire, donc du coup, il faut le finir. Pour compter comme un téléchargement. Messieurs, dames, courage. Courage, courage. Clac, clac, clac. Ok, on n'a pas grand chose ici. Combien de DL? Je sais pas. On verra tout à l'heure à combien de DL on commence. Sur mobile, ça fonctionne? Non, c'est sur PC. C'est sur PC. Oh, le Liverpool Manchester United. Brighton qui vient de taper Liverpool, qui pourrait faire le double exploit. Et Brentford contre City. Allez, un match nul là. Un match nul Liverpool. Ah, mais non, mais ça, c'est la coupe, ça, non? C'est la coupe ou. Ouais, non, c'est pas la coupe. J'ai vu que United, il joue à Liverpool, je crois, dans une coupe. Oh, Liverpool. Oh, c'est bien, parce que United n'était pas tombé. C'est pas si mal. Ils ont deux matchs d'avance, 34 points. Ça fait que ça resserre. Oh, par contre, ça va être une saison de malade. Ça va être une saison de malade, mais au moins première défaite de United. Première défaite des Mancuniens, ça c'est parfait, ça. Donc c'est pas mal du tout, au final. Je suis à 7.2 toujours avec un match de retard, c'est bien. Si jamais Brighton peut faire un petit exploit, on prend. Bon, compliqué. Je peux le comprendre, il est difficile. Brentford, on compte sur vous, on sait jamais. Calvin Phillips encore. Oh, un petit but marqué par City. Qui les suffit. En vrai, PA, c'est pas un mauvais jeu pour un gacha. C'est juste le même de l'OP interdite, mais c'est pas si mauvais. Ouais, bah dans le style. Non, mais c'est juste que j'ai pas envie de vous faire bluff. J'ai pas envie de venir tu vois, sur faire l'OP Red Shadow Legends en vous disant bah en fait c'est vrai que au début je savais pas que j'aimais les gachas, puis au final c'est vrai que tout d'un coup là c'est sympa le système de ah, puis en plus on peut même avoir un orc, tu vois. J'ai pas envie de venir là-dessus, donc je vous le dis, bien sûr qu'on est un petit peu en vendage de cul. Je préfère être honnête avec vous, tu vois, plutôt que vous dire non, mais je vous assure que bah moi honnêtement FM, si j'arrête FM c'est pour jouer à Red après, hein. Enfin, je compte vraiment y jouer. Enfin, même ma copine là, quoi. J'ai pas envie de vous créer toute une histoire, je préfère être honnête avec vous. Et... Mais on va le découvrir. Du coup, on va découvrir. Moi, j'ai jamais vu ni rien, donc... je pensais pas faire pire que 5 semaines sans sexe, puis il y a eu une semaine sans popcorn. Merci. Merci beaucoup, Poto. Tu touches pas un pourcentage si on achète un truc en ligne. Je touche pas un pourcentage. Oh, Chelsea qui gagne. Mais en gros, ils regardent si le jeu vous plaît. Je préfère grave l'honnêteté. Bah ouais, non, je préfère. Tu vois, il y a des jeux où... Où je suis en hésitation. Là, je vous avais dit que de base, je le ferais pas, sauf s'il y a justement une énorme offre. Bon, l'offre est arrivée. Serveur full HS. Parfait. Ah, c'est normal, bah, je suis vraiment la waiting room de Red, donc... Sanchez qui est de retour. Puis on a forcé, c'est ça. En gros, en fait, je crois qu'il check pour l'OP. Et s'il y a genre 5% des gens qui, du coup, aiment le jeu et participent au jeu et mettent des sous, après, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour le streamer. Après, ça devient insane. En gros, je crois que c'est ça le truc. Mais bon, le but n'est pas clairement de faire une OP par semaine de raid, loin de là. Mais voilà, je vous le dis, c'est un truc qui s'est fait honnêtement en plus sur FM, c'est pour ça que les gens qui étaient là sont au courant. Mais c'est vrai que ouais, je préfère vous... Enfin, j'essaye d'être assez transparent avec vous, et c'est vrai que c'est toujours particulier, parce que c'est des sommes où c'est aussi hallucinant, donc peut-être à ce moment de passer à côté est un peu particulier aussi. Une OP par jour. Mais en plus, vous êtes plutôt cool avec tout ça, donc c'est fantastique. Comme je suis transparent, vous êtes cool aussi, donc... C'est très beau. Bref, on a encore le temps, là, c'est pas tout de suite, hein. On va y aller après. Ça avance, c'est fait, t'inquiète, c'est ça. Je vends un bout de cul, quoi. Je vends un bout de cul, fallait pas dire ça. De quoi, donc? J'installe le jeu. Mais tenez, je vous mets le lien. Mais faites-le tout à l'heure, hein, faites-le tout à l'heure. Sinon, vous allez le faire à plusieurs fois, quoi. À plusieurs reprises. Hop. T'as de la chance qu'on t'aime. Mais en fait, des gens me disent que le jeu est pas claqué pour ceux qui jouent. Ceux qui connaissent pas me disent que c'est flingué. Je sais pas. Je pourrais être honnête, je sais pas. C'est un style après dans le genre de jeu. On verra ça tout à l'heure. Mais non. Mais je viens pas d'avoir un 3 étoiles. Pardon, excusez-moi, je me mets juste en condition. A besoin parfois d'un peu de répétition. Alors, les amis, nous y allons. Nous y allons. Le petit Ahmed Traoré, est-ce que j'y vais?
Ou est-ce que je continue Jamie? Il est quand même meilleur. On va continuer avec du Jamie. Gendouze, la Gendouze, il est là, hein, la Gendouze. Ahmed, après, on le respecte pas tant que ça, quoi. On est contre Burnley, vas-y, j'envoie du Ahmed. On verra, je vais envoyer un petit Lozano parce qu'il est quand même bien dégueulasse, Sigurdsson. Je vais mettre un petit Tsigankov sur le banc à la place de Rény. Et est-ce que je mets Davinson directement? Davinson, il s'est déjà blessé. Je pourrais pas le faire jouer avec le U23 plutôt. J'ai déjà sélectionné le U23. Fantastique. Fantastique. Parfait. J'aurais dû me mettre en offensif. Je vais pouvoir refaire. C'est que sur PC. Yep. Wood. Barco. Ok, parfait. Ahmed, il a plus les stats, mais Jamie fait plus le taf sur le terrain. C'est un peu ça, ouais. On va pouvoir passer en offensif. Vous pouvez changer ici hein, avant le match. Hein. Allez, les gars, assurez. On est sur une bonne série. Je veux un gros match. Je crois en vous. Allez, les frérots. On y va, la tête haute. Allez, mon Seb. J'ai besoin d'un but, là. On est à domicile. Il faut reprendre des points. Pour l'instant, on est à 9 sur 9 dans cette session. En première ligue, on a besoin d'aller chercher plus haut. D'accord, boum, la pub. Allez, Sergio, deuxième poteau. La grosse tête. Putain, Booba, ça passe à côté. Combien de temps encore pour Nedelec? Je pense que c'est février, à peu près. Donc, il y a le temps, quoi. Oui, Sergio. Oh non, j'ai cru à Esposito qui s'élevait plus haut que tout le monde, là. Allez, prends ton jaune. Il prend même pas de jaune. Allez, Ahmed. J'ai besoin d'un éclair de génie. Renan qui retrouve son côté gauche avec Ahmed. Il est pas là, l'éclair de génie. C'est bien, Badia. Super. Oui. Dommage. Gendouze pour Douglas. Douglas qui déborde. Douglas qui ajuste ses poteaux. Oh, le centre-tir. Renan Lodi. Allez, les gars, là. Lozano, oui, monsieur Matteo. Oui, monsieur Matteo. C'est la deuxième fois qu'on le voit, ça. Le deuxième poteau de la tête, Matteo. Il nous fait du bien. Ah, il nous fait beaucoup de bien, là. Allez, les trois points, là. Il faut enchaîner les victoires. Allez, Sergio, encore dans la boîte. Le corner, ça panique en face. C'est Burnley, les gars. Tous ces matchs-là, on a eu des soucis en première partie. Là, il faut réussir à les... Oh, non. L'arrêt qui lâche. Par contre, après, on n'a pas eu de match contre des gros, hein. Pas le prochain, je crois, le match d'après, ça sera contre City. Là, ça sera un peu plus difficile. Allez, Matteo. Oui, Matteo, l'accélération. L'accélération de Matteo, côté droit. Matteo qui repique sur Gomez. Gomez avec Gendouzi. Matteo, c'est sublime. C'est sublime. Matteo qui nous montre un très, très gros niveau de jeu, quand même. Vrai, installe Malware. Non, en fait, c'est juste que de temps en temps, tu peux cliquer sur des pubs qui sont autour du stade, sur FM. Genre... Non, heureusement que j'ai pas des pop-up qui se lancent comme ça, ça serait terrible. non, j'ai joué Tottenham. C'est vrai que j'ai battu Tottenham, mais Tottenham, ils sont 16e à l'heure actuelle. Ils font la pire saison. Tu vois, en fait, si tu cliques là-dessus, là, sur tous ces trucs, tu peux... Mais c'est souvent des trucs... C'est pas de la pub, c'est plus des trucs associatifs. Ou FM est associé. Tu peux l'enlever dans les options. Oh, ça me gêne pas, ça fait un petit habillage, quoi. Hunting Sama, 51 mois, tu m'as dit quoi? Go faire une grosse partie sur Skype. Merci Dirt aussi pour le 23e mois. 29e mois. Ah, ça passe à côté, ça. C'est les partenaires de FM, ouais. Exact. Allez, Badia Traoré. Lozano qui va jouer avec Ahmed. Ahmed, l'ouverture pour Matteo. Oh, Esposito, c'était intelligent, c'était bien effectué. Le petit... La petite reprise, là. Badia, ça passe au-dessus. On leur met une grosse pression. Hein. J'ai hâte de voir, là, contre City à l'extérieur. J'ai hâte de voir. Hein. Esposito toujours... Non, c'était pas facile non plus, hein. Je vais tester Esposito en attaquant complet, attaque, pour voir un peu si ça le fait un peu plus jouer. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a du mal à partir là où ça marchait très bien, c'est à la limite du hors-jeu, quand justement il a des ballons dans le dos. Et je trouve qu'il a très peu de ballons dans le dos au final. Tu vois, c'est très rare qu'on le voit partir à la limite du hors-jeu et tout. Donc, quitte à ce qu'il joue pas ce style de jeu, essayer de le baisser un peu. J'ai eu envie de laisser un peu pour tester parce que ça sert à rien de voir un match et de se dire vas-y, on change tout. Que je fais trop souvent, je dois avouer, parce que t'as toujours envie que ça soit au mieux, quoi. Mais premier ou deuxième LDC? Premier en LDC. Super, Gendouze. Non, mais il y a moyen de se relever plus vite, là, pour le récup. C'est taclé dans le vent. Sergio. Douglas. Sergio. Gendouze. Ahmed. Lozano. Tout le monde y va de sa frappe. Attention. Super, Badia.
Elle est belle la passe. Super Renan. Super Renan, le suivi est beau. Le suivi est beau, on va se mettre du moment clé pour voir un peu. J'ai cru qu'on allait reprendre le hors-jeu en retour. Oui, dommage Ahmed. Dommage ça Mohamed. Là c'est vraiment Matteo qui nous fait le match. Hein. Sans Matteo, on gagne pas. Chris Wood. L'ancien de Leeds. Néo-zélandais. Grosse session quand même, une défaite anecdotique. Non mais elle fait du bien cette session. Mais c'est vrai que c'est dur hein, quand tu joues le titre, quand tu essaies de jouer la Champions League, il faut pas faire d'erreur quoi. Il faut pas faire d'erreur, un match nul c'est déjà une erreur. Et c'est vrai qu'on a eu 5 matchs nuls sur la dernière session donc... Il n'y avait pas que du mauvais mais tactiquement j'ai pas fait les meilleurs choix c'est clair. Allez Lozano on récupère. Oui le dribble, Moins bon ça. Moins bon. Ma fiche merci. Douglas. Douglas qui repasse par Matteo. Gomez. Pff, la frappe sur le poteau. Sergio aussi c'est quelqu'un. Hein. 7,5. Juste avec des passes clés. Explode qui offre un sub. Merci. Tu vas t'en vouloir en fin de saison si tu le loupes pour le titre à 2-3, à 3-4 points. On va voir. Ce qui est fait est fait. Quoi ? C'est devenu un mec du cirque, Esposito. C'est devenu un mec du cirque. Il met un but tous les 4 matchs et il me tente des trucs. Oh, le poteau encore. C'est vrai qu'on joue beaucoup avec jouer le ballon dans la surface, mais c'est ce qui nous permet aussi, que ça soit de la tête ou quoi, d'essayer de trouver des solutions. Il a tenté d'utiliser le fluide. Est-ce que je donnerais pas un peu de temps de jeu à Tsigankov? J'ai peur qu'il se blesse ce con. En même temps, il a besoin de 20 minutes, quoi. Il a vraiment besoin de 20 minutes. On va attendre un petit peu. Faut te détendre, c'est un jeu random. Oh là là, mais ça mériterait... Ça mérite même pas d'être sur mon chat, ça, tu vois. Triplé. Triplé de Matteo. Le triplé des familles. Le Matteo qui est en train d'exploser, qui remplace Esposito. Ça, c'est très beau, ça. Oh, ça fait du mal, ça fait mal de le remplacer, ça fait mal, mais il est fatigué en plus. Il est fatigué, on va mettre Tsigankov pour qu'il puisse jouer 15 minutes. Se remettre bien, est-ce qu'on a pas quelqu'un qu'on pourrait... Sanchez aussi, à 3-0, je suis tranquille, on va le faire jouer un peu. Créer un peu de lien avec Camara, trop sûr de lui. C'est Sergio Gomez qui serait peut-être le mec le plus enclin à tourner. On va mettre un Scott, 3-0 de toute façon. On va baisser un peu l'intensité, on veut pas de blessure là-dessus. C'est parfait. Non mais laisse gros, t'inquiète, c'est normal. On n'en veut pas des gens qui... Quand tu vois quelqu'un de passionné et que tu prends du temps pour quelque chose qui t'intéresse pas pour le rabaisser, faut même pas prendre du temps pour ces gens. Nous passons à la suite. 4-0. Oh, il y a Elder Costa qui a Burnley. Oh, il s'est retrouvé là, lui. Il a fini ici, le con. Mal. Il fait l'effort hein, défensif d'aller chercher le ballon. Hein. Winky, merci beaucoup. Il y a combien de changements possibles pendant le match? 3. C'est un match de foot. En fonction, du règlement du championnat. C'est mon vieux Elder, ouais. Ton stream me rappelle les saisons sur Entraîneur 3, 198-99 avec Barthez à Monaco, du Gare à l'OM. J'ai pris un coup de pelle, putain. Oh, Espo! Le ballon en profondeur trouvé par Scott Rayy. Non, moi j'ai commencé plus tard, putain. L'entraîneur et tout, j'ai pas joué, moi. Les Giroud managers et tout. Oh, le Scott! Ah, il a un vrai pied gauche. Hein. Oh, le Espo. Ah, bah, après, le goal aussi. Oh, le goal, c'est un truc. Hein. Le goal, il a le ballon à 2 mètres. Il s'est pas dit qu'il allait y aller, quand même. Bon, un petit but de Espo qui fait du bien, quand même. Que le triplé de Matteo. Matteo, hein, au final. Hein. Allez, très belle victoire, les gars. Matteo, sublime. Hein. Le triplé. 4 passes D, c'est mes joueurs du milieu de terrain. Petite passe pour Lozano aussi. Roger Lemaire, ouais, il y avait Roger Lemaire. Ouais. Moi, il m'avait fait jouer. J'avais fait un truc. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est PlayStation qui faisait ça. PlayStation Box. Pas PlayStation Box. Une émission où t'es dans le truc PlayStation et ils te font découvrir. Ça vous dit un truc, une émission PlayStation, quelque chose? PlayStation... Putain, comment ça... PS, ça vous dit rien? Vous devez connaître, vous avez déjà vu. C'est une émission où il y a des invités à chaque fois. Il y a un invité, il y a une voix off. PlayStation Home, PlayStation Room. J'essaye. Non. Playzone. Playzone, exactement. Avec Bernard, avec Bertrand. Playzone. Et ils m'ont fait jouer. Je suis où, je suis là.
Ils m'ont fait jouer. Putain, c'est vieux ça. Décembre 2017. C'est Bertrand Hamin. Oh, il y a Pascal Olmeta. Et en fait, ils m'ont fait jouer à Téléfoot Manager, je connaissais pas du coup, sur PS1. Est-ce que je suis précis ? C'est la question. Oh ! Ça t'appelle déjà de l'OP ? Non, c'est pas... enfin, c'était un truc gratuit, pour le coup, j'étais pas payé pour ça. C'était... c'est un moment cool où tu découvres des trucs. Et ça, ils m'ont fait jouer du coup à Téléfoot Manager, si je dis pas de bêtises. Hein. Attends, je crois que j'ai le truc à vendre. Ouais, Téléfoot Manager. Ah, du beau bruit. Et du coup, je connaissais pas. J'avais l'occasion de tester ça. Je l'ai eu sur PC. Elle fait plaisir, la barbe, coach. La barbe, elle fait du bien, hein, à vous. La barbe, elle soulage. Hein. Kex, merci. La peu coup. En vrai, j'ai la même coupe. C'est quand j'ai les cheveux trop longs. T'étais si jeune. Bah, c'était il y a... décembre. Il y a 2 ans et demi, quoi. C'était il y a... C'est fou de prendre 10 ans en 2 ans. Hashtag ad. Non, non, mais pour le coup, c'était pas une OPS. T'as 10 ans de moins, on dirait. Ah, on a pris un peu de maturité, quoi. Vous savez, le fait de passer par Lens m'a beaucoup appris sur la vie. Oh putain, on joue contre City à l'extérieur, là. On dirait que t'as 17 ans, mais j'ai toujours fait hyper jeune. Hein. C'est pour ça que la barbe est un bon camouflage. C'est du bon... c'est du très bon, ça. C'était pareil, Olan Deserto, pourtant, c'était bien avant. Ouais, ouais, c'est vrai que mais en fait, j'ai très peu changé entre mes 15 et 22, 23, 22 ans. Ansu Fati, c'est 200 millions. Oh. Mais en même temps... En même temps, quoi. Oh, l'Ovro majeur qui remet un doublé, mais c'est fou. C'est parce qu'il est passé par Leeds. Hein. Ah, sinon... Ce serait pas ça, sinon. Team 94, Imberbe, tu connais. Matteo Traoré. Traoré nous a fait un très bon match. J'ai même pas vu tant que ça, au final. Il nous a fait quoi, le Traoré? 8,4. 4 erreurs, quand même, 4 passes clés. Beaucoup d'erreurs encore, hein, quand même. C'est dommage, ça. Hein. Eux font bon. On leur met 4-0, ils font moins d'erreurs que nous. J'ai 25 ans. Je suis de 94, je suis du 12 juillet. Peut-être se recruter un défenseur. Ouais, il est pas mauvais, hein, le Doug, hein, quand même. Hein. Mais il pourrait être un peu plus haut, quoi. Un peu plus haut. Prendre des douches à l'huile de ricin, ça a l'air d'être réussi. Hein. Oh là là! Mais U18 de Leeds, Kevin Edge. Kevin Edge. Pas un talent particulier, le Kevin. Le Kev. Le bon petit Kev. Fatih dans ma game, je l'ai eu pour 60 millions parce qu'il sortait une saison de merde et maintenant il est trop chaud au Ballon d'Or. Tu m'étonnes. Je pense que c'est peut-être le. Ouais, le plus gros potentiel. Je sais pas exactement. Je sais pas si Gourou, tu sais ça, qui est le joueur qui a le plus de potentiel dans le jeu. Et j'avoue qu'en dessous, Fatih. Mbappé, ouais, j'avoue qu'Mbappé est peut-être un cran au-dessus, ouais. J'ai pas le droit de répondre à cette question. Ah, Kiki. Ah, Kiki, il est très jeune, hein. Kiki, il est de 98, hein, c'est fou, hein. Puis Greenwood. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a du... Attends, mec, il a des stats, quand même, en dessous Fatih. Il y a peu de choses qu'il a pas, quoi, hein. Dans les stats importantes pour son poste, il a 4 ans de moins, quoi. Mental un peu faible, ouais. C'est vrai que mentalement, c'est un peu faible, mais bon. Ouais, si sur le volume de jeu, tu peux en avoir besoin, surtout en soutien. Faut faire les allers-retours, quoi. 4 ans tac, 4 ans marquage, c'est pas lui qui fait les efforts, quoi. Très déçu de lui, il n'arrive pas à s'intégrer. Ouais, après ça, c'est encore un autre souci, ça. Pourquoi je me tape... Ah, parce que je me tape l'intégrale de la Coupe d'Angleterre à chaque fois, je vois tous les matchs. C'est quel stade pour les gros matchs? Il n'y a pas vraiment de stade pour les gros matchs, c'est en fonction de... Ah, on aura des régènes. Bon, de toute façon, comme d'hab, ils vont être à chier, je pense. Hein. On suit un de nos jeunes, un de nos ailiers s'avère prometteur. Ok, c'est... Il y a plusieurs jeunes, de nombreux ailiers, ok, c'est à chier, quoi. Ce groupe de jeunes joueurs est particulièrement faible, malheureusement. Nice. Super. Oh. Là, il me faut un match nul. Hein. Entre United et Arsenal, il me faut un match nul à tout prix. Hein. C'est le match nul à tout prix, là. Et City, si jamais il y a une petite défaite, ça mettrait bien.
juste avant de les jouer à l'extérieur. Oh, bon, c'est bien pour City, mais Greenwood le doublé. United qui se réenvole. United qui se réenvole. Après, si je gagne... Ah, mais faut que je gagne à l'extérieur contre City, quoi. Ça, c'est plus compliqué, ça, tout de suite. Hein. Ça, tout de suite, c'est autre chose, quoi. Pedri détruit Ansu Fati chez moi. Merde, Pedri. Après, c'est pas exactement le même poste, mais c'est pas mal. J'avoue que c'est propre aussi. Hein. FC compliqué. C'est vrai que je le dis beaucoup. On en est où en Ligue des Champions? Je suis qualifié pour le prochain tour. J'ai fini premier. Et une nouvelle blessure, ça va qu'un seul jour. Lozano qui va parler, qui parle anglais maintenant. Ça, c'est très bon. Traoré qui progresse. Ça, c'est très, très bon. Tirage de Ligue des Champions, c'est quand? Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Joao Félix, mais Joao Félix, il est aussi à United. Il est placardé. Ah, il est pas dingue, là. Enfin, en stats, si, hein, mais en jeu, après, ils l'ont beaucoup fait jouer buteur. Ils l'ont beaucoup, beaucoup fait jouer buteur, United. Est-ce que Sanchez s'est enfin trouvé un pote? Bah, je crois pas. Du coup, je l'ai fait rencontrer des supporters et tout, histoire qu'il s'adapte, mais... Le truc, c'est que je peux pas ne pas mettre Matteo vu les matchs qu'il m'a fait là. Et Tsigan, très bonne entente pour Guendouzi et Sergio Gomez, c'est bon ça. Et très bonne entente entre Douglas et Matteo, les Brésiliens. El Brasil. Après, j'aurais United en Carabao, ça me gêne pas de sortir de Carabao Cup. Hein. Ça me gêne vraiment pas de sortir de Carabao Cup. On l'a déjà gagné, la FA Cup, je privilégierais un peu. Doom, 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 doom. Le gros majeur doublé, ça. Comme ça, ça se sent. Ah, expulsé. Ça se sentait. Toujours. Je suis un de ceux qui fait le plus la différence. J'ai toujours une vision à... une vision long terme. Je viens pas pilier par hasard. Scotty. Bon, allez, City, là. L'Etihad Stadium, on le retourne. Il n'y a pas beaucoup d'autres gros matchs. 22 décembre, le tirage de la Ligue des Champions. Ok. Esposito considéré comme formé au pays. Parfait. Bon, j'ai téléchargé Red et je kiffe de ouf. Ça, c'est sublime, Clems, en fait. C'est le but. Hein. Je viens de récupérer que Tonali en fin de contrat. Oh là, t'es chaud. Mais ça met bien, ça. Le Tonali en fin de contrat, c'est rare. Profite. Ok, avec qui on part? Je pense de la Guendouze. Traoré nous a fait homme du match, le match précédent. J'ai envie de le refaire jouer avec Shackleton en renfort. Il y a du gros Badia en ce moment. J'ai envie qu'on y aille comme ça, en positif. Vraiment, zéro tuning? Je troll. Pour Tonali, le resub, merci. Expo à gauche. Non, Lodza, il nous a fait une bonne passe D. Bon, je troll, désolé, mais ça me semblait. Mais Esposito en attaque en complet. J'ai envie de voir, parce que les contre-attaques contre City, ça peut aller vite. C'est pas à l'Etihad que Pique est rentré dans la légende, c'est exactement ça. On y va. À la mi-temps, je le passerai en complet pour voir. Je comprends rien du tout, mais je kiffe. Let's go, Leeds. Vinicius Junior, tiens, justement, des gens voulaient voir. Wow, bah bon, mais pas non plus. Il devient fort, Santiago Simon. Lui, il a une clause de rupture à 5 millions. Lui. Ça vaut le coup. Hein. Bernardo Silva, Kovacic, Foden, Todibo, Stones. Il n'y a pas De Bruyne? C'est pas mal, ça, s'il n'y a pas De Bruyne. C'est blessé, De Bruyne. Il a besoin de repos. C'est pas mal du tout, le Thomas Tavares aussi. Jadon Sancho qui est blessé aussi. On dit oui à la vie, là. Là, c'est 7,63 de moyenne. Hein. On sentait qu'il faisait un peu le jeu. On dit un gros oui à la vie. Allez, les gars. À l'extérieur. Allez, direct. Tout le monde est dedans, là. Tout le monde est dedans. On a besoin d'un gros match, les gars. Allez, une victoire serait folle.
Allez les mecs, c'est un des gros chocs. C'est ce qui va savoir si on a justement de quoi aller chercher peut-être la victoire, le titre. C'est hors-jeu ? C'est hors-jeu. J'ai vu, cet enfoiré, il est hors-jeu depuis 10 minutes. Il est hors-jeu depuis 10 minutes. Il est parti en hors-jeu, il s'est arrêté et il a pas rebougé. Ouais, on prend ça. Oh, c'est trop dur cette vie. C'est trop dur cette vie. Oh, mais c'est une vie de... Même le jeu, il pensait qu'il n'était pas dedans. Oh, ça allait trop vite, là. Encouragé. Oh là là, Bernard dead. Tu veux la PL, mais la PL ne te veut pas. Allez, les gars. Camara. Putain, sur coup de pied arrêté, en plus, quoi. Donna la main en mousse, là. Allez, les gars, c'est pas fini. 20ème minute. On sait qu'on peut le faire. Bien, Renan. N'oublie pas le ballon. N'oubliez pas le ballon, les gars. Allez, Badia. Confiance en Badia, Renan. Allez, mon Badia, là-haut. Super, Sergio. Super, ça, Badia. Allez, Renan, on provoque. Allez. Arrête de faire ça. Impossible. 70 ans, il continuera à le faire. Côté gauche, grosse frappe. Ferland Mendy. Tadibo avec Kovacic. Kovacic, Foden, putain, c'est... Super, Renan. Super le retour. Allez, long ballon pour Esposito. Allez, mon fils. Ahmed. Ahmed avec Lozano. Qui va repasser par le centre. Peut-être pour un Sergio Gomez. Finalement, c'est sur Guendouzi. Matteo. Matteo, là. Le coup de rein. Oui. Non, comment, Espo ? Tire à gauche ! Comment tu tires sur le gardien ? C'est pas croyable, frère ! Matteo, il fait tout. Le but est vide et tu lui retires dessus. C'est bien, Guendou. Je vais foutre Matteo en pointe et je vais mettre Tsigankov à droite. Hein. On prend plus le foot ou quoi, Esposito, là ? Ahmed. Ahmed pour Douglas. Douglas. À gauche, il a tenté la frappe. À droite, il la tente aussi, du coup. Hein. Allez, à hocher de la tête, tu hoches de la tête, toi, t'as envie de te barrer ou quoi? Si tu veux te barrer, tu me le dis, hein, mec. Hein. Je te vends 200 M, t'en fais pas qu'on va trouver un buteur qui est capable d'assurer devant les buts. Hein. Le nez d'Elec, là, il en est où, lui aussi hein? 12 mois de blessure, le con. Allez, les mecs. On peut pas perdre, là. Hein. Ce match, on peut pas le perdre. On va prendre 2-0. Ouf. Attends, Renan, est-ce que je t'ai dit de... Ouais, chill un peu, Renan. Pour un carton jaune, je l'ai trouvé un peu engagé, là, cette... Allez, 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 s'il vous plaît, allez. Boum. Oh, ça passe pas loin, ça passe pas loin, on peut le faire, putain. Je vais passer en offensif, je pense. Oh, Vinicius, 2 de cuit, quoi. Courir tout droit sur long de ligne, c'est pas possible. On se met en offensif. Choix fort du coach. Oh non. Ça passe au-dessus. Ça va être un peu le tout pour le tout hein, qu'on va tenter. Hein. Allez, Tigran. Pour Matteo. Guendouzi. Côté gauche avec Lozano. Lozano. Oh ! On y a cru. On a cru au but de gag. Tigran. Encore Tigran, encore Tigran. Allez, Guendouzi, grosse frappe. Oh ! Là-haut, là-haut. Oh non, 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 ça c'est pas possible ça. Ça je dis non là. Lozano. Oh le centre n'est pas si mauvais. Traoré. Mais putain! Qu'est-ce que vous foutez les gars? Super Booba. Oui? Oh non Matteo. Ok, on va jouer à l'attaque. Hein. On va jouer à l'attaque là.
Hamad, il fait un beau match. Hamad, il fait pas un mauvais match. La case, c'est pas la case le souci là, je pense, hein. Matteo, il est fort en pointe. Je pense pas que c'est la case là qui va nous faire la diff. Je vais mettre un Zappa Costa. Je vais mettre un Zappa Costa. On aura encore un changement si jamais. Demandez plus. Putain, on fait 6 tirs cadrés. Allez, 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 Sergio, allez. Oh non, mais c'est impossible! C'est impossible, c'est que des exploits! Font que les matchs de leur vie! Les mecs, c'est les héros, quoi! Je vais mettre Jamie. Allez, Jamie, vas-y, go. Allez, go, mon Jamie, là. Oh, ça, comment on va pas dessus, ça? Comment on n'est pas sur ce ballon, les gars? 1-0 mené par un concurrent direct. Comment on est... J'ai eu peur. Comment on n'est pas dessus? Ça passera pas, ça. C'est fini. Oh là là, Jamie qui rentre pour faire cette passe-là, quoi. Attends, on prend un vieux coup de pied arrêté, on prend un vieux coup franc direct de Bernardo Silva. Et 2-0. Oh, Donna, magnifique en plus. Oh, c'est horrible de perdre là-dessus. Alors que le match, il est à nous, juste on a trop de mal devant les buts. Sauf si. Non. Oh, j'y ai cru en plus, je suis un enfant, putain. Prends, oui. Oh non, c'est ton pote qui joue à FIFA et qui te troll. Passif. Fait un bon match et... Ah si, c'est pas bon quoi. C'est pas bon, Esposito, je suis désolé, je vais commencer à te le dire, hein, je suis très déçu. Je suis très déçu. Douglas, je suis très déçu. Ah, semble stressé si tu veux, il y a un moment, il n'y a pas de problème, mais... Ça, c'est vraiment dommage parce qu'on perd des points où il y a peu d'erreurs. Il y avait peu d'erreurs le match contre City là et on devait aller le chercher. Ça nous mettait à 35. Là, si on gagne, on est égalité de points avec City. Mais c'était. On n'arrive pas à battre les gros en fait. En même temps, ils ont des sacrées équipes, mais. Bon, allez, hein. Allez, Thales Magnol à Swansea contre Arsenal. Ah, 5-0. Hop, petit triplé de Souza. Ça fait toujours du bien. Leicester, combien vous prenez? 1-0. Putain, eux, ils assurent trop les 1-0. Ça dégoûte PA. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur, on fait pas un mauvais match. Juste, on prend une lucarne, quoi. Merci, Sheva, pour le troisième mois. On prend une Lulu, quoi. On prend une Lulu, ça fait chier parce qu'on avait l'occasion de le prendre, quoi. On a Arsenal. C'est dans 2 matchs. 3 matchs, même. Le FC presque champion, presque niveau, presque but, presque clean sheet. Bande d'enfoirés, c'est pas faux. Ah, ça fait chier, putain, ce match-là. Ah, c'est toujours pas perdu, hein, mais bon. Mais là, Esposito, c'est vrai que je sais même plus quoi dire. Après, il a enchaîné les blessures en début d'année, mais... C'est vrai que ça galère, quoi. Mon Espo a fait une saison à 53 buts. Ouais, mais là, il nous fait une saison de merde, là, juste, hein. Qu'est-ce qui se passe? Assuré. Vous avez raison, je ne marque pas assez. Il me faut juste un peu de temps pour retrouver mon rythme. Qu'est-ce qui se passe, mon fiston? Commence à se demander s'il ne devrait pas rejoindre un plus gros club. C'est ça, genre, qui se passe? C'est donc ça, en fait, le souci. Juste, tu penses au Real, quoi. On vient d'éliminer le Real, tu penses au Real. C'est bien, en tout cas. Ah, t'es pas teubé, hein. Là-dessus, t'es pas teubé, hein. Plus, je l'aimerais à vie, ce con, là. Faut changer Espo, t'as pas le temps d'attendre. Le truc, c'est que si on recrute un autre mec, va falloir qu'il se mette en place aussi, hein. La solution, c'est le Breton, hein. C'est le Nedelec. Ça va toi frérot? T'en es où toi? Content d'appartenir au noyau, mais n'a pas y jouer un rôle important. Déçu d'être blessé. Estime que l'entraîneur... Ça dit quoi toi ma gueule? Féliciter un peu ton comportement, ça fait longtemps.
Merci coach, super. Ah, je vais devoir aller voir la daronne d'Espo, hein, je pense. Hein. La charge des entraînements est insuffisante. Je pense pas trop non plus à me... J'ai l'impression que tu me pètes un peu les couilles là. Hein. Oh, j'avais pas vu. Oh, tombe contre Valence, c'est archi propre. Oh, trop dommage, je voulais le faire. Oh, tombe contre Valence, c'est trop bien. On aurait pu avoir. C'est trop bien, après, ils sont pas dégueux quand même. Hein. Kanjin là, il fait chier là. La chatte, après, on tombe contre les deuxièmes. Hein. Tu vois, genre, hé, la Juve, il tombe contre Bayern. Heureusement que j'ai fini premier. Hein. Après, je suis premier de mon groupe. Hein. Je suis premier de mon groupe, donc. J'aurais pu tomber contre le PSV. J'avais un Naples aussi qui aurait pu être chiant. Il y avait quelques équipes qui pouvaient être chiantes. Mais ça s'est pas si mal passé. Sergio Gomez blessé. Un ou deux jours. Ça va. Dans 15 minutes, les ultras seront là. La MIF. Prends Greenwood au prochain mercato, au pire. Au pire. C'est quoi, 180 millions? On devrait pouvoir le faire. T'as sorti Madrid, ouais, en poule, ouais. Bon, Carabao Cup, oh, Booba, 7 à 10 jours blessé. Oh là là, mais on n'arrivera jamais à faire jouer Booba et Davinson ensemble. En vrai, là, le match contre United, on s'en bat un peu les couilles, quoi. Genre, limite sortir en... C'est tous ces new gen à 150 millions, enfin pas lui, non, mais... À 150 millions estimés. Tottenham qui sort Liverpool. La Carabao, en vrai, limite ça nous arrangerait de jouer moins de matchs. Hein. On va faire tourner. Hein. On va faire tourner. Passe le match contre Manu. Ah bon, on passe pas de match, mais plus de temps pour retenir la promesse faite. Je t'ai fait une promesse, toi? Ah ouais? Tiendra le temps de jeu proposé à son retour de blessure. C'est quoi ton temps de jeu, toi? Toi, tu vas te barrer au prochain mercato. Allez, c'est décidé. Toi, tu te casses. Allez, suivant. Manu. Ah, Manu, le souci, c'est que c'est du... C'est comment ça s'appelle Oh, on va mettre un Scott. Je vais mettre Jamie. Gendouz, il est pas mal là. Je mets un petit Scott tranquillou. Qui d'autre est-ce que je peux mettre? On a qui comme match après? On a un match dans 3 jours, c'est Arsenal et ensuite ça sera Everton. Tiens, Sigurdsson. Voilà, joue un peu. Tu vois, tu joues des matchs. Tu joues des matchs. Mets ton Breton. Mon Breton, il a encore 4 mois. Hein. Enfin, 2 mois, pardon. Le Ricain. Burnley qui veut Craig Rennie. Vous savez combien c'est, Craig? C'est cher. Vend Esposito et achète Haaland. Le truc, c'est que... Pour le temps... Non, là, je remets Esposito et... J'essaye Esposito en attaquant complet, tiens, sur ce match. On va voir. On va bien voir. Après, on n'a pas grand monde de plus à faire tourner, hein. Honnêtement, ils vont plutôt bien tous. Hein. Je peux mettre un Ben Mendy. Surtout que t'as 60 millions de rab, ouais. La casette. Change Espo pour ce match. En fait, j'ai envie de voir si là, dans ce match-là, il marque pas. Dans le prochain, je mets Matteo à la place. Et je mettrai Tsigan à la droite. Matteo est vraiment fort. Hein. Matteo, les gars, a des stats monstres. 18 ans dribble, 15 ans finition, 17 ans passe, 18 ans sans froid. Il va très vite, il est très agile. Est-ce que Espo, il gagne combien? Sinon, je lui propose un nouveau contrat, mais je fais que lui proposer un nouveau contrat. Je vais avoir du mal à me séparer d'Espo, on est trop attaché à lui. Je vous le dis, on est trop attaché à lui. On joue ultra fort, en plus. Esposito, ça a quand même été...
Pourquoi tu fais pas jouer la cassette? Parce qu'on est en 2023 et qu'il commence à être vieux. Et il est pas si fou que ça là à ce moment. Merci Crixus pour le 14e mois. Le peuple veut Mitroglou. Allez, on y va. Mais il veut plus, il veut plus rester à Leeds, il ne marquera plus. Si, si, on peut le convaincre. Juste, en fait, il a été blessé à un mois et demi au début de saison. Écoutez avec nervosité, tout va bien, ma gueule. Tout va bien. Allez, les gars, sortir Manchester United, ça serait toujours bien. Si jamais on perd, honnêtement, c'est pas grave. C'est de la Carabao Cup. Allez, c'est parti. 15 en finition, trop juste. Que dis-tu? Oh, le Scott. Putain, eux, ils jouaient vraiment avec leur... Ouh, le Ben Mendy. Ils jouaient avec le 11, hein. Il avait fait Paris l'année dernière, 2 mois de merde après la blessure, et après, il a fumé tout le monde. Ouais, c'est ça. Espo a pas trop aimé le transfert du Breton. Ça, ça a joué, ça. Oui, Jamie. Oui, Jamie. Oui, Jamie. Oh, dommage. C'est Anderson qui est venu leur... leur titu. Hein, ou c'est peut-être en cup, Anderson qui joue. Mm-hmm. Oh, Matteo. Matteo. Moment clé, allez, on se met en moment clé. Allez. Ma main a coupé que c'est lui qui a blessé le Breton pour s'assurer sa place. Ah, il est fourbe, hein. Le Esposito est fourbe. Nedelec est parti, non, blessé. Allez, c'est pour Matteo, ça. Oh, Badia qui est blessé. Aïe, aïe, aïe. Badia blessé, ça, ça fait pas plaisir parce qu'on a Camara blessé aussi. Oh non, dommage, Scott. Tire du gauche. Tire du gauche. Belle passe. Ça fait plaisir. Oh là là, Zappa. Oh, Zappa, putain. Rashford, il met au fond, ça. Sauf Sidona. Enfin, c'est Martial. Oh, il avait bien plongé, en plus. Zappa aussi, il commence à nous les péter un peu, hein. Zappa, il commence à bien nous gonfler, là. Cette frappe cadrée à 2, on va perdre. Bon, après, c'est de la cup, hein, mais bon. C'est dommage, parce que c'est un peu les mêmes scénarios que City, là. Si Tigan fait des passes à Espo et pas Matteo aussi. Matteo, pourtant, il a une belle qualité de passe, mais le souci, c'est que... il a pas le bon pied, quoi. Il nous fait, lui. Allez, mon Donna. Allez, on y va, là. Sigurdsson. Le niveau 0 du foot. Arnor. Bien. Bien le position. Ah bah ouais, le mec, tu lui mets une passe en retrait alors qu'il y a 3 renards à côté de lui. Arnor qui nous fait un bon match de merde. Ça, c'est super. Je vais mettre Sigan un peu de temps de jeu. Matteo, il aime pas, quoi. Je vais mettre la casette, un peu de temps de jeu. Hop, Zappa blessé. Super, 3 changements faits. 2 blessures. On a bien fait tourner. C'est top. Ça, c'est super, ça. Esposito, 6,9, mais on le voit pas, quoi. Ça, le souci, c'est que... je sais pas ce qu'il fait. Pour être honnête, je sais pas ce qu'il fait. Bon, je pense qu'on va se laisser... on va se laisser mourir de la Carabao Cup. On a Ligue des Champions, FA Cup et championnat à jouer. La Carabao, on l'a gagné l'an dernier. On va pas changer grand-chose. Ben. Le Ben Mendy. Esposito n'est pas décisif. Bye. Ça va, les gars? Ça va? Ça se passe? Tout va bien? La Guendouzi, il y a eu... ouais, il y a... oh, la vache. Non, je pense qu'il faut juste...
C'est pas des leçons de foot, hein, c'est un peu des tests de logique. Il faut peut-être faire commencer à faire prendre là mes joueurs. Je sais pas, ouais, c'est peut-être essayer de leur faire voilà, des petits calculs mentaux. 3 plus 3. Ça joue le maintien. Non, je suis en Carabao Cup, on s'en fout ça. On a perdu là la session, on perd contre City. Ce qui fait chier. Peut-être que je joue un cran plus bas contre les très gros. Ça par contre c'est possible. Voilà, le petit 3-0 qui met bien quand même. Voilà, la gueule de la défense, t'as le Harwood. Bah, en même temps, c'est de la blessure sur blessure. J'espère que Badia prend pas trop. Hein. Je peux pas me satisfaire. Ça, vous en doutez. Il fait quoi, Espo, du coup, là, concrètement? On a 8 frappes cadrées. Espo, qu'est-ce que tu me fais? 78% de passe. Une passe clé. Une occasion créée. C'est triste, mais c'est lui qui a créé le plus de jeux. Hein. Avec Scott à égalité, quoi. Tac, il a fait 2 fautes, une interception. Trois têtes clés. 87% de réussite sur les têtes, quand même. Et 2 tirs cadrés pour un non cadré. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas décisif, mais... Non, on n'arrive juste plus à se mettre dans les situations où, du coup, peut-être reculer d'un bloc contre les gros. Alors... Combien on prend? 1-2 jours, c'est parfait. 1-2 jours. Ok, parfait. On n'a pas à se plaindre là-dessus. On n'a pas à se plaindre. On n'est plus en Carabao Cup, comme je le dis. C'est pas forcément gênant. L'accumulation des compétitions n'est pas forcément ouf, vu le nombre de blessures qu'on a. Donc, check rapidement ton staff pour voir. Non, non, mais mon staff est insane. Hein. Genre, mon staff est quand même assez... Ah, mais j'ai encore un préparateur à dispo. Si je veux. Mais là, je suis premier. Bon, là, je suis genre en recrutement. Je suis 5e, 4e... 5e, 3e. J'ai le meilleur, je suis le meilleur en kiné et en sciences du sport, je suis le 2e meilleur. Donc dans l'ensemble, c'est pas mal, hein, mais... T'avais pas dit que tu ferais demi-finale sur toutes les cups? Ouais, peut-être que mon club va me faire un peu chier. Le titre ou rien? Bah rien, du coup. Bah non. Non, non, non. On a encore... Eh hey, les gars, on vient de sortir... on pensait qu'on allait même pas sortir... qu'on allait même pas sortir des poules de Ligue des Champions. On a sorti le Real, on finit premier, large. On va jouer contre Valence en 8e de finale de la Ligue des Champions. Là, pour l'instant, on fait une session là avec une défaite qui nous fait chier ici. Là, ça va jouer contre Arsenal. Arsenal, c'est clair qu'il faut les claquer. Si on claque pas Arsenal, on va être dans la sauce. On se refait un match. Joueur important, c'est prêté. Joueur important, ça, c'est prêté. En vrai, là, c'est bien. On a eu quelques soucis sur la session précédente. On a eu du mal à marquer. On a toujours des problèmes, bien sûr. Mais bon, c'est la première ligue, hein, les potes. Hein. C'est pas genre on vient et on gagne tout sans difficulté. Ils ont tous la dalle et ils ont tous des équipes de monstres. On les connaît, les derniers matchs de session. Est-ce qu'on se fait un dernier match? On se fait un dernier match contre Everton? Comme ça, là, vendredi, on démarre contre Arsenal très fort. Allez, on se fait le dernier match. J'avais prévu d'arrêter. On commence juste après. On commencera juste après le bon petit raid. 17h raid. Bien sûr, si vous voulez télécharger le jeu en attendant, Raid Shadow Legends, c'est quand même 10$ par inscription, ce qui n'est pas rien du tout. Merci pour votre soutien. D'ailleurs, on a besoin de 2000. Enfin, pour avoir ce prix-là, on a besoin de 2200 inscriptions. Je vous mets le lien dans le chat, les amis. Il faut télécharger le jeu et dépasser le tuto. On va voir combien d'ultra ont déjà créé leur compte et fini le tuto avant d'arriver dans le jeu. Akaros, merci beaucoup. Mais j'ai besoin de vous, en tout cas, les potes. Je vous le dis. Ton lien bug ou le site est done? Non, c'est juste qu'il faut désactiver Adblock pour ouvrir le lien. C'est la pub sur pub. Ça marche sur téléphone. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Eh ben, on refait. On y va, les gars. On y va. De l'adresse mail. On envoie. On est déterminés. Ah, je veux voir du beau téléchargement dès qu'on switch. Nous y allons, messieurs, dames. Excusez-moi, je suis obligé un peu d'être coach. C'est gratuit, non, c'est gratuit. Enfin, je vous dirais pas de faire ça s'il fallait payer. Non, quand même, c'est déjà très cool, City qui gagne. Putain, non, quand même, je suis... j'en suis pas là, quoi. De compte, déjà. Ah oui, putain. Vous êtes là, vous. J'attaque mon avis, oui, pas bon. Hop, parfait. Non mais bon, Alex le guerrier 21. Je dis beaucoup que c'est scandaleux, mais bon, quand on s'appelle Alex le guerrier 21,
On revoit son échelle de scandale. C'est important. Parce que bon... Ah non, c'est pas possible. Vercingétorix, le Gaulois 13, on peut pas être crédible sur un chat, là. Bon, alors du coup, les potes, Everton, c'est une grosse victoire. Oh, le dernier match de session. Esposito est fatigué, tu sais quoi? Je mets du Matteo en pointe. Tu sais quoi? Je mets du Matteo en pointe, comme ça je mets un Tsigankov à droite. Je mets ici, je mets Zappa, qui est cramé, donc non. Je mets Douglas Borrell, j'ai pas du tout Booba qui est revenu, et je vais jouer avec Hardwood, et ça fait un peu chier ça. Je vais balancer un Lozano à gauche, et il est où mon Renan? Renan est là. C'est uniquement sur PC, ouais, c'est sur PC, ouais. Il n'y a pas de lien sur téléphone, il faut le télécharger sur PC, l'OP est sur PC, le lien, vous pouvez le voir, les amis. Mais la casette, non, je préfère Matteo. Les gars, la casette est... Et actuellement, si vous voulez, on compare un peu, juste pour que vous voyez à l'heure actuelle. Hein. Mais la casette, là, il va avoir 33 ans. Matteo, si tu veux, est un peu plus présent que la case, tu vois. J'ai pris la casette, vraiment, techniquement, je devais même pas le faire jouer. Hein. Je l'ai pris juste pour finir 2-3 matchs, si jamais, justement, en situation de doublure. On fait jouer la concurrence. Wingshot, merci d'avoir prolongé le... Jusqu'à mai. On est en 2023, c'est pour ça. C'est pour ça. Gomez, Traoré, ça c'est bon. Le Doug Borrell. Et on va y aller en offensif. Allez, on va chercher des points là. On va chercher des points. J'ai un partenariat avec FM. Non, pas du tout. Non, je... Faut désactiver le bloc pour le lien, ouais. Pour pouvoir voir le lien. Et faut finir le tuto du coup. Pour pouvoir compter comme justement une inscription. À Yart, merci beaucoup. Allez, let's go, dernier match de la session. On est parti. Ouais, potentiellement, Robin, c'était chaud. C'était sur le live. Ok. Ça bouge. Ça y va, là. Ça y va. On découvrira le nombre de gens qui ont déjà fini, du coup, au moment où on switchera le jeu. Allez, direct, Tsigankov, la tête. Boum ! Putain, dommage. Ça aurait été stylé. Je vous cache pas que ça aurait été stylé de ouf. Là, il nous faut une victoire. Everton, ça y est, là. C'est bon. Everton, ils font une saison quoi ? 11e. Putain, c'est ouf. Oh, Arsenal qui est déjà en train de mener contre Burnley. On commence à être loin de 1. Après, on a un match de retard, mais on commence à être loin, là. Il faut rattraper. Il faut rattacher le wagon. Déjà 2-0. En 3 minutes, ça va vite. Allez, Sergio Gomez avec Lozano, avec Guendouzi. Guendouzi, long ballon, c'est sublime. C'est hors-jeu. C'est sublime, mais c'est hors-jeu. Allez, c'est pas grave. C'est que le 70e. Coach vient de me lever. Putain, t'as loupé la session. Allez, la tête. Oh non, la barre. Oh, c'est horrible. Quelle vie de merde. Putain. Qu'est-ce qui s'est passé là? Allez, on coupe. Oh oui! Irving! Mon bébé, ça faisait longtemps! Oh, ça faisait longtemps, mon Irving! Oh, merci! Oh, Hardwood, en plus d'intelligence! Lozano, grosse mine! Oh, c'est bien, allez, encore, un 2-0. On finit la session avec 3 points pris là. En bas. En haut, c'est pas mal aussi. Oui, Matteo? Oh, c'est au-dessus de la barre ça. C'est au-dessus de la barre. Ah, oh, Tsigan, c'est vrai qu'on... C'est l'attaquant intérieur qui joue pour son... qui joue pour son œuf, quoi. Il a besoin de ça aussi, Esposito. Oui. Il va falloir assez vite se mettre un deuxième, là. Hein. Super. Ce Hardwood, monsieur. Hein. Oh oui, la passe est sublime. Oh, monsieur... Irving. Oh, Irving. Oh, je t'aime. Oh là là. La passe d'Hardwood, encore une fois, 2 passes D. Oh, Lozano, il a fusillé. 17 de finition. Hein. Le pire prénom après PA. Putain. Excuse-moi. Très content. J'espère que Seb, d'être sur le banc, ça lui fait du bien, là. J'espère qu'il fait bien moins 10 degrés, là. À Leeds.
Oui, super Ahmed. Super Ahmed. Super Ahmed. Oh, dommage, Matteo. Arsenal 3-0, ça se met bien. Ça se régale. Tu en es à où? Ah, c'est le dernier match de la session, là. 5 heures Lopez, ça sera juste après. Et c'est à télécharger sur PC, je vous rappelle, le lien qui apparaît dans le chat. Si vous ne voyez pas, enfin si quand vous cliquez, le lien ne s'affiche pas, c'est que vous avez Adblock. Que du coup, il faut juste désactiver Adblock pour pouvoir ouvrir et pour être comptabilisé comme un téléchargement. Il faut aller jusqu'à la finalisation de Tsigan. On ne va pas le faire trop jouer, il est un peu fatigué. La finalisation, oh, tu sais quoi? Oh, allez, vas-y, je mets Esposito, je mets la casette à droite. Jusqu'à la finalisation du tuto, qui prend à peu près 4 minutes, quoi. C'est pas très long, en vrai. C'est pas très, très long. Bon, Chelsea qui massacre tout le monde. En vrai, le titre de PL... Oh, mais comment il se retrouve là, lui, il n'y a pas eu hors-jeu. Le titre de PL n'est pas fini encore. Hein. Bon, il faut chatter, mais de toute façon, il faut donner le max. Il y a toujours des retournements de situation. Genre, les Arsenal, ils craquent toujours à un moment, on le sait. Toutes les saisons, ça a fait ça. Lozano à droite, ça fonctionne. Ouais, c'est vrai, j'avais envie de faire jouer la case, en vrai, un peu. J'aime bien, je donne un peu de temps de jeu. C'est mon gars, quoi. C'est mon poteau. Allez, les gars, on l'assure, c'est 3 points. Super, allez avec Alex. Magnifique. Voilà! Tu vois l'intelligence, il lève la tête, triplé d'Irving. Putain, mon petit Mexicain! Bien joué, le triplé. Oh là là. Oh, le Lacazette. Ouais, la saison dernière, c'est Leeds qui a craqué. Bon, en l'occurrence, oui. C'est beau d'y croire. C'est un beau triplé, quand même. Est-ce qu'on ne changerait pas un gars, genre un Sergio Gomez, exactement? C'est tout à fait ça. Clac, on va se mettre beaucoup moins de rythme. On prend moins la défense de vitesse. Soyez plus disciplinés. On se fatigue moins dans cette fin de match. Il y a déjà 3-0. C'est tout ce dont on a besoin. Allez, c'est bon. C'est bon. On l'a fait. Très content du résultat. Plongé dans ses pensées, Jamie. Homme du match pour Irving, bien évidemment. Bien évidemment. Je vais pas dire premier match vraiment facile et Esposito est sur le banc. Bon, après, il y a un triplé de Lozano donc, qui nous a fait un match de feu de Dieu, là. On va juste voir. Première division anglaise. West Ham. West Ham et Southampton. Allez, ça ferait du bien pour finir cette session. Une petite perf de West Ham, une petite perf de Southampton. Matteo qui offre un sub à Kevin. Merci, Matteo. Oh, ils vont rien faire. Oh, West Ham ! C'est super, Seb ! T'es un gars en or ! T'es un gars en or, mon gars ! Oh, ça nous met bien, là. Manu qui chute. On est à 7.2 avec un match de retard. On est à 7.2 avec un match de retard, 8 points d'Arsenal avec un match de retard. Il va y avoir des... Allez, Liverpool, un petit match nul ? Allez, Southampton. Allez, Southampton. Southampton, allez, allez ! Bon, 3-0. C'est déjà bien. Et j'ai un match de retard contre Chelsea. C'est pas rien. C'est pas ton gars, mon pote. Dude. Putain. Bon. Les potes. On continuera vendredi. 24 décembre, jour de Noël. Sheva, merci pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. Merci beaucoup pour les subs. On continuera vendredi avec un gros match, grosse session hein, vendredi. Honnêtement, là, cette session a fait du bien. On a eu des soucis sur la précédente. Là, j'ai essayé de relever un peu la tête. On a fait 2 mois de jeu, quasiment. Carabao Cup victoire, ça, on s'en fout un peu. On a fait un match ici avec 9 points sur 9 en première ligue. Guigui, bienvenue à toi aussi. On a perdu contre la Juve, mais on est quand même premier. Ce qui est quand même incroyable. 5 victoires, 0 nul, une seule défaite avec le Real, la Juve et Lille. On est très très content de finir premier. Ça, il n'y a pas à dire, c'est assez incroyable. Derrière, dans le mois de décembre, pour l'instant, sur 4 matchs, on fait 9 points. Donc, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire 18 points sur 21 sur cette session en première ligue. Donc, c'est ce qu'il nous faut. On va voir, justement, ça sera le premier match de vendredi. Si jamais on arrive à tomber Arsenal... À se rapprocher d'eux, il faut des victoires contre les gros. On a fait match nul contre United à l'extérieur, défaite à domicile contre Liverpool, défaite à l'extérieur contre City. On n'a pas encore joué Chelsea et on va jouer Arsenal. Et il nous faut des gros matchs. On continuera donc vendredi à 13h, les potos.